Oh! Ah, où est-ce que je viens de me réveiller, là? Oh! 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 Oh. J'ai perdu complètement le Norse. Allez, debout, Hugh Junior Bouchards. J'ai dit debout, hein? Ah non! Oh, alright. J'ai eu peur, hein, l'instant, là. Hop là. Y'a quelqu'un? Somebody here? Me dites pas que mes amis sont partis du retour vers Valentine, hein? Je vais mal le prendre. Et le souci, c'est que je ne sais toujours pas où... Je me rappelle plus du tout où est le Valentine, hein? Attendez, j'ai reçu un message de la femme, là, sur WhatsApp. Désolé, c'est HRP, hein? Voilà. Je lui ai fermé son claqué. Cheval! Hop! Tu es déjà là, cheval? C'est pas... Cheval? Tu es mort, cheval? C'est le bi... Il ne reste plus que le B-Root. C'est vrai qu'ils ont tué mon cheval. Oh my, oh my. Ils ont tué le cheval, j'avais oublié. Oh, boo-hoo, oh, boo-hoo. Me dites pas que je vais devoir faire le randonnée, hein. Je reviendrai te sauver, le cheval. Il faut que je me trouve une monture, là, parce que je vais quand même pas faire tous les chemins que j'ai fait jusqu'ici à pied, hein. Qu'est-ce que j'entends, là? Attends, je vais ouvrir mon map. Oh my. Oh my. C'est là, le Valentine, là? Je vais essayer de remonter les chemins et je verrai si quelqu'un veut bien me prendre un stop, là, parce que je sais pas comment je vais faire, hein. Ah, si quelqu'un m'avait dit que ça allait être ça, le début de ma journée, là... Oh, excusez-moi, j'ai mangé le ragoût trop vite. Oh my. Je vais rejoindre les chemins de fer, hein. Oui, c'est ça, là. Ah! Attendez, là, si je remonte, là, par là, je... Oh, je viens d'avoir un flash. Je crois que... Monsieur le Wisconsin Nugget va pas tarder à arriver, hein. Ah, je me rappelle, j'étais avec Daniel Chien ici la semaine dernière. Mais... Qu'on était passé par là, là? Alors, attends, là, parce que... Mais c'est sûr et certain que c'est dans la direction, là? Je vais quand même pas faire tout ça à pied, hein? Il faudrait que je rejoigne les chemins, là? Le chemin de fer? Mais je... Écoute, je reprends un rebrousse-pied, hein? Allez, hop. Tu sais quoi? Une petite randonnée, ça fait toujours du bien aux pieds. Petit dicton. Hey, regarde-moi ça, là. J'ai quand même la chance, hein, d'être ici. Si quelqu'un un jour m'avait dit que je tomberais ici avec mes deux cloportes de Brothers, je l'aurais jamais cru. Hein. J'espère que je suis dans le bon sens. Hein. Désolé, j'ai problème d'orientation. Hein. J'ai pas le choix. Hein. J'espère que c'est Valentine, parce que si ça l'est pas, je vais mal le prendre. Hein. Grizzlies? Oh my... Oh, si je passe par les chemins de fer, là... Est-ce qu'il y a le train qui peut m'écraser dessus, là? Parce que c'est... Si j'ai le train qui me fonce dans la gueule, là, comment j'ai fait? J'espère que... Ah, c'est bon. Je suis tranquille, j'ai l'impression, mais... Mais ça me dit quelque chose, l'endroit. On dirait vraiment là où j'ai arrivé avec mes brothers, hein. Ceci dit, j'ai l'impression quand même que mon brother Barrel Bow Charles veut toujours pas accepter le fait qu'il est adopté, hein. Il croit que c'est moi l'adopté, mais regardez mon gueule, hey. Ça, c'est pas quelqu'un qu'on jette, hein. Je l'ai mérité, ce visage-là. Moi, je fais craquer les femmes. Oui, la seule façon qu'il a de craquer les femmes, c'est en sautant sur le bidou. Ah, c'est beau, hein.
Je commence à avoir mal aux jambes. Hein? Je me pense à cheval. Oh! 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 Je me pense à cheval. Oh! Cheval? Oh my! Oh my! Oh my, cheval! Ouh! Oh, 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 cheval! Ouh! C'est pas vrai, à chaque fois que je siffle, je le revois comme ça. Il a disparu. Mon cœur, tu resteras jamais dans le cœur, les chevals. Encore une fois. Cheval! Non! Encore une fois, Mars! Mars! Complètement Mars, les chevals! Oh my, je vais quand même... Oh, je dois descendre la montagne à pied, là? Non, mais là, je vais me faire mal le guibol, hein? Je crois que... Oh my! Je vais essayer de passer... Ah, oh, le petit chemin, là, je... Écoutez, je vais essayer. Peut-être là, il y a une ouverture, là, on dirait. Ah! Nickel! Ouh, j'ai eu chaud, girl, hein? Aïe! Oh! Ah, les orties! Ça fait mal par où ça passe, hein? Hop là, petit saut de cabri! Hop là! Ça réveille son homme, hein? Je passe par là, là, vous pensez? Haltlands. Ok, je crois que je suis à bon pause. Et... Oh my. 53 inhabitants. Oh, oh, oh. Oh my. Je suis déjà dans le Valentine, là. Hello, farmer. Hello, farmer. Mais il n'y a personne, là, c'est... Y'a quelqu'un dans la maison, là? Bon, de toute façon, je suis à proximité de Valentine, là. Je devrais être avec les gens. Peut-être que je vais trouver la femme, hein? Quand je pense à leur mûrier, j'ai... Oh, d'ailleurs... J'ai une envie pressante, là. Ça m'a tout émoustillé. Ah... Je sais plus comment utiliser le muscle de bite. Ah. Oh. Oh. Ah. Allez. Ah. Ouh. Ça fait du bien par où ça passe. Hein? Dis donc, je devrais perdre un peu de gras là parce qu'on voit plus le bite. Hein? J'ai fait le pissou là, mais il y a même plus le zigounou qui monte sur le bout du nez. Qu'est-ce qui me réveille là sur le côté? Allez hop, c'est fini pour aujourd'hui. Ah. Ah. Ouh. Ah, je me cache au cas où... Oh, je vois un cowboy là, parce que... Mais comment je vais faire? J'ai la dette à rembourser là, le shérif. Excuse me, lady. Good evening. Bonsoir. Bonsoir, lady. Dites-moi, est-ce que vous savez s'il y a moyen d'avoir un cheval pour moins de 2 dollars ou si c'est les prix pratiqués sont élevés dans le coin là? Ah non, 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 non. Je crois que le moins cher que vous puissiez avoir, c'est 10 dollars et c'est un vieux canasson. Oh my, 10 dollars. Et vous connaissez le moyen de se faire de l'argent très vite là? Parce que je vous avoue que je suis sur les rotules. Hein. Alors le meilleur moyen, c'est la chasse, mais je crois que là, actuellement, ça va être compliqué. Okay. Sinon, bah, couper du bois, ça rapporte pas mal. Couper le bois? Okay. Oui. Mais c'est quoi qui fait le bruit là? Oh my! Je l'ai pas vu le cadavre! Ça va, monsieur? Hey, vous le connaissez, mon dame là? Non, mais je crois savoir ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire? Hop, attendez, monsieur. Hop là! Oh là, hey, vous avez de la poigne, hein? Ouais. On va aller hop, chez les médecins. Sur le cul du cheval. Ouais, bah oui. Hop là! Oh, il a pas l'air bien! Eh, monsieur, vous m'entendez, monsieur, là? Je suis à l'oreille! Monsieur, si vous m'entendez, dites oui! Ah bon, on va prendre oh là ça là, pour attendez, un oui, attendez. Hein!
Oui, je vais vite l'amener. Je vous accompagne. Hein. Oh my. J'ai toujours rêvé d'une femme forte comme celle-ci, mais... Elle a pas l'air commode, hein? Je pense pas que ça sorte le pistol le premier soir avec celle-ci, ça je peux vous le dire. Hein. Oh my, salut shérif. Oh. Une belle journée à Valentine avec plein de sous dans les poches. Oh my. C'est bon là, il m'a... Ok, la femme forte là sur le gauche. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, joli toutou. Ah, ça c'est... Le toutou. Viens là, le toutou. Hey, alors. Tu es so cute. Hey, ne bouge pas de là. Je veux juste te caresser le poil. Je peux pas. Pas dans la rue, c'est ça? Ah, quand même. Oh, good boy. Good boy. Good boy. Et du coup, ils ont amené à l'arrière pour vous... C'est bon, là. Ah. Tu forces, hein? Okay, okay. Voilà, c'est bon. Allez, lâche-moi, là. C'est ah, je pourrais piquer les chevals de dame, hein, mais... Oh, peut-être que l'armurière, elle est présente et je peux peut-être me refaire, hein? Hello, sir. Hello, sir. Bonjour, monsieur. C'est... Il s'occupe pas des armes, malheureusement. C'est un concitoyen, il parle pas. Ah, il a perdu l'usage de langue, c'est ça? C'est ça. Il est timide, le bug. J'aime beaucoup votre accent. Hey, de là où on vient, c'est pas un accent. Je suis comme toi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, dis-moi, bon. Toi, tu m'as l'air de bons conseils. Est-ce que tu as moyen de trouver de l'argent, le genre or, comme on dit chez moi, là, très vite, parce que j'ai plus de sous. Hein. Bah, ça dépend, tu veux le faire comment, l'argent? Ben vite, hein, j'ai besoin vite de sous. Hein. Vite avec du risque ou vite avec sans risque? Ça dépend ce que tu appelles le risque. Une fois, j'ai mangé un jalapeno. C'était le plus risqué que j'ai fait. Hein. Ah oui. Bah là, il y a risque de prison en soi. Ah bah non. Hey, oh, je touche plus à ça. Moi, je me suis fait choper par la police déjà. Hein, donc, c'est hors de question. Alors, un travail honnête. Un travail honnête qui fait de l'argent vite. Tu peux faire des livraisons à Saint-Denis. Mais j'ai même plus les chevals, je dois me repayer les chevals. Regarde, viens voir, je vais te montrer. Viens voir, oui. Viens voir. Tu vas bien voir. Ouais. Regarde. À chaque fois que je siffle les chevals, là, regarde-moi ça. Hop là. Il est malade, le canasson, il est complètement fini à la pisse. Eh ben, je te l'avais dit, hein. Il faut le réanimer. Bah ben oui, mais on m'a tué les chevals, et comment je le réanime? Il faut aller à l'écurie avec moi. Ah ben oui, ben... Attends, tu me suis, hein, Pedro? Bon, il va mettre le temps qu'il faut, hein, mais... Ouais. Là, faut aller à l'écurie, et il faut 20 dollars pour le réanimer. Oh, mais j'ai... Oh, mais monsieur, mais c'est là tout le problème, j'ai que 1,8$. Mais non, vous avez pas 1,8$, vous avez 20$. Hein. Mais non, j'étais les yeux sur la tête. $20, monsieur. Oh my, j'ai compris. Voilà. J'ai 21,8$, le fond bout. Ah, voilà. Ça, c'est bien urbain. Hein. C'est gentil, ah, monsieur. C'est... Hein. Mais pas de soucis. On s'entraide, hein, ici. Ah, ça me fait bien plaisir. Hein. Tiens, regarde. Juste pour les souvenirs. Pedro! Ah, non. Il viendra plus, hein. Ouais. Du coup, vous allez dans l'écurie, puis vous le réanimez. Alors, par contre, je sais pas comment le réanimer, parce que j'ai jamais eu de problème avec mes chevaux. Ah bah moi, je vais le découvrir avec vous. Hein. C'est juste ici, l'écurie. Allez, hop. Merci beaucoup, monsieur. Hein. Je le réanime. J'attends. C'est ça. Vous voyez moi, par contre. Hein. Alors, achat des charrettes, mes chevaux. Boubou, je l'ai appelé Boubou, c'est pas... Oh my, Boubou, ça m'a fait tellement mal, je t'ai pas rincé. Boubou, comment je... Wake up, Guerrier. Oh my, je crois qu'il est propre comme un sous-neuf, le canasson, là. Hop là. Boubou. Oh! Ah. Hey, regardez-moi cette queue, monsieur, là, des chevaux. Ouais, mettez-vous très derrière. Bien,
Non, non. Non. Ah, on peut plus rigoler dans le Far West, hein. Et on ne fait pas un ranger, monsieur. Monsieur, vu que vous êtes gentil, ce serait trop demandé d'avoir le 20$ en plus. Bon, je suis de bonne humeur. Et ça, c'est... Je vous le revaudrai, hein. Ou pas. Non, mais pas de soucis. Pas de soucis. Je vous dis, on s'entraide ici. J'ai trouvé les 20$ sous le poche, hein. C'est... Ah, ça, c'est très gentil, en tout cas, monsieur. Bah, monsieur, c'est pas de soucis. Du coup, pour le travail, vous pouvez aller à Saint-Denis. Ok. Je vais y aller dans pas longtemps. En plus, je peux vous emmener sur mon cheval, vu que c'est plus rapide, si vous voulez. Comment ça, c'est plus rapide, Boubou, et le cheval le plus rapide de l'Ouest, hein? Je veux bien vous croire, mais on a Nest ici. Comment ça, on a Nest? À l'Est. J'ai fouillé. J'ai compris, Hannes, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je sais pas parler. Bah écoutez, monsieur, ce que je fais, c'est que restez dans le ville, hein. Je dois rembourser ma dette à la police et je vous retrouve après, hein. Allez-y. Moi, je traîne vers l'armurerie. Ça marche. Et si vous voyez la beautiful lady qui travaille à l'armurerie, vous me le dites, hein. Je crois que c'est... Ouf, j'ai peur de le shérif, hein. Monsieur le shérif? Monsieur le shérif? Bonjour, monsieur. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Oui, dites-moi, monsieur. Alors, comment vous dire? J'ai fait une entrave à la loi, là, il y a une semaine, et je dois 20$ pour ce que j'ai fait. Je le dois à qui, le sou, là? Vous avez perdu le parole? À moi. Ouais, désolé, j'ai eu un petit... À moi. Ben, venez. Ok, c'est parti pour la paperasse. Oui, bon, ça va, il n'y aura pas trop de paperasse. C'est quoi votre nom, prénom? Vous pouvez me présenter une carte d'identité rapidement? Oui, je le fais. Hop là, use. Hop là. Alors, monsieur Bouchard Hugues Junior. Okay. Moi-même. Enchanté, monsieur. Eh ben, enchanté, monsieur. Sheriff Billy Hawks, monsieur. Ah ben, Billy Hawks, c'est plaisir de faire ça avec vous. Eh ben, plaisir partagé, monsieur. J'ai rangé la carte, hein, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. C'était pour une possession d'opium, c'est ça? Oui, enfin, on m'a mis le opium dans le poche, hein, j'ai pas vraiment en possession, mais bon. Le shérif a été gentil pour me baisser le prix à 20$, donc je suis un homme droit dans mes bottes. D'accord, très bien. Je vais prendre vos 20$ d'amende, hein, y a pas de souci. Je signe pas le papier, je suis sûr que c'est pas à vous, hein, et c'est pas pour s'acheter les putes, hein. C'est pour le... Non, monsieur, okay. Vous inquiétez pas. Okay. Il n'y a pas de corruption au sein de ce bureau de shérif. Je vous fais confiance, hein, les chevaux. Alors, hop. Vous voulez savoir comment a fini la dernière personne qui a été corrompue au sein de ce bureau de shérif? Oui, enfin, si c'est pas trop dangereux. Non, hier, on a découvert qu'il y avait une personne qui était corrompue au sein du bureau de shérif. On l'a arrêté, peloton d'exécution, dans la journée. Voilà. Ah, vous faites pas les choses à moitié, vous, hein? Pas de corrompu ici, monsieur. C'est bien ça. Ça, c'est l'époque que j'aime. Bon, bah écoutez, voilà. Monsieur, vous avez le sou, hein. 1899, monsieur, faut pas oublier, on n'est pas des enfants de cœur non plus. Donc, celui qui marche pas droit ou qui file pas droit. C'est un coup dans le cul. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Écoutez, c'est bon. Ça sera transmis et. C'est bon pour vous. Votre amende est réglée. Pas de soucis. Eh ben super. Ben, je vous souhaite la bonne journée, hein, monsieur. Et également, monsieur. Merci d'être allez, passé. Allez, à plus tard. Ah, wouh! Je suis free! Je suis free! Oh, 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 oh! Oh my! Oh my, je suis free! Je cours! Je cours, je saute! Oh, c'est le plus beau jour de mon vie! Ouf! Oh my, je suis free, mais... Oh! Oh my! C'est le caillou dans le rein, là! Oh! Oh my, je suis free, mais... Ah! J'ai terrible envie de pisser encore, là, hein? Je veux pire, hein. Ah. Ouh. Oh, ça fait du bien par où ça passe, là. Allez, hop. À l'abri des regards. Oh, mais c'est Beryl. Oh, j'ai failli me couper les cigounettes. Beryl. C'est toi, Beryl?
Hey, j'ai payé la dette. Fais pas attention. Qu'est-ce que tu fais, Beryl? Mais tu essayes pas d'aller choper la femme, hein? C'est la maison du Radas. Qu'est-ce qu'elle a fait, le Radas? Mais ça sert à rien, je t'entends. Allez, aïe! Mais c'est... Mais j'y suis pour rien, moi, le Radas! C'est pas moi qui essaye. Pourquoi tu... Chérie. Attends, mais viens de l'autre côté. Attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Radas? Madame le Radas! Madame le Radas! Il veut faire l'amour! Mais... Madame Radas! Je comprends pas. Beryl, elle veut pas ouvrir même par devant, hein. Tu vas ouvrir, oui! Tu vas ouvrir! Eh, y a rien à faire, hein, pour la Radas, là. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme? Beryl a besoin de forniquer. Mais ça se fait pas comme ça! Et il faut c'est avoir... Tu as essayé de... Eh, attends, j'ai une idée, mais remets le tenue et on va aller au saloon. Bonjour. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, nous, on fume pas le cigarette. Hein. Si vous pouviez vous écarter, ça fait mal aux poumons. Hein. Nous, on mange de la terre, nous. De quoi? Oui. Enfin, il y a que mon frère qui mange de la terre, hein. Pas moi. Hein. C'est votre frère? C'est mon frère, oui. Ne moque pas de l'accent. Hein. Pas. Je me suis pas moqué, bordel. La cigarette, monsieur. Oust. Oui. Allez, oust. Où c'est la cigarette? Monsieur, c'est pas... C'est pour ma mâchoire, là. Hein? Mais... C'est moi qui me suis fait péter la gueule derrière, là. Ah, c'est vous! Je par ta mâchoire! Oui, allez, oui, Beryl, montre-lui comment... Oh, mais... Hé, hey, qu'est-ce que c'est, le Nimbo qui vient d'apparaître, là? Alerte! Alerte, motherfuckers! AW! Alerte! Viens, Beryl! Oh, my! Oh, my! Oh, 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 oh! AW! Alerte! Y'a des nabos! Hey, fais gaffe au Nimbo, viens, Beryl! AW! Alerte! Prends le train! Hey, mais y'a pas le train! Vite, appelle les chevaux! Allez, viens! Les chevaux! Non, me dis pas que Boubou! Les chevaux! Ah, c'est bon! Allez, viens, Beryl, vite! On a plus le temps, hein! Tu veux monter sur les chevaux? Regarde-moi ça! Hop là. Oula. Hop là! Grosse fesse! C'est bien moi, Beryl. Tu sais où il est, le monsieur Wisconsin Nugget, ou... Non. Est-ce que ça te dit d'aller à Saint-Denis? Oui, je veux travailler! Tu veux travailler, toi? Je veux travailler! Tu veux qu'on trouve le travail ici, là, ou tu veux... Attends, reviens derrière! Ok. Devant le bureau du shérif. Hey, pas de bêtises avec le shérif, hein. J'ai payé mon dette. Yeah, ça, ça... Qu'est-ce que tu dis, Beryl? Tu veux pas quand même... Non, tu... Mais il a peur de toi, le cabot, là. Ramène-le, ramène-le. Mais on va pas prendre le chien, je sais même pas qui il est. Oh, le beau petit chien. Ramène-le, ramène-le. Bon, allez, si tu veux, mais... Viens là, le toutou. Le ça, toutou. Oui, fais ta ronde. Fais ta ronde. Ici. Regarde, j'ai une idée, je vais l'amadouer, le canasson. Là. Oh, viens ici, le toutou. Ah, oh, il se laisse pas faire. Et j'espère que tu vas pas le faire en ragoût, hein, le toutou, là, parce que... Et on te veut pas de mal, les chiens. Libre. Va dans une petite ruelle. Elle le dit pas. Chut. Hey. Alors, c'est dis donc qui est magnifique, hein. Ça, c'est un vraiment beau cabot, hein. Vous avez vu? C'est à qui, les chiens, là? À moi. Ah, bon, oh. Bah, il est vraiment magnifique. Eh ben, on va faire la promenade avec les chiens. Hein. Allez, hop. Allez, avance, le toutou. Allez, allez. Allez, le toutou. Les petites ça, ruelles sont proches. C'est bien. Good boy. Oh, wow. C'est un sacré fils de pute. Bon, toutou. Ah oui, oui, oui. Bah, oui hein. Écoutez. Bon, toutou, c'est bien, les chiens. Non. Qu'est-ce que tu fais, là? On nous surveille. Dans la
cave. Qu'est-ce que vous faites avec mon clubs là? Monsieur, je fais la promenade nocturne, les chiens, il est tout seul, il a même pas le collier là. Non, c'est le mien, c'est le mien, enfin. C'est pas le mien, celui de la shérif, quoi. Ah, mais Beryl, je te présente mon ami. Il m'a donné 40 dollars, lui. Oui, hein, ou, non, c'est les 40 dollars, ils sont tombés du ciel. Vous voulez des chiens? Non, celui de la shérif, c'est mon ami, et du coup, je le garde. C'est mon ami aussi, la shérif. Ah bon? Bah oui. Écoutez, tant mieux, on nous fait une amie en commun. Hey, vous pouvez lui... Homme de parole, hein, Beryl Bouchard. Vous lui faire confiance, c'est mon frère. Bon, adopté, mais c'est mon frère. Un frère reste un frère. Enfin, là, quand même, il l'amène très loin dans le ruelle. Hein. Je vous avoue que c'est de coutume de baiser les chèvres dans mon pays. Si... J'espère qu'il ne va pas faire la même chose avec les chiens. Hein. Votre pays, c'est l'Amérique, non? Je ne viens pas de là, moi, monsieur. Je suis parti. Hein. Eh oui. Ah. Oh my, il est tout seul avec le toutou, monsieur. Je vais aller voir. Jeff McKenzie, ok. Premier du nom, my girl. Je connais un chien qui va finir en canigou, hein. Qui a envie de mater, monsieur. Il a vraiment... Vous êtes obsessionnel avec ce chien. Laissez-le vivre sa vie. Bah, d'un point de vue objectif, c'est vous. Vous le suivez depuis tout à l'heure, hein. Hey, essayez de comprendre le monsieur. Tu suis les chiens, là, dans le réel. Comme vous qui le laissez. C'est vrai que c'est pas très responsable, hein, monsieur, franchement. Bon, ah, c'est vrai, c'est vrai. J'admets mon tort. Un joli toutou comme ça dans la rue, hein. Oh my... Il est tout seul, hein? Je m'écarte, hein? Ah, j'aimerais bien savoir où est mon ami Wisconsin Nugget, mais là... Je n'ai pas de flash. Souvent, j'ai le flash, mais là... Bon, Beryl, tu veux travailler ou... Il m'a emmerdé! Hey, je le sais, mais... Comprends le monsieur, c'est les chiens. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et bonjour, et donnez-moi... C'est pas comme ça que ça marche, hein, Beryl. Bah ben, on va à Saint-Denis ou non? Ah ben, allez, je prends les chevaux. Bien le bonjour, messieurs, dames, shérif de New Hanover. Si vous n'avez pas affaire en ville, veuillez évacuer au plus vite. Ceci n'est pas un exercice. On est en train d'évacuer, là. On évacue, monsieur, bonjour, on évacue. Messieurs, dames, shérif de New Hanover, veuillez évacuer la ville. Ceci n'est pas un exercice. Bah, je suis en train d'évacuer, là. Ça marche, monsieur. Bien, bonjour, messieurs, dames. Pas derrière les shérifs. Pas devant les shérifs, hein. Je suis en train d'évacuer. Ne lâche pas tout, hein, Beryl. Attends, yo. C'est pas de ça en ville. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur le kiné? Pas de salle. Pas de vêtements en ville, shérif. Shérif les chauds. Monsieur le shérif, là. Bien, bonjour, messieurs, dames. Shérif de New Hanover. Monsieur le shérif. Veuillez évacuer au plus vite. Ceci n'est pas un exercice. C'est inadmissible. Il y a un orage qui se prépare, monsieur. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville. Bon, Beryl, fais comme avec notre ami le indien, là, le Nimbo. Tu me diriges, hein. Comme si tu étais le Tom Tom, mon invention. Ben là, t'es pas du tout dans le bon, là. Eh ben, je dois aller où? Nord, est, ouest, south? Sud. Eh ben, il fallait commencer par là, hein. Il faudrait peut-être commencer à t'acheter une... map en papier. Et j'ai le map, mais je peux pas conduire les chevaux et regarder le map, hein. Il faudrait qu'ils inventent un truc qui détecte les routes. Un truc qui détecte les routes ou quand le mouche va sur le cadavre, hein? Moi, je te conseille de mourir. Et ensuite... Pourquoi tu veux que je meure? Tu vois Saint-Denis. Ah! Et tu mets quelque chose. Tu mets ton petit... Tu dessines un tracé. T'es sûr que je le peux? Maison de merde! Hey, c'est bon, c'est des braves gens, hein. Hello, sir! Hey, hey, attends. Hey, Beryl, tu as le lasso? Tu as un lasso ou pas? Oui. Ok, on va essayer de dérober des champs sur la route, hein. Oui, mais si tu veux que je l'utilise, faut que je conduise. Bon, écoute. Chacun son tour, hein. T'es sûr que tu veux aller à Saint-Denis? Il y avait pas une ville aussi dans le sud-ouest? Mais toi, va où tu veux. Mais je veux bien aller où je veux, mais je sais pas où je vais.
C'est quoi la ville qui est dans le sud-ouest? Ah, Blackwater, c'est ça. Noirwater, eau noire. Eau noire. C'est du parfum, moi aussi, je m'en mets. Oui, mais c'est pas le meilleur des parfums, hein, l'eau noire. Hein. Dis-moi où c'est, là. Alors. Je suis sur le bon chemin, non? Tu peux pas faire de tracé avec un... Bon, écoute, je prends le temps, hein. Fais un tracé. Le tracé, le tracé... Good boy. Ah, mais... C'est bon, j'ai le tracé. C'est bon, on y va. T'es descendu, Barry, là. Allez, hop. Au galop. Mais tu fais la course? Let's get it. Allez hop! Au galop les chevaux! J'ai eu un télégramme! J'ai reçu un télégramme! Et qu'est-ce qu'il dit le télégramme? Le roi George VII est mort en Angleterre! Bon débarras! Oh my! C'est super triste! C'est lui qui nous a amené toute cette multiculture sur nos terres que je déteste! C'est vrai que la culture de l'Indien, on aurait pu s'en passer, hein? Je les déteste! Crie-le plus fort! Je vous déteste! C'est bien, c'est le pu qui sort, Beryl, encore! Je déteste le multiculturalité! Ouais, pas si fort, hein, parce que là, on est proche de la ville, quand même. Moi, j'aime mon Amérique blanche! Beryl, tu sais que les temps ont changé, les peaux rouges sont nos amis maintenant. Qui c'est ça, des peaux rouges? Et c'est comme le monsieur le Nimbo. Et moi je l'aime pas. Et pourquoi tu l'aimes pas le peau rouge? Mais parce que c'est de la chair à canon ça. Bon, et quand même, monsieur chien nous a bien aidé, hein. De claquer les à terre. Ça je peux pas te le retirer. Quand hein. Je l'ai attrapé au lasso. Oh, ne me relis pas, je m'en rappelle comme si c'était hier. Il a ça dans le sang. Je sais pas où est Johnson. Et Johnson, je crois que... Il a trop sauté depuis le haut de la maison. Hein. Il est pas bien. Il se sent mal. C'est pété les jambes. Hop là, je déteste un ça. Un petit coup d'eau. Hop. Et mais c'est comme les multicultures, le water. Hein. Ah, il y a du... Il y a du monde. Ouh. C'est difficile d'en sortir, hein? Ah non, ça va. C'est pas la zone Blackwater. Attends, j'espère qu'on est à proximité, là, hein? Non. On est plus près de Strawberry, là. Ah, mais c'est le Strawberry que je... Ah, mais je confonds. C'est Strawberry ou Blackwater que je voulais aller. Blackwater. Eh, les Indiens! Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Klaxon, je peux pas, j'ai pas le voiture, moi j'ai... Mais bon, on a réveillé les Indiens. Ils étaient en train de fumer sur le tipi. Je t'ai déjà dit que c'est pas le pipe. C'est qui ça? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, y'a quelqu'un là. Hé, le cheval, tu es tout seul? Mais qu'est-ce qui t'a fait ça là? Hé, Beryl, prends le cheval. Tout doux, les chevaux. Youk. Oui. Youk, c'est les bûcherons là-bas. Ils sont encore en train de travailler, les bûcherons, là? Ils travaillent toute la journée. Boulot de merde. Attends, je vais me foutre de leur gueule. Bûcherons, travail de merde. Bûcherons, merde, travail de bouse, les bûcherons. Je suis mort de... Oh, sorry, sir. Allez hop. Couper du bois, c'est l'équivalent de tailler une pipe. Oui, j'aurais pas dit ça hein, quand même. J'espère qu'ils ont entendu. Tu me mets la honte hein, souvent quand même. Hein. Ouais, c'est bon, c'est pas rigolé. Eh ben, je le sais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, les bûcherons? Ça me gratte le falzard. Ça frotte. C'est normal, tu es sur le cul de l'écheval. Je suis au bout du tunnel, là. Et par contre, essaye pas de gratter hein, le cul, parce que là, c'est pas le tabac à chiquer, hein, même si c'est la même texture. Hein. Oh, putain. Oh.
Évite de reposer la main sur mon hanche, hein, parce que. Oh, oh. Et ça voilà. Fait mal aux couilles. Et voilà, oh, je te l'avais dit. Non mais c'est pas vrai, Beryl, les hein. Les couilles qui font mal, les couilles qui font mal. Mais je t'ai déjà dit d'aller voir le docteur. Mais les couilles qui font trop mal. Eh mais. Les couilles. Eh mais. Bon, eh, eh, madame la Gladys, t'as pas donné une pommade pour les couilles? C'est des prud'hommes. Eh Beryl, mets-moi un coup de pied. Mets-moi un coup de pied. Et t'es sûr? T'es sûr, hein? Faut les remettre en place. Oh non! Oh, oh my! Ça va, mon brother? Oh, allez, oui. Debout! Et oh! C'est bon, là? Ah. Ça gratte plus? De et retour! T'es tout crotteux, maintenant, hein? Quand t'auras cette douleur, tu m'en diras des nouvelles. Eh, c'est qu'il y a, c'est que moi... Je te rappelle que Johnson s'est fait couper à cause de ça. Eh mais oui, mais au moins, il a plus les bestioles. Il est impuissant. Ça, c'est un autre problème, hein. Eh ben voilà, moi, c'est pas Strawberry que je veux, c'est Blackwaters. Eh ben, t'es un abruti. Attends, mais je vais aller rechercher, hein. C'est en bas, là. Alors, Strawberry... Oh my, c'est ça, là. Mais lave-toi, Hugh. Hey, mais c'est toi qui es tombé à cause de la mauvaise odeur de l'anus, là. Allez, c'est parti, Blackwater, nous voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, les gens, là, quand on va arriver au Blackwater avec ton air to crotté? C'est qui ces deux super gars, super sympas? Attention! Oh là là. Oh, bon, oh, bah... Non, non, non! Mais descends pas! Oh, oh, je suis... Pas vrai. Ah, non, sorry, sir. Sorry, oh, sorry, bah. Sorry. Non, non, je suis sorry. Excusez-moi, monsieur. Non, vraiment. Là, non, vraiment, sorry. Bien, franchement, faites attention, arrivez pas au galop comme ça. Eh, je suis désolé, monsieur. Ah, là, c'est pas possible, quoi. Excuse me, sir. Ça va? Vous voulez que je vous fasse? Non, on veut rien, mon propre massage. On veut rien, chouchou. Non, merci, monsieur. Je suis moi, je veux 20 dollars. Eh, mais c'est... Ça marche pas comme ça, hein. Mais on l'a quand même aidé, on a sauvé son dos, là. Voilà, ouais, hey, mais... dans la boue. Hey, mais petite fille, c'est pas toi qui fumais le cigare à Valentine, là? C'est ça. Attends. Ah, c'est lui qui t'a dit... dis donc. Et... Le cigare devant ses parents. J'espère que vous fumez plus le cigare, hein. Ah non, non, je fume plus le cigare. Et déjà, on fume le cigare devant ses parents. Mais il faudrait avoir honte, hein. C'est une orpheline, elle a pas de parents. Ouais. Ah. Ah bah... Fume le cigare devant ses représentants légaux. C'est... Et qui sont-ils, ces représentants? Aïe, aïe, aïe. Fille ratée. Et on y va, on a bien... Et toi, t'es raté, tu vois. Eh, tu dis pas ça de mon brother, même si c'est vrai, hein. Chic le tabac, chic le tabac. Et c'est pas la peine de lever les doigts comme ça, hein. J'ai l'air raté, regarde. Allez, viens, Beryl, viens, Beryl. Tiens, tiens, regarde. Allez, hop, eh ben allez, c'est ça. C'est tu ça, fumes oui. Le cigars et en plus tu fais les doigts de owners. Tiens, voyons. Allez. Voilà. Eh ben continue, c'est bien. Arrêtez les gosses, là. J'ai pas envie d'aller en tiens, pôle, là. Tu penses que tes parents qui sont morts sont fiers? Putain. Ils sont très fiers. Radass. Retouché dans ta salopette. Il a pas chié dans la salopette, c'est de la boue. Non mais Beryl. Hey Beryl, stop, tu vas avoir des problèmes avec le gonzesse, hein. Non, oh my ouais. Hey. Mais c'est pas vrai. Voilà, gros sac. Non, Beryl. Je vais te dire quelque chose. Hugh, prépare. Hugh, prépare le moteur. Ouais, tes t'inquiète, il est chaud. Tes parents, c'est moi qui les ai tués. Allez, on y va, go. Oh my, j'aurais pas aimé. Oh, sorry, little lady. Oh non. Oh no, no, no. Cours, gros sac, cours, gros. Cours. Fast, Beryl. J'ai tué ses parents, j'en ai rien à foutre. Allez, va te faire foutre. C'était deux aristocrates. Allez, vous faire foutre. Ça, c'est les gosses d'aujourd'hui. Et y'a... cigares. Y'a plus de respect, hein. Non, mais tu lui as mis ce qu'elle mérite, hein. Si je la revois, je l'enterre moi-même. Oui, bon. Tu as quand même perdu le bogars, hein, donc... Oh, ça va, il n'y a plus beaucoup de force. Et je comprends. Mais on va se refaire, mon frère, t'inquiète pas. Oh, regarde, c'est le village de l'Etipi. Dis donc, c'est le village que j'ai brûlé. De sang-froid.
Parce que je déteste le multiculturel qui est l'armilisme. C'est pas le mot, hein. Si. Bon, bah si tu veux. Mais là, tu vois, les gens veulent construire. Bien fait. Mais on dirait quelqu'un merci de... Merci bien. Mais d'un indien. Bah alors, Oh, oh my. Comme disait le proverbe, coup de sabot, gros nigo. Ah, ça c'est bien dit. Bah écoutez, nous on se balade un petit peu, on aime bien rencontrer. Chercher le cadasson là. Et comme, comme on dit, personne quoi. Femme avec un zizi, la femme quand même. C'est bien vrai, ça. Et comme on dit. Ah bah non, bah je suis pas non. Et comme. T'es pas d'accord. Non, non, moi non, j'ai un petit proverbe. Quand il pleut, faut tabasser les gosses. Ah non. Ah non. Ah bah, non, non, ça aussi c'est pareil, ça non. Ça c'est. Beryl, on va avoir des problèmes avec le monsieur là parce que. N'oubliez ce qu'il a dit, hein, c'est pas grave, c'est jamais arrivé. C'est des joucades. C'est jamais arrivé, hein. Allez hop, bonne soirée, listeners. Moi les morveux, je les tabasse. Bonne soirée, ouais. Hey, si tu redis des choses comme ça aux inconnus, on va peut-être se faire poursuivre, hein. Ça va, qui c'est ça? Tu peux pas agresser toutes les personnes qu'on croise, hein. Bah, les gosses. Mais qu'est-ce que tu as avec les gosses? Mais ils me respectent pas. Mais en même temps, t'as vu comment t'es froqué? C'est quoi? Va baiser le bison d'à côté, là. Tu m'as mouchède. Sabotède. Ah, Blackwater! On y est! C'est aussi petit que ça, là, le Blackwater? L'eau noire! Et ils aiment pas qu'on l'appelle comme ça, hein, je te le répète. Tu vas te faire l'eau des ennemis, hein. Noire! Bon, tu dis ce que tu veux, hein. Je suis pas responsable, hein. Y a de l'eau noire! Eh ben ça, c'est normal, parce que tu as le crass. Et tu sais d'ailleurs si on peut faire le bain, parce que j'aimerais bien. Non, moi je suis propre. Oui, je... Ok. Hello, y a quelqu'un dans la ville? Black Water. Eh oh. Non, non, je disais pas le nom de la ville. Ah. Bon. Il y a eu des gens là-bas. Dis donc. Monsieur, vous... Allô, sir? Ah, t'allure. Bon, allez, on y va! Allez, hop! Ça marche, merci, monsieur! On y va! Donc, il me semblait pas que... Je déteste le multi-kiki-like! Eh ben, voilà, je te comprends tellement, mon brother. Eh ben, il y a du monde, hein, ici! Oh, my. Dis donc! Oh, ben, dis donc, il y a... Il y a un clown. Je crois qu'il y a un enfant là, Beryl. Là. Tu t'excites pas, hein. Tu restes calme. Oh, hein. Le clown. Fais-nous rire. Dis-nous le blague, le clown. Allez, vas-y, fais-nous rire. Tu es tout rouge, comme l'anus de l'écheval. Allez, il est où Elephant Man, là, le gars, là. Alors, comique, on fait plus le blague? Je me souviens de toi. Oh, un clown triste qui ne parle pas. Regarde-le, allez, le bozo. Sors les nains de ton chapeau. Bah, je ne suis pas un clown, messieurs, là. Et arrêtez, vous êtes habillé comme un clown, hein? Allez, là. Oh, bah, je sais pas de quel pays vous venez, mais... Sors quoi? Nains de ton chapeau. Oh, my. Un raciste, en plus. Ah, non. Monsieur le nimbo, vous êtes enfant? Ah, mais il est sorti du chapeau, le nabo. Tu vois pas que j'ai une belle barbe? Eh, j'ai vu... Mais ça arrive, moi, j'ai mon frère Barry, il avait de la barbe à 2 ans, hein. Alors? Ah, non. Qu'est-ce que tu t'es dit, petit, en cours? Alors, qu'est-ce que tu apprends à l'école? Ça se passe bien? Non, je sais pas lire. Eh ben, ça va s'apprendre, t'inquiète pas, c'est les cours preparatoires. Ah, non, j'apprends pas, moi. Qu'est-ce qu'il veut, lui, derrière? Eh, hey, monsieur, oh. vous savez qui c'est le clown, là? Pourquoi il est habillé tout en rouge, là? Ah, je sais pas. Vous sortez de son chapeau? Eh non.
On dirait un lapin tellement vous êtes mignon, messieurs. Ça vous dit qu'on vous embarque et on fait un guerrier, des spectacles avec vous, de jongle. Tu me respectes, non? Oui, je vous respecte, l'enfant. Je suis un guerrier, moi. Ah ben, ça m'en a tout l'air. Oh, j'ai peur. Oh, regardez, j'ai peur. Vous venez d'où? Je viens du nord. Je vais faire la bagarre, toi? Oh, je serais curieux de voir ça. Le bagarre entre Beryl Butchows et le Nimbo. Pas les nabos qui viennent du nord. Ici, on est pure souche. Explique-lui, Beryl, ce qu'on lui fait aux nabos de son genre. Pure souche. J'ai l'impression qu'il veut se tabasse, hein. Tu veux te tabasse, le nabo, c'est ça? Oh, bah, tu m'appelles nabo, c'est normal, je veux me tabasse. Eh ben, c'est le... Ah ben, ça te plaît, les petits noms? Il a accepté. T'as de la chance, je suis sur une belle journée aujourd'hui, je suis content. Eh ben, ça me fait plaisir, nabo. Tu entends cette petite air de piano? Je répondrai pas à vos provocations. Allez, va danser, le nabo! Allez, fais-nous rire! Fais-nous rire, le nabo! Oh, regarde, il a peur! Allez, oh. Danse! Danse et je te donne un dollar. T'as dit quoi? Danse et je te donne le dollar. Non, je danse pas pour toi, moi. Oh, allez, vous êtes princesse? Danser pour un dollar? Eh oui, monsieur. Une petite danse. Jamais. Tu n'es pas marrant, le nimbo, hein. J'ai trop de fierté. Merci. Je sais pas danser. Merci beaucoup, le nimbo. Merci de nous avoir divertis. Hey, have a good night, sir. Bonne journée. Je lui en mettrai une nuit. La prochaine fois que je le vois, je le remis. Ça tient vrai qu'à moi, je le courserai, les choperai ou l'assaut. Jusque là, bon, j'étais pas en forme, j'ai pas osé. Ça t'a dit d'aller au saloon se boire un coup? C'est le saloon, ça! Mais je sais pas, c'est là où il y a... Qu'est-ce qu'il y a, toi, le barbu? Et pourquoi tout le monde est nimbo, là? Il est où, le barman? Le barman? Mais tu crois que tu vas trouver le barman dans la rue, espèce de con? Ferme là, il va se faire enculer. Hé, hey, oh! Hey, c'est pas la politesse qu'on m'a appris dans mon pays! Oh putain, je vais le choper, cet enculé. Qu'est-ce que t'as dit? Répète! Regarde, j'ai juste avancé, je te pousse, le nimbo. Vas-y, essayez. Ben, c'est ce que j'ai fait. Oh, oh eh ben voilà, en plus. Mais je suis pour rien, moi, le clown. Qu'est-ce que tu me fais? C'est pas moi, là. Mais... Voilà, c'est ça, tape le nain. Non, mais tu vas me laisser... Aïe. Aïe. Ah. Hé, laissez-le tranquille. Non, mais là, il y a des bords de mort, hein. Putain, c'est pas vrai. Et à chaque fois, mais à chaque fois que je viens quelque part, mais je suis ton frère, Beryl. Mais c'est pas moi. On doit chercher un travail. Mais je veux bien, mais cessons de trouver les emmerdes là. T'agresses des nabos. Reste derrière les chevals. Je vais te montrer quelque chose, Beryl. J'ai cru que c'était le shérif. J'ai une peur bleue. Beryl. Et j'ai besoin que tu regardes l'anus des chevals. Je crois qu'il est malade. Hé, hey, tu es vraiment un bout en train, tu savais que j'allais le faire. Je vais faire... Hot. Oh, chapeau gratuit. Hop là. Eh ben ça, ça fait plaisir. C'est mon jour de chance. Allez, direction le saloon, Beryl. Ouh, j'ai soif, hein. Salut la compagnie. Eh ben, c'est... Oh là 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 là, mais on s'emmerde avec... Oh là là. Eh oh. C'est quoi ça, là? Oh là 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 là. Eh, monsieur, vous êtes le seul pianiste que je connais qui joue pour personne, hein. Y'a personne dans les saloons. Eh oh, wake up. Où, l'hymne américain? Je m'entraîne. Eh, vous avez sacré doigté, hein. Il est où, l'hymne américain? L'hymne américain? C'est difficile à jouer au piano, hein. Y'a quelqu'un là-haut, là? Aïe! Putain, je me suis niqué l'épaule. Oh! Ou alors là... Carrément, je m'assois. Ouh! Eh, Beryl!
Là, je suis trop exténué. Hein. Mais c'est pas... Ah, et j'ai... Ah. Beryl! Beryl! Ah. Beryl, j'ai voulu me coucher sur le lit. J'ai pas réussi. Ça va, tu vas bien? Je me sens pas bien, Beryl. Tu m'extèdes? Donne-moi un coup de main. Ou un coup de pied. Eh ben non. Oh, Beryl. T'as des crampes. Oh, oh pas le pied. Pas le pied dans la bouche, Beryl. L'odeur. Oh, oh, bah, ça pue. C'est quoi, hein? Ça sent... Oh. Souffrir. Oh, ça sent le même fromage que maman nous donnait. Oh, my, les pieds, l'odeur. Ça te fait quoi de souffrir devant moi? Oh, non, non, non. C'est assez... moi, le patron. Mais je souffre assez comme ça, là. Ça sent le fromage. Aïe! Arrête, s'il te plaît, j'ai compris. Aïe! Mon jambe! Tu vas te relever, hein? Et j'arrive même pas à... Ber- oh, oh, t'es d'un coup... Fiole. Oh putain. Yep, tu dis plus jamais ça! D'ailleurs, t'as oublié une syllabe, hein? C'est pas fiole, hein? Dis donc, qui je vois dans ce miroir? Ouais, c'est bien moi. Oui, c'est bien lui, là. On dirait le clown. Oh là 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 là. C'est celui qui fait craquer toutes les demoiselles. You. Et je suis pas certain, hein, brother. Ouais, je regarde. Eh oui, c'est moi. Ouais, ça... J'essaye d'imaginer ce que voient les radasses quand elles me voient. Attends. Je vais avoir un choc. Eh, Beryl, essaye de torchonner contre le miroir. Genre, okay, tu vois une femme dans la rue, imagine le miroir, c'est la femme. Qu'est-ce que tu lui dis au miroir? Mise en situation. Là, je suis en train de compter mes billets. All right. Attends, j'entends le parfum d'une amandine. Oh! Ok. Eh, oh. Vous? Vous voulez que je vous culbute? Ah non, non, Beryl, pas... faut pas dire ça aux femmes, hein. Essaye plutôt, genre, de la poésie, de Frasky Rim. Vous sentez bon, ça me fait penser à bonbon. Et alors, vous aimez le sexe violent? Il a rien compris à la leçon. Bon, réessaye, mais là, vraiment... Oh. Mais c'est pas facile. Mais, Milady, je me suis pas lavé les couilles. Et Beryl, si tu veux te faire lécher le berlingot, là... Bah vas-y, si t'es si malin, vas-y. Bon, allez, bah j'essaie. Je te vois dans le miroir. Ah. Hello, milady. J'aimerais casser le mur avec ton tête. Mais aïe! Ça va pas. Mais c'est la mise en situation, brother. Oui, mais moi, je suis la femme. Ah, tu veux être la femme? Je suis la femme, donc... Allez, refais du puits de début. Ah bah, si tu es la femme... Tiens ah, tiens, chérie. Parce qu'on fait le puits de début. Eh, laisse-moi, je me tape avec mon femme. Non, mais c'est bon, là. Eh, hey, barre-toi, le nimbo. Barre-toi, laissez-nous, là. Laissez-nous, c'est notre chérie. Casse-toi de là. Eh, hey, monsieur. Eh, hey, est-ce que quand vous touchez le nouille, on vient vous regarder, là? Barre-toi de là. T'as même pas de manche. Ma chambre. Je ferme, hein. Pas vrai. Eh, hey, bon, on vous a jamais appris à fermer la porte? Alors, oui, tu es la femme. Allez, vas-y. Chérie, le ragoût, il était dégueulasse. Attendez, monsieur. Eh, Oui. Je dois avouer que vous êtes plutôt beau, mais je préfère votre frère Baril, avec qui j'ai envie de coucher. Non, non, jamais ça arrivera, ça. Jamais ça... Si, t'as vu Beryl, aïe, aïe, arrête. Beryl, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Mais... Tu es rouge. Je vois de l'expérience, des coups de reins. Mais non, mais tu vois ce que je vois, moi? C'est quelqu'un qui a mangé que de la merde, qui se trimballe dans la merde, et qui baisse avec des animaux. Voilà ce que je vois. Tu sais comment... Oh, attends. Je mets distance de sécurité, là, parce que... Tu sais comment m'a appelé ma mère la dernière fois que je l'ai enculé, ma femme, pardon, quand je l'ai enculé, elle m'a appelé le canonnier. Et pourquoi le canonnier? Je sais pas. Je sais pas si c'est bonne nouvelle, hein, Beryl. Hein. Bon, allez, ça suffit. Bon. Mais regarde ça, ils nous ont bloqués avec les chaises. Oui, je bousille ce saloon. Et hop.
Je fais tout valdinguer, regarde la violence. Allez hop. Alors ça... Oh les chaises. Oh mince. Oh mince. Oh mince, j'ai fait tomber les chaises. Oh mince. Oh, j'ai jamais voulu faire tomber les chaises, hein. Oh. Mince alors. Oh my, c'est tout rallongé. Oh. Ça me rappelle le 11 septembre 1782. Oh, c'était le bordel, hein. Allez hop, un petit coup dans le Crash Wars. Salaud. C'est ça, chante. C'est ça, chante. Bonjour, messieurs. Des femmes cow-boys, on aura tout vu dans ce pays. Je crois que... C'est pas un concours, hein. Je crois que... Elle a rigolé, hein, Barry. Madame shérif de Blackwater, merci d'évacuer la ville au plus vite, s'il vous plaît. Grosse tempête en approche. On vient d'arriver. Oh non, monsieur le shérif. Il y a une tempête, merci d'évacuer, s'il vous plaît. Oh non, mais là... Oh là 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 là. Non, vraiment... Déjà que vous acceptez certains habitants de couleur, alors que ça c'est trop. Oh là, t'en as trop dit, Beryl. T'en as trop dit. Mesdames et messieurs, chef de Blackwater évacue la ville. La ville de tempête. Ah ben... Bah, vas-y, mets-le un coup de tempête. Ah, vas-y, Beryl. La tempête en question, mes gros pés foireux. Oh, Beryl, prends les chapeaux. Pique les chapeaux. Où tu vois? Regarde par terre, tu vois pas les chapeaux? Je crois que t'as une hallucination. Oh my. Regarde les chevaux. Mais on va trouver du travail où si on peut pas arrêter à Blackwater. Je suis mort. Regarde, les... Regarde les chevaux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est un cheval pour vous, hein. Regarde le nabo. Oh my. Allez hop. Lui. Regarde, je monte sur les chevals, j'ai les guibolles qui frottent. Oh my. Elle est énervée, elle s'en va. C'est bon. C'est bon, les chevals. Je peux même pas l'enfoncher. Mais si. Aïe. Mais... Il est en train de pleuvoir, je supporte pas la pluie. Mais pourquoi mes mains, Beryl? Beryl. Ça pleut, là. Allez. Aïe. Mais pourquoi dans le nez? Désolé, c'est ma double personnalité qui prend le dessus. Ben bizarrement, on prend toujours le dessus quand il faut pas, Beryl, hein. Oh, tu m'as fait mal, hein. Conseille de te défaire, je te conseille de te défaire. Attends, j'ai plus de force. Et t'as bien serré, hein. Mais qu'est-ce que tu regardes dans l'anus du cheval? De la ville. Messieurs, merci d'évacuer la ville. Un vide tempête. Ouais, allez, c'est ça, ouais, la tempête. Allez, hop. T'as entendu? Oh, pardon. Oh. Non, 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 non. Lâche-moi. Allez, désolé. T'as entendu? Aïe. Oh, non, mais c'est pas vrai. Non, mais monsieur le shérif. On se calme. Ah, pardon, pardon. Ah, monsieur le shérif, je suis trompé de muscles, c'est bon. Faites attention, messieurs, si vous voulez vraiment vous battre pour vous amuser, il y a des rings en dehors de la ville. Tempête, évacuez la ville. Nous sommes les shérifs de la ville, veuillez évacuer, s'il vous plaît, monsieur le moustache. C'est vous qui allez évacuer, ou monsieur, sinon c'est moi qui vous embarque. Oui, pardon, pardon. Oh, ok, bon. La sortie de la ville, c'est à droite. Bah, excuse me, sir, c'est bon, je découvre. Allez, hop. Bon, bah, ça n'aura pas marché cette fois-ci. En même temps, comment veux-tu qu'on te croie avec l'attirail que tu portes? C'est quoi la vraie raison d'évacuer la ville? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette ville? Ils vont faire une orgie. Moi, je pense qu'ils vont baiser le radas. J'adorerais baiser une radas. Ah bah tiens, en parlant du loup, peut-être quelqu'un là-bas, hein? Qui est-ce? Hello, sir. Shérif de la ville, veuillez évacuer les champs, s'il vous plaît. Avis de tempête. Okay. Hey, je suis le shérif, ça se voit pas, regardez. Je suis toi, oh! Oh my. Quelle belle vue. C'est bon. Tu vois, c'est bon. Ça, c'est le multiculturalisme. Ouais, si tu veux. En tout cas, ça a marché, hein? Non. Ça te dit qu'on retourne à Valentine pour le travail? Mais quand on est allé à Valentine, ils ont dit d'évacuer la ville aussi. Ouais, mais il y a bien un moment où on va plus pouvoir évacuer, hein? Oh my. C'est le shérif, ça? Bon, bah écoute. Allez, hop. Pas de s'imprimer. Non, c'est pas vrai. Oh non, le cheval! Le cheval! Oh non!
Et voilà le shérif qui nous a mis aider. Et voilà, on a bien l'air. Cheval, cheval. Et ben voilà. Monsieur, 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 j'ai glissé sur le bus, les chevaliers Mors. Mais venez ici, venez ici. Comment ça, venez ici? Fais attention. Fais attention à lui. J'essaye de... Si on lui soutire de l'argent, c'est le bon plan, mais... Oh. Il est parti, là? Pas tout le temps, hein. Eh, tu te fous de mon gueule? Tu me dis suivre et tu pars? Eh, j'ai plus toute ma jeunesse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'entends quelqu'un, là. Attendez, désolé, c'est Usher Pay. Bon. J'entends des voix dans mon tête, mais... Toi aussi, tu as entendu les bruits bizarres dans la tête? Non. Bon. Peut-être hallucination? Bon, je propose quelque chose. On reste Dis-moi. À Blackwater. Allez, hop. Mais comment je vais faire pour les chevaux? Cheval. Ah! Oh, motherfucker! Il m'a demandé de le suivre, il a piqué les chevaux! Oh, les chevaux! Oh! Oh, cheval! Boubou! Oh! Boubou! Oh, la même maladie! Les chevaux! Boubou! Ça fait deux fois quand même, hein? Tu commences à peu à bronzer les couilles, le boubou! Opération discrétion. Qu'est-ce que tu fais là? On va braquer la banque, y'a plus personne en ville. T'es sûr qu'on peut le braquer la banque là? Y'a les deux shérifs. Tu vois deux shérifs. Attends. Doudou. Elle est où la banque? Oh, attends, c'est un théâtre. Bien, on peut se regarder n'importe quel film du Cucu Clan. T'es sûr que c'est des réalisateurs, ça, là? J'ai passé un groupe de musique. Je suis pas sûr, hein. Ça m'a l'air d'être bien impossible à passer, ça. Oh, tu veux acheter le billet? Y'a pas de film! Je crois pas qu'ils font des films, hein. On peut jamais voir de film dans cette ville. Bon, comment on fait? Parce que là, y'a le shérif. Bon, y'a... Oh my... Et c'est qu'il y a, personne dans le ville, hein. Oh my. Bon, bah, lady on coming. A Valentine, mais nous... Hey. Je te disais, oui, j'ai 5 milliards de dollars. Combien de dollars en tout? 7 milliards. Alors, tu penses qu'elle a entendu? Ah, je pense, hein, tu lui as tapé dans l'œil. Essaye peut-être... Attends, viens, on va parler dans le coin. T'as les chevaux? Ah, tu veux vas-y. Qu'on y aille? Vas-y, vas-y. Repasse à côté de la dame, là. Et tu lui redis, ouais. J'ai beaucoup d'argent, de là. Genre or. Et on parle là. Attends. Et cours pas trop vite. Voilà, doucement. Et c'est vrai que si une femme se marie avec moi, elle touchera 5 milliards de dollars en cash. Ça, eh c'est ben, sûr. Tu es riche, hein, mon brother. Je la rendrai 5 000, très allez, on s'en va, 5 000 dollars. On évacue. Ça serait plus crédible, attendez, 5 000 dollars, monsieur. Allez, monte. Ouais, c'est vrai que 5 000... Et du coup, si une femme se marie avec moi, elle touchera 5 000 dollars. Les gars. Il y a quelqu'un d'intéressé autour. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Bon, bah, allez rentrer dans le banque, hein. Évacuez la ville! Avis d'alerte, tempête! Ouais, elle est même rentrée dans le banque, ça a pas marché du tout, hein. On se refait tout le chemin de Valentine. Super. Tu as marqué sur le map? Oh, cheval! Oh, non! Oh, mais c'est une hécatombe! Oh, le petit cheval! Attends. Hé, il faut que tu le... Attends, j'ai une idée. Je vais lui faire la... Allez, avec toi. Attends. Allez, travaille, toi, ma... Non, pardon. Aïe. Bon, laisse-moi lui faire ma technique de bouche à bouche. Écartez-vous. Je crois que tu as encore plus le... Allez. Non, mais ça, c'est un cheval flemmard, ça. Ça, c'est un cheval qui veut pas travailler. Regarde ce que je lui fais au canasson, là. Oh, non, pas ça... Ils vont nous Ah! Eh, hey, vous avez rien Qu'est-ce vu! Qu'est-ce que tu fais, Edward? Vous avez rien vu! Sors les mains!
Hop là! Vous avez rien vu! Hey, c'est bon, j'essaie de le réveiller avec ma pisse. Toi, t'es vraiment un ouf. Un fou. Ah, allez hop. Mais il vient de l'homme. C'est quoi ça, c'est ouf, ça? Plus rien à voir. Allez, ouf. Let's go. Allez, vas-y. Hey, vous allez où, vous, les messieurs, là? Ah, oh, mais c'est le Nabo! Faire des pépitas. Hey, monsieur le Nabo, où est-ce que vous allez comme ça? Et vous allez où? Nous, on va à Valentine. Vous allez faire quoi? Je vais retrouver ma femme, l'armurière. Plus belle femme de tout le country. Oh, ouais, yeah? T'as pas de femme, toi. Bon, moi, quand je boot le minou, j'ai besoin de me mettre accroupi et pas debout. Qu'est-ce que tu fais, là? Et t'es au courant, Beryl, qu'on a de la route à faire, là? Beryl? Je crois que je t'ai perdu, Beryl. Ah, je crois que j'ai eu un flash. Allez, ça va aller. Ça va aller. J'ai connu les galères. J'en ai vu de toutes les couleurs. Ça va aller. C'est une petite chanson que j'ai là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je pense à maman. Et je sais que tu l'aimais fort, maman. Oh là là là, elle me manque avec ses ragoûts. Eh oui, elle avait deux gros atouts, maman, si tu vois ce que je veux dire. On va à Valentine, nounou. Allez, attends, je marque sur le map, hein. Ça va aller. J'ai connu les galères, j'en ai vu de toutes les couleurs. Tu sais qu'il faudrait que je... Hop là. Faudrait que j'achète de la nourriture, hein. Les ragoûts de maman, ils existent plus maintenant. Comment ça, ils existent plus? J'ai tout bouffé. Hey, mais t'es un gourmand, toi. Oh my! Oh my! Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Hey. Hey, monsieur, je suis sorry, hein, mais vous étiez en plein milieu de la route. Je vais vous dire quelque chose, les nabos. Mettez des lanternes, sinon on vous voit pas. Ah, mais sérieusement, en plus, vous êtes en plein milieu, on dirait une taupe. On vous voit pas, les nabos. Vous avez perdu le parole? Oblige pas à faire la parable. Non, non, il a rien fait, le Nimbo. Laisse-le tranquille. Oh! On dirait que tu as attrapé une mouche. De me parler. Cache-le, cache-le dans l'église. Cache-le dans l'église. Couvre-moi. Vas-y. Il fait 2 kilos, c'est trop facile à porter. Et je vous ai vu dans les chats, là. C'est bon, c'est HRP. Vous faites le backseat. Là, c'est fermé, hein. Jésus. Bah, il veut pas le faire rentrer. Il a perdu les clés, Jésus. On peut jouer. Allez, lance-moi la balle. Un nabo pong. Eh, vous faites quoi, bande d'abrutis? Ah, rien, on jouait au nabo pong, monsieur. Oh, libérez-moi. Attends, monsieur, attends. Libérez-moi, ça va mal se passer. Oui, vous croyez que vous me faites peur? Vous êtes aussi haut que ma bite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds le souffle? Allez, hop. Beryl, à ton tour, attrape le nabo. Hop là. Je vais me libérer moi-même. T'es démarqué? Et tu veux plus jouer, Beryl? Allez hop. Pour qui, vous? On s'est pris. Tu sais pour bande qui on s'est pris. Con, hein. Le petit con, c'est toi, hein? 2 mètres de plus que toi. Allez hop. T'as vu ta coupe? T'as un trou au milieu. Attention! Attention, provoque T'as vu ta taille? Allez, ton cheval. Ton provoque cheval, il est tout pas le baril, Bouchard! Ah. Tu piques ici, non mais nabo pong. Hey, ça c'est de l'invention. Hein. Bon alors il paraît qu'on a un ami dans le coin, hein. Parce qu'il y a plein de gens qui me cassent les couilles dans mon tête. Il y a Wisconsin Nugget, Wisconsin Nugget. Tu vois ce que je veux dire? Ces fils de pute. Ouais, exact. Télégramme. On évacue. Oh monsieur. Voilà, toi, on évacue. Oh c'est pas vrai, mais monsieur, on peut même pas profiter de la ville. Non, vous allez en strawberry. Il y en a une tempête, faut évacuer là. Eh ben la tempête, ça fait des minutes qu'elle a lavé, elle est toujours pas là, hein. Ah oui, ben en attendant, vous évacuez quand même, si vous plaît. Strawberry, c'est nous. Mais c'est la première fois qu'on nous le dit, donc on va évacuer. Allez, vite. Allez, hop.
Have a good night, sir. Bon, bah, on va aller à Valentine, hein. Allons, Valentine. Et si Wisconsin... De toute façon, Wisconsin Nugget, il est assez intelligent. Ouais, à Valentine. Je pense que lui aussi, il aura des petites voix qui cassent les couilles. Hein. C'est bon, on va se retrouver. C'est les voix, c'est... Quoi ils s'appelaient, là? Les hindous? Rasmoun. Comment? Rasmoun? Rasmoun. Malheur. Eh, bonsoir, monsieur. Évacuez à vie de tempête, on évacue le ruel. Comment? Il faut évacuer Blackwater. Je suis shérif de la ville, on doit évacuer. Ah. Eh ouais. Allez hop. Hors de ma vue. Shérif, contrôle d'identité. Il t'a pas respecté, hein. En même temps, tu devrais vraiment changer d'attirail, hein, je te le dis, mon brother. Pourquoi tu te mets du bouche le nez quand tu me parles? Je me bouche par le nez, qu'est-ce qui te fait dire ça, là? Heureusement que je me... Je suis prudent, j'allais te foutre une claque. Eh ben, essaye pour voir. Direction Valentine. Mais c'est pas vrai que le Nimbo nous a suivis là? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, oust! Et toi là? Allez, oust le Nimbo! Eh. Qu'est-ce qu'il fait? Allez hop. Oh, eh ben si, hein, vous l'avez cherché, hein. Alerte! AW! Eh, je voulais vous proposer un... Ah! Attends, moi je te propose un coup de pied avant. Aïe! Ah. Oh! Oh, brother! Ça va? Hey! Hop. Alors toi, viens aïe. Ici. Tu vas voir, tu vas goûter l'eau, hein. Prends les chevals! Prends les chevals! Va le faire! Va le faire noyer! Bouge pas de là, le Nimbo. Tu vas prendre un petit peu la brasse coulée. J'ai rien fait, les gars. À la manière Butchars. Je voulais vous proposer un... Vous tombez sur deux frères qu'on avait vu... Je voulais vous proposer un marché, les gars. Qu'est-ce que tu veux proposer ou je te lâche? Propose-le. Je vous propose un marché, les gars. Propose-le et on te lâche ou pas. Je te propose de te vendre un canoncier. Ah, combien? À 150 et le 200. Tu as le fonds monétaire, bah oui, parce non, que moi, à là... à zéro. Tu nous donnes le canoncier, sinon on te balance. Eh, je vous fais un super prix, les gars. Bon, allez, tu nous casses le couille. Ouais. Oh. Allez, voilà. Vite, 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 cours, cours, cours. Il est où, le cheval? Vite. Mais j'ai essayé de te faire un câlin. Allez, vas-y. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas vrai. Et la main dans les orties, hein. C'est la chaude pisse. Allez, vas-y, vas-y. Oh là là. Et à Valentine, ils ont lancé une cagnotte pour sauver les Indiens. T'as cru que j'allais donner un dollar? Mais pas de ça, hein. Pas de ça ici. On veut pas d'Indiens, nous. Apporte Daniel Chien. Eh, hey, par contre, là, il fait nuit noire, hein. J'aime pas trop cette ambiance, hein. Pas de ça ici. Bonjour. Hello. Eh, hey, tu sais ce que je dis à quelqu'un quand il me parle et que j'aime pas qu'il me parle? Non. Maintenant, tais-toi. Maintenant, tais-toi. J'espère que... Eh... Hey. Si le Nimbo il revient nous voir, je préviens le shérif qui veut nous vendre des armes. Hey, ça c'est quelqu'un qui fait de marché noir, hein. Oh non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'essence? Du blé. Comment ça, du blé? Oh là, qu'est-ce que tu fais au cheval, Beryl, là? Oh là, tu mets des à-coups? Tiens, prends ça. Oh, ben dis donc, c'est... Mais on dirait que tu as donné la perruque de Monsieur Wisconsin Nugget au cheval. J'ai donné de l'herbe. Ah. Hop, le caps lock. C'est un HRP. C'est un terme western. J'ai fait le alt tab. Hop. Western. Western. Attention. Alt F4. Western.
Voilà. Eh ben alors. Oh pardon monsieur. Eh ben ça arrive par les jours. Ouais, regarde, les deux cow-boys en face qui se font une discussion. Eh hey, patati et patata, et que j'ai baisé le vache et que j'ai les chevaux. La date, j'ai baisé la date. Et que j'ai le lasso plus long que les jambes, et tutti quanti. Et les mines d'or, j'ai trouvé. Et voilà, et le fer et tout ce qui se suit. Bonsoir, monsieur. Dégage de là, suceur. T'as vu? Là, il est bloqué, là. Regarde. Attends qu'il parle, tu vas voir. Bonsoir. Maintenant, tais-toi. Pardon? Maintenant, tais-toi. À qui vous parlez, messieurs? Vous voulez quoi, là? Bah, je vais vous dire bonsoir, maintenant, messieurs. Tais-toi. Oui, bah, vous pouvez partir, maintenant. Oui, vous êtes des petits fermiers, c'est ça? Bon, ouais. Allez. Oui, allez. Je vais vous laisser dans votre pétrin. C'est bien. Maintenant, tais-toi. Oui, ça valait le coup de s'arrêter, hein? Ça valait le coup de s'arrêter. C'est cool d'être passé, hein? Allez, on vous regarde partir, monsieur. Le téléphone. Bah, je n'entends rien. Ah ou ah c'est bon, ou. Tu peux partir, c'est bon. Je n'entends pas. Ah ou ah ou. Le tétoir, faut le garder. Alors là. Bon, ben là, il a mis un pagaille. Alors là, il a tout dit, hein. Dans ma tête, c'est un feu d'artifice, tout le monde rigole. Je pense que là. Les petites voix dans mon tête sont ravies, hein. Tu l'as vu comment il s'est arrêté en mode... Bon... Qu'est-ce que je vais dire avant. bon, je les comment adore, je mais... Les faire rire. Alors là, au moins, là, je pense que sur son cheval, en ce moment, il se dit... Masterclass Jacob. Bonjour. Master Western. Je suis d'accord. Et c'est à gauche, hein. Qu'est-ce que tu fais encore? Beryl? Tu perds de tête. J'ai tracé. Bon, arrêtez de casser les couilles, etc. Dites-lui de venir nous chercher à Valentine. Ah! Et bon, 1000 messages. Bien pêché. Vous pouvez lui dire, lui aussi, alors, non? Les deux amoureux. Ah merde, c'est la route. Bah, excusez-moi. Si. Ça va, ils l'ont pas mal pris. Ça, c'est des cow-boys bien Alt F4. Bien western. Ça, c'est des cow-boys bûcherons, si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait. Ils se sucent le gosier entre eux. Bon, et c'est bon, pas besoin d'en savoir plus. Si tu vois ce que je veux dire. Regarde eux aussi, là. Non mais sérieux, à deux sur un cheval, non mais sérieux. Ah les amoureux, eh oh. Les cow-boys gays, ouhou. Et toi, alors... à deux sur un cheval, non mais sérieux. Non mais sérieusement, en Big 1988. It's so funny. Ah, je suis mort de rire, regardez les amoureux. Ils rubent leur coque sur leur cheval. Rub, qu'est-ce que c'est que le mot? Ah, rub le coq, ok. Ah, j'ai compris le rubage de coq. Hein. D'ailleurs, toi, tu te rubais souvent aux chèvres. Tu parles pas de ça. Ah, et c'est bon, c'est le souvenir qui me revient en tête. Ça, c'est le secret. Et c'est bon, il n'y a que toi et moi qui le savent. Crois-moi que si je revois des cochons, je vais perdre mon quart d'heure. Et par contre, Beryl... J'ai pas retrouvé l'armurier, hein. Ah oui, c'est vrai, il fallait un rencard. Et quoi de bras, quoi de fer, je vais me la faire, hein. Moi, par contre, si je revois le chien du shérif... Et tu vas le laisser tranquille, le toutou, hein. Bon, on est arrivé. Allez, hop. S'ils nous disent d'évacuer, je fais exploser la ville. Bon, et Marcel, pourquoi enlève le sub-only, hein. J'ai dit les termes tout à l'heure, hein. Je pense que ça suffisait. Alors là, Hugo, il a dit les termes. Ça, c'est un endroit qui me plaît, Valentine. Ouh.
les autres, ils laissent leur cheval en plein milieu de la route. Hop. Oh, le beau manteau que le monsieur a là. Eh ben dis donc. Félicitations. Félicitations qui? Félicitations, pédiatre. Bonsoir, messieurs. Eh mais c'est... Ah ben, non, dis-moi le... Mais pourquoi un tel accoutrement, messieurs, là? Vous me faites penser à la Winter, hein? Non, je vivais dans la forêt, monsieur, attends, c'est pour c'est ça. Vous. C'est vous, la légende du Yeti. Pardon? C'est vous qui avez le manteau avec les poils de couille de Yeti, là? C'est vous qui avez le Yeti. Non, monsieur, c'est pas moi. Je suis un ermite, moi. Un ermite? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu racontes quoi, le vieux schnock? Oh, le petit jeune, il va se calmer tout de suite, là. Voilà, je crois que t'es à deux doigts de canner, le vieux, hein. Ça va pas, là? Tu as quelque chose dans le gorge. Il a 8 milliards d'années. Combien? Oh, j'ai 75 printemps, mes petits jeunes. Oh my! Vous avez dû en dessaler de la morue, monsieur le old schnock. Non, je suis pas poissonnier, monsieur. Et je pensais à autre chose, hein. Il est con, lui. Vous avez dû, comment on dit... Vous avez rub un peu le coq? Vous voyez? Non, je ne suis pas fermé, monsieur. Vous avez mis le calonfier dans le cul. Faut jamais pas dit ça, hein. Ah, je crois que j'ai compris. Ah, tu as changé le accent. Avec moi, avec qui sous-entendu. Regardez mon crâne, que monsieur. Ça, père. Vous pouvez compter mes rides. Oh, oh my père, il a même plus un cheveu sur le crâne. Ah ben si, un petit peu, quand même. Ils disent que la terre est plate, mais en tout cas, une chose est sûre, ton gueule est bien rond, hein, monsieur Lichnock. Oh, mais un petit peu de respect, remets le chapeau, parce que là, c'est vraiment ridicule, ta coiffure. Messieurs, vous embauchez pas par hasard un vieillard? Ah ben, attends... Non, on cherche du travail. Pardon? On cherche du travail. Les shérifs de la ville sont partis, mais dans quel coup sommes-nous? Moi, j'ai du travail, mais je suis trop vieux pour le faire. Et qu'est-ce que c'était ton travail, le vieux? J'ai coupé du bois et je le revendais à Raoult. À qui? À Raoult. Le clochards. Les bûcherons, ils ont une réputation dans ce pays. Tu sais que les bûcherons se sucent le branche, hein? Ah non, monsieur, je suis pas de ce bord-là. Tu manges ce pain-là? Non, monsieur. Pourtant, avec l'accoutrement, on dirait que t'es à poil en dessous, hein? Pour faciliter les... Oh! Allez, à vous le... Allez. Ah ben, il est tout noir maintenant, le manteau. Attends, hop. Mais ouais, à vous le... Merci pour les chapeaux, mon vieux schnock. Allez, maintenant, on part. Free hats. Ah. Oh, comme dans l'ancien temps, lorsque j'étais tout jeune. J'ai piqué les chapeaux des schnock, hein. Beryl, je suis là, Beryl. Il est con. Oh oh, j'ai pas volé des chapeaux, j'ai pas volé les chapeaux. Beryl, chut, attends, il y a le shérif. J'ai pas volé des chapeaux, les chapeaux étant ma possession. Il vient pas vers nous. C'est bon, ok, j'ai eu peur. Et ce vieux, il nous a... coûte combien à son avis son chapeau, faut le revendre. Ah, tu penses qu'on peut le revendre le machin avec le snake autour là? Et c'est quand même un anaconda, hein. Mes hommages. Bah écoute, je vais essayer. Attends, j'ai une idée. On va essayer de le revendre au vieux. Ah oui. Il aura oublié d'ici là. Ben oui, il est trop bête. Oh, monsieur, est-ce que ça vous intéresserait les chapeaux par hasard? Mais c'est le mien. Ben, on vous le vend. On a trouvé un chapeau par terre. Non, on vous le tu vas me le redonner tout de suite, mon chapeau. On vous le vend 5$ les chapeaux, monsieur le vieux schnock. Bon, écoutez, je suis vendeur. Je vois que sur votre caillou, il n'y a plus grand-chose. Je vous propose ce chapeau blanc à 500$. Jamais servi. Jamais servi. Il y a poils sur le chapeau, là. Il n'y a que le snake, hein. Y'a pas de poils, messieurs. Ok. Attends, Hugh. Quoi? Et vous, là? T'as pas de voler, vieillard, là? Nabou. C'est toi qui as fait tomber les chapeaux? Ce que j'ai trouvé? C'est qui me l'a fait tomber? C'est ce petit abruti, là? Eh,
Trouver... La boutique, il a un nom, il s'appelle Barry Butcher. Trouver, c'est garder. Je te signale que t'as les mêmes cheveux que moi. Ça fait un mois que faux. Et je parie que tu as moitié moins de mon âge. Hé, hey, les schnock. Ouais. Maintenant, tais-toi. Il est surpris, lui. Lui, il est surpris, toi. Tu m'étonnes. T'as vu ce qu'il lui a dit. Bon, allez, monsieur, monsieur le vieux schnock. 3 dollars, on n'en parle plus. Mais je suis fauché! Eh, t'es pas fauché du tout! Ouais, revends le manteau! On vous rend votre chapeau! Tu me donnes mon chapeau tout de suite! Bon, last venez, offer! Venez, Dieu. Venez, monsieur le schnock! Et toi, le nimbo, casse-toi de là! Hein. Pas invité à la party! Hein. Eh, monsieur le schnock, vous perdez la tête! Hein. On vous a jamais vu de notre vie! Et vous voulez venez, mon chapeau! Venez. J'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule! Mais non, monsieur, vous avez la maladie de la vieillesse, là. Vous oubliez tout. Jamais vu, moi, le vieux schnock. C'est bizarre, j'avais le même chapeau. On va parler c'est en ça. Chrome. C'est ça, monsieur, vous aviez le même chapeau. Ben, voyons. On va parler en chrome. Alors, tu peux partir si tu veux qu'on parle en chrome. J'aurais pas aimé, j'aurais pas aimé. Répondant aussi. Parle avec le grand monsieur. Hé, hey, j'y peux rien si t'as connu la guerre. Tu m'as foutu dehors, tu m'as foutu par terre. C'est toi, hein, c'est toi qui as ramené les Indiens dans notre pays. Hé, hey, il a rien fait, le monsieur, laisse-le. C'est ta faute. Hé, hey, Barry, si tu continues, il va jamais nous donner de dollars hein, pour les chapeaux. Écoutez, monsieur, allez, je veux bien être gentil, vous $2. Aïe! Non, mais hey, ah, merci. Ça fait des heures que je vous sers. Des heures. Ça fait des heures, mon sac de merde. Y'a un vieux qui m'attaque. Monsieur, il frappe fort, monsieur le Wisconsin Nugget m'a tué. Il m'a tué, monsieur le Wisconsin Nugget. Il est pas mort quand même. Je suis complètement Morse. Je suis Morse. Monsieur le Wisconsin Nugget. Mon chapeau. Mon chapeau. Attendez. Je suis obligé d'écrire le rapport, hein. Ah, ça. Ah et je dis, attends, monsieur le Wisconsin Nugget, je vais oui. dire que c'est le vieux schnock qui m'a tué. Mais oui, c'est allez, vieux, j'ai vu, de mes yeux. Eh oui, ce sont other whores. Ah, c'est dingue ça, c'est n'importe quoi. Médecin, un médecin, s'il vous plaît. Oh. Mais con lui. Madame, hop. Oh là, mon dieu. Je me suis fait étouffer par le vieux schnock. J'en connais un qui veut son quart d'heure de gloire. J'ai le chapeau. Vous sortez, s'il vous plaît. Non, je suis de la famille. Ah ben non, je peux pas le savoir. Hop là, on vous balance le canard. J'ai mal. Je veux sortir, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur... D'accord, c'est un vieux monsieur qui l'a... Monsieur le vieux schnock. Monsieur le vieux schnock. Où est-ce qu'on m'emmène, monsieur? Nous sommes en mer, monsieur. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils étaient en grève. Et c'est comment le grève, je fais comment pour vivre. Si il y a le grève, je peux pas me vivre. Est-ce que quelqu'un... S'il vous plaît, un médecin. Non mais c'est quelque chose quand même, si il y a le grève, je peux pas mourir. Le médecin, il s'étouffe. Vous allez laisser quelqu'un mourir. Vous allez laisser quelqu'un mourir, parce que j'ai besoin. Il y a un martien qui a besoin d'aide. Et regardez le vieux là, vous avez pas honte d'avoir tué quelqu'un. Vous avez pas honte d'avoir tué quelqu'un. Mais dis-moi c'est quoi ce chapeau, je vais pas mourir. C'est toi qui m'as tué les vieux schnack. Ouais c'est bon, y'en a marre de ce mec. Oh non. Bon débat. Allez. Mais c'est quoi le cas, c'est le nick. Mets-lui ce qu'il mérite. Alors, hein, ça fait des heures que je vous cherche dans toute la ville. Mais t'as fini de monsieur, il a besoin d'aide. Alors, ouais, bah là, ouais, j'ai vu les coups que vous l'avez mis là. Et c'est sûr. Attends, remets-le à terre. Monsieur, aidez-moi. Il faut vite trouver un médecin. Ouais, alors, suivez-moi. Mais c'est un track nurse, Regarde-le avec son pantalon blanc. C'est pas la honte. Non, je parle à un autre gars. Ah, ok. Enfin, faites attention. J'ai mal. S'il vous plaît, de l'aide. J'ai beau être c'est western, là, j'ai mal. C'est là. Non, mais lui il a pas appris la pluie en cinquième, lui, hein. Je sais pas. S'il vous plaît, médecin.
Lui, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, hein. Bonjour, monsieur. Tu crois qu'on était au courant? Vous avez rien à faire ici. Monsieur, j'ai mort. Shérif de New Hanover, merci d'évacuer la ville, messieurs dames. Oh non, mais shérif, monsieur, je suis malade. Je suis malade. Shérif, s'il vous plaît. Shérif. J'ai le low vite 29. Please, please. Y'a quelqu'un pour nous aider? Allez, on s'en va. Mais c'est n'importe quoi, là. Attends, bouge pas. Hop là. Oh, j'ai vu ce couille. Mort à bord, mort à bord. Please help me. Je transporte à mort, je transporte à mort. Please help me. J'ai évacué la ville. J'évacue la ville. Attention. N'empêche, on lui a bien volé le chapeau à ce vieux de merde. Hé, hey, depuis tout à l'heure, je fais le comédie. J'ai pas mal. C'était pour avoir le chapeau. Bien joué. Ça, c'est bon, bien tu bon vois, il faut encore évacuer cette putain de ville, donc on va à Saint-Denis, du coup. Eh, hey, pas trop vite, ça me fait mal aux couilles, hein. Aïe, oui, aïe. Bah alors y a que moi qui vois ce... Eh, ça va pas de courir contre les murs, on est complètement con. Attends voir. J'ai mal. Allez, allez, remets les idées en place. Allez, hop. Dis donc, hé, vous faites pas encore des bêtises, là? Hop là. Voilà, je vous ai sauvé. Vous me devez 50 dollars. Elle est 50 dollars, là. Elle est 50... Hein? Bah bon. Hop là. Ah, bah c'est malencontreux parce que... Les 50 dollars, là. Non, mais c'est malencontreux parce que moi, je ne... Ouais, comme un sous-neuf. Bonjour, monsieur. Oh, oh my. Bonjour. Revenez ici, revenez ici. Merci. Oh ben, bah, il va... Oh bah, on allez, on se barre, on se barre. Messieurs, oh, vous allez rester ici. Shérif de New Hanover, descendez de vos montures. On descend. Ah, c'est over. On descend de la monture. Allez hop, c'est over, comme le western. Le blanc, vous venez me voir? Moi, oh j'ai my. Le bonnet derrière vous. Oh, on descend. Impeccable, merci beaucoup. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, venez, venez. Monsieur le Wisconsin Nugget. Allez voir mon camarade qui est derrière vous. Là. Vous me confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est Richard Pastel. Ah, Richard Pastel. Oui, on est cousins. Ah, ah, mais c'est toi le cousin qui baise ma femme. Bon, allez. Viens là, monsieur le Pastel. Oui. Hop là. Comment se faire oublier en deux temps trois mouvements? Regarde, je fais le total wipeout. Hop là, j'ai gagné l'épreuve. J'ai une société qui s'appelait Fall Guys. C'est toi qui as inventé? Oui. Eh, regarde. Psst. Hey. Baiser de Nimbo. Psst. Hey, bah, même pas. Ça se passe là tous les deux? Oh my. Alors, on faisait. Oh. On se collait dans la boue, j'adore. C'est ouais. Bon pour de peau. Ouais, vous avez vu là ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez besoin de notre expertise pour quelque chose? Ouais, vos yeux, sûrement, vos yeux, votre mémoire. Vous avez pas vu des personnes s'étrangler là juste à l'entrée des rings? Ah oui. Si, alors c'était un grand monsieur vieux, très grand, qui est étranglé à un autre petit monsieur. Et celui qui avait la petite casquette blanche aussi. Pas le chapeau blanc, hein. D'accord, donc les casquettes blanches. Et vous savez ce qui c'est pourquoi ou... Bon, on a juste entendu crier, c'est tout. D'accord. Oui, je crois qu'il y en a un qui voulait soutirer de l'argent à l'autre. 50 dollars. Ça marche, merci. De rien. Il n'y a pas de quoi, monsieur l'agent. Allez, hop. Dans les culs. Mon cher Hugues, je crois qu'il parle de moi. Je crois bien aussi. Hé, hey, regarde. Attends, regarde, j'ai fait une blague que je faisais dans mon pays. Je suis un buisson. Oh my! Each time. Le thème de Gothic Fun être comme le Hugh Butchers qui est le buisson. Ah hey, Hugh, regarde. Je suis un arbre. Non mais carrément, carrément, je tombe. Hop là! Bon rire! Vous me confirmez bien que c'est le monsieur au béret là qui a étranglé quelqu'un et qui voulait lui extorquer 50 dollars, c'est bien le ça? Le petit monsieur au béret blanc, oui.
Allez, ok. J'ai le spasme dans la main, là. Je me sens mal, hein. Bah, qu'est-ce qui va bon, regarde monsieur. On dirait que j'appuie sur le bouton, mais ça fait rien du tout. Tu fais les excuses pour les abdominaux. Hop là ah, comme de rien n'était. Il est où notre ami le Beryl là, il faudrait qu'on le trouve assez vite. Très bien, monsieur. Ah, vous avez changé l'accent. Monsieur, la chemise bleue. Oui. Et vous parlez à moi. Ouais, je suis monsieur. Là, monsieur, mais ah c'est... Bonjour. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est vrai, il y a un collègue qui parle, donc attendez s'il vous plaît, monsieur. Très bien. Ah, monsieur. Ok, monsieur, ceux qui se sont fait agresser par monsieur Gustave, là. C'est qui, monsieur le Gustave? Qui est monsieur Gustave? Vous ne connaissez pas... C'est le monsieur au béret blanc. Ah, oui. Ah, le béret. Attendez, monsieur Gustave, je vous ai pas demandé votre avis. Vous le reconnaissez formellement ou pas, monsieur? Oui, c'est le monsieur avec le cap, hein. C'est bien lui. Vous voulez déposer plainte, monsieur, ou pas? Ça ira pour cette fois. Très bien. Monsieur Gustave, écoutez-moi. C'est bon. Donc si vous voulez pas récurer la cellule, monsieur Gustave, va falloir quitter la ville immédiatement. Moi, je l'ai déjà récuré, je te le conseille pas, Légus. Vous êtes en train d'extorquer mes citoyens, en fait, tout simplement. Mais j'ai extorqué quoi? Je les connais même pas. Tu sais même pas ce que ça veut dire, extorquer. Fais pas genre, monsieur Légus. Moi, c'est Gustave. Monsieur Gustave. Qu'est-ce que ça veut dire, extorquer? Tournez vos attention. Talons et quittez cette ville. Il a dit beaucoup. Je suis mort. Pardon, messieurs les shérifs. Monsieur Gustave, là, tournez les talons. Ouais, j'y vais. Allez, hop. Merci. Je veux pas vous revoir pour la soirée, hein, monsieur. Hein. C'est compris. Ça pourrait être bien pire. Hors de ma ville, hein. Estorqué, il a dit, ouais, le Gus. Les gens qui extorquent les autres gens, c'est bon. Hein. Pas de soucis. À s'occuper. De la chance que ces messieurs, ils portent pas plainte. Vaut mieux que ça sorte dehors que dedans, hein. Ah, c'est ce que je dis toujours. N'allez pas les menacer, hein. J'ai votre monsieur... identité, monsieur Gustave. Hein. Je quitte la ville. Il continue de nous suivre, hein, monsieur le shérif. Monsieur le shérif, regardez. Je vous vois, monsieur Gustave. La ville, la sortie de la ville, c'est pas là, monsieur. Non, mais là, c'est harassment, hein. Bah, je vais porter plainte, monsieur. C'est bon, je suis décidé. Porter plainte, très bien. Oui, oui. C'est harassment. C'est harassment. Pas dans la rue. Pas dans la rue, monsieur le Gus. Allez, hop. Ça va récurer sec. Je sors. Vous portez plainte ou pas? Oui, je porte plainte. Mais alors, attends. J'ai fait quoi dans l'histoire? Je viens d'arriver. Franchement, moi je viens juste à Valentine pour me refaire et je me fais agresser dans le rue. Je viens d'arriver. Oh, Rangus. Eh, vous me suivez, monsieur Gustave. Et puis pareil, les deux autres personnes qui veulent porter plainte aussi. Oui, je me suis. Oui, moi je peux vous dire, monsieur Gustave, vous allez me rendre mes $20 que vous m'avez volé. Mais t'es qui, toi? Je croyais que c'était pas 50, vous aviez dit. Non, il voulait extorquer 50 au monsieur qui a pris la fuite. Vous savez quoi? Attendez, on va faire ça là, je vais directement... T'as, c'est qui le témoin? Juste une chose, la victime, c'est qui? La victime, c'est lui. Attendez, une personne à la fois, c'est Gustave. Non, mais c'est moi la victime, j'ai rien fait. C'est Gustave. Ah, il dit toujours ça, Légus. Vous allez voir mon collègue juste derrière, là, avec le cheval blanc. Voilà. Il va vous dresser le procès verbal. Vous allez payer l'amende sur le champ. Mérité. Si tu es quoi? Ensuite, je vais écouter la plainte. Mais juré que je vais rien payer. Vous êtes dit, mais j'ai rien fait. Ouais, tu voulais mettre quoi? Bah, alors là, justement, on va voir avec le monsieur pour la plainte, justement. C'est monsieur, quelque chose, dites-moi, hein. Je vous écoute. Bon, moi, je peux vous dire juste ce que j'ai vu. Le monsieur à ma droite, là, monsieur Pastel. Ouais, très bien. Je l'ai vu se faire agresser. Moi, je suis juste témoin oculaire. Hein. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, mais voilà. Et ensuite, monsieur... votre droite, c'est le monsieur en bleu, du coup. Oui, exactement. C'est moi. Donc, du monsieur coup, Pastel. C'est vous qui allez déposer plainte, alors. Je vous écoute. Eh bien, écoutez, je me baladais tranquillement. J'étais près de l'écurie. Quand ce monsieur-là, que je viens d'apprendre, qui s'appelait monsieur Gustave, hein, je ne le connaissais pas, il m'a pris dans un coin. Et il m'a menacé. Il m'a dit, tout de suite, tu me donnes $20 ou je te défonce. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur. Je lui ai donné $20 et je suis parti en courant. Je ne dis pas qu'on est rendu ici. C'est top ce que tu racontes. Agresser une nouvelle personne. Ah, vous lui avez donné $20 en plus. Oui, j'avais pas le choix. C'est lui. Ah, monsieur Gustave. Oh là là. Ah, bah oui, c'est vraiment des choses. Mais s'il veut, je lui donne $20, j'ai rien fait moi. Ouais, bah vous allez lui rendre ces $20. Ouais, les gens, ils ont jamais rien. C'est lui là, c'est lui que je pointe. Oh, pas lui, lui là. Très bien. C'est lui, hein. Ah, attends, Isaac, il y a un petit souci là. Alors, ah, ça fait mal au dos. En promettant, monsieur Gustave, vous allez lui rendre ses $20 là. Vous allez pas aggraver votre carte. Ne rien, j'ai rien fait donc je vais rien donner. Ah, vous voulez rien donner? Très bien. Non, mais alors là, mais. Non, mais c'est du foutage de gueule là. Ah, bien. Là. J'ai jamais vu quelqu'un avec un culot pareil, monsieur le shérif. S'il vous plaît, écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Oui, on s'écarte, monsieur shérif. Alors que le monsieur à gauche en bleu, c'est lui qui a défoncé le mec qui est au sol là, tout de suite.
tout de suite. Mettez-le dans un ring et défoulez-vous sur lui. Il est complètement confus, hein, le monsieur. Raconte n'importe quoi. Écoute-moi bien, verre de terre. Si tu te déligotes, ça va chauffer pour ton cul. Bien dit, ça, monsieur le shérif. Mettez-lui ce qu'il mérite. Et regarde, Gus, merci pour les chapeaux en guise de caution. Ça me va beaucoup mieux. Je vais charger sur toi, Billy. Ça parle moins tout de suite, hein. Bah, qu'est-ce que c'est bien. Vous pouvez l'emmener du coup directement au bureau du chef, monsieur. Je vais continuer à prendre la plainte. Il va pleurer. Monsieur en bleu, vous me suivez. Monsieur en bleu, vous me suivez du coup. Bien, vous chapeau. Oui, très bien, je vous suis. Salut, monsieur Aubonnet. Je vous suis aussi, monsieur le Wisconsin. Robert Pastel. Monsieur Pastel. Alors, du coup, continuez à me raconter l'histoire là. Ça, c'est du bon boulot. Vous êtes où, monsieur? Je vous entends, mais. Ah. Hey. Beryl, viens voir. Mais. Tu devineras jamais ce qu'on a réussi à faire. Non. J'ai pas deviné. On lui a fait porter les chapeaux. On lui a fait porter les chapeaux. Et pas littéralement. $20 gratuit. Rajoute qu'il a volé un chapeau au vieux. Allez hop, je vais le faire. Yeah. T'inquiète, mes citoyens, c'est hors de question. Vous marchez vite, hein, messieurs. Ah bon? Monsieur, je peux garder le chapeau de Gus? Ouais, vous pouvez, vous pouvez. Ah, thank you, monsieur le shérif. C'est un présent. Allez comment hop. Vous appelez, d'accord, monsieur Béret Blanc, parce que je vous connais pas du tout, je viens de vous rencontrer. C'est Hugh Junior Bouchards, premier et seul du nom. J'espère que vous avez vu toute la scène, Hugh, et que vous pourrez témoigner. Heureusement que vous avez pu me dire, je suis monsieur Pastel, avant de vous prendre la droite, hein, parce que sinon... Ah oui. Et vous allez du coup me présenter votre identité aussi Moi-même pour que je mette sur le rapport que vous êtes témoin de la scène. Ça marche. Bon, un par un, messieurs, d'abord je vais prendre le monsieur en bleu. Ça allez hop, vite. Vous venez me chercher là, je viens vous chercher. Allez hop. Attendre devant le bureau du shérif. Faisons comme cela. Oh, un autre chapeau. Allez hop, je fais la collection. Ah. Il tient plus longtemps. Alors là, je vais, jamais j'aurais cru le baiser comme ça, Legis. Quel motherfucker! Hop là, oh, sorry. Oh, pas de problème. Barry, l'attends, hein. Hey, rentre pas, c'est pas le moulin. Vous pouvez me déposer, s'il vous plaît, Madame Gladys, à votre gauche, s'il vous plaît. C'est pas le moulin, Barry, là. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Je suis mort de rire. On a du courant. Il a des excès de colère. Pardon, c'est des crises, c'est des crises. Et ça arrive parfois, mais il est pas méchant. Hein. Excusez-moi. Hey, essaye de te calmer, hein. Essaye de te calmer, Pastel. Et puis qu'est-ce qu'il fait là, Beryl? Qu'est-ce qu'il fait là, Beryl? Oh, il va avoir des problèmes. Voilà. N'oubliez pas, hein, j'ai pas tout objet coupant, comptant dans arme à feu, etc. Le béret blanc a étranglé. C'est bon? Ouais, mais non, on va pas faire un truc de dingue, hein. Pas un mot. Je vais me faire engueuler. Ah! Mais c'est quoi ça, ce cadavre, monsieur, là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Attends, non. Je vous le mets devant, là. Attends, non plus. J'ai l'impression que t'as un petit peu... Allez, monsieur? Voilà. Monsieur? J'ai une question, là, monsieur. Le blond. Monsieur le blond moustache? Il se fout de mon gueule, là. On m'entend plus? Attends. J'ai un peu lourd en plus. On m'entend là? Je parle à qui là? Ah, j'ai eu peur. Peut-être qu'il me voit pas dans son metaverse. Ah, mais il y a la déclaration là-bas là. Oh. Je veux savoir pourquoi j'ai arrêté. Ah monsieur, je suis là. Là j'ai pas de montre, mais c'était il y a quoi? C'était il y a une demi-heure environ.
Demi-heure, parfait. Vous l'avez enfermé, j'espère, messieurs les shérifs, hein. Oui, monsieur. Il est dangereux, ce globus. Alors, chaque chose en son temps. D'abord, j'écoute monsieur Pastel, et puis ensuite... Oh my, attends. Je reviens, messieurs les shérifs, hein. Eh, vous n'étiez pas dans mes toilettes, James. Hein. Non, mais là, je peux pas me retenir. Non, mais pas dans mes toilettes. Pas possible. James, je peux te demander une petite question rapide. Ouais, trop tard, messieurs les shérifs. Le monsieur que j'ai mis en cellule à droite, c'est pourquoi que tu l'arrêtes? Monsieur à droite, c'est agression sur citoyen. Je ne regarde pas. Je m'en suis éclaboussé sur le doigt. On voit lui à 6-6-K, ça sera mieux. Je vais faire le PV, je vais faire une demande de juge. S'il n'y a pas de juge, je le prends à 6-6-K. Eh ben, c'est parfait. Il y en avait là-dedans. Hein. Hey, j'ai bu tout le Beryl, hein. Ha, comme mon brother, Beryl. Ouh. Allez hop, on zip. Ah, vous avez mal zippé, on voit un bout qui sort. Oh, oh my, je suis confus. Je regarde pas. Ça frotte par terre. Une vermine en moins dans ce pays, Youg. Alors du coup, je vais vous demander une énième fois de me raconter l'histoire, cette fois ce sera la dernière. Et c'est long, hein. Alors, j'allais pour reprendre mon cheval que j'avais laissé à l'écurie. Je sors de l'écurie, j'ai l'impression d'être seul. Je vois l'homme au béret blanc qui m'appelle comme s'il avait besoin d'aide. J'entends mal, je le rejoins. Là, il me plaque contre le mur, puis au sol. Dis-lui ce qu'il t'a fait. Il menace de me frapper et de me tabasser si je ne lui donne pas tout de suite 20$. Alors moi, bonne poire, je lui donne 20$ et je m'en vais en courant. Très bien. Alors attendez, c'est parfait, c'est court, c'est précis, c'est intense. Et on vous l'avait dit, monsieur, pourquoi on mentirait? Est-ce qu'il mérite la peine de mort? Je te rajoute juste un truc comme ça, James, regarde. Non. Ouais, dis-moi. Non mais c'est juste, regarde, juste, j'aurais juste une feuille, je te la glisse là, c'est au niveau des rapports, c'est juste le témoignage d'un troisième. Ça roule. Voilà, c'est tout con ce qu'il a rajouté, mais si ça coïncide, bah ça nous aide. Ah, ça c'est du vrai travail de Western. Ben on essaye. Yiha. Yippee-kaye. Ah bah non, je vais pas comprendre, parce que là, c'est moi qui est derrière la cour. Eh, hey, pourri bien en prison, le Gus. Allez hop, ça se dit. Bon, monsieur, vous avez besoin de moi ou pas, là? Merci beaucoup, présenter votre pièce d'identité, puis après, ça sera bon. Allez-y, présentez votre pièce d'identité. C'est comme si c'était fait, monsieur les shérifs. Hop là. Hugh Junior Bouchards. Très bien. Bah du coup, bonne soirée, monsieur Bouchards. Enfin, bonne journée, plutôt. Ouais. Et puis, à la prochaine, non? Eh ben, j'espère pas, monsieur. Ouais. Et vous pensez que je peux récupérer les $20 qu'il m'a soutiré? Je vais vous les redonner, oui. Attends, cool. Une petite seconde. Cool. Ça, c'est fair. Parce que lui, il va sûrement pas vous les redonner. Et puis moi, je peux pas... J'ai pas les droits nécessaires pour pouvoir lui enlever. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais vous le rembourser. Ah bah merci beaucoup, vous faites un travail formidable. Parce qu'à Valentine et le shérif, je n'accepte pas ce genre de choses. Le shérif en question. C'est pour sécurité. Deux points. Non, c'est un petit gimmick que j'ai avec mon ami Pastel. Mon nouvel ami. La bouse en question. Deux points. Le shérif en question qui parle pas et qui a peur. D'accord, donc juste, il vous a juste dit, si tu me donnes pas $20, je te tue, vous amenacez. Il m'a dit exactement, je te casse la gueule. Ah, d'accord, très bien. Ah, dans ces termes, hein, il a dit les termes, là. Je cite, je te casse la gueule. Oui, vous me regardez dernière... Dites pas ça quand vous me regardez, messieurs, hein, parce que là, vous me faites peur, messieurs les shérifs. Non, vous inquiétez pas, si je suis concentré dans mon rapport. Le rapport en question. Alors là, Hugh, il a dit les termes. Les termes en question. Deux points. Ouf! Ça va, monsieur? Vous avez le balai dans le cul? Vous avez l'air d'être tout palo, monsieur le shérif. Vous avez besoin de repos, j'ai l'impression. Mais oui, vous avez besoin de repos, non? T'inquiétez pas. Après, c'est vrai que
C'est vrai que je travaille beaucoup, vous avez raison. Ah, vous devriez prendre du repos. Bon, une bonne pipe entre amis. Je suis sûr qu'il y a des collègues qui seraient ravis. Oui, oui, oui. T'es formel, il a fait une agression sur citoyen. Oui, oui, oui. Ah oui, bah ça c'est formel, hein. Enfin, on je vais pas appeler le juge, je vais l'envoyer à Sissika directement pour agression sur citoyen. Ouais, bah voilà, voilà. Allez, c'est parti, ça part. Ça part. Il mérite bien tout ce qui lui arrive, maudit brigand. Sissika. Tu m'entends depuis ta cellule, motherfucker ? Hein, Lugus ? Mérité. Il n'agressera plus personne une fois là-bas. Il n'agressera plus personne, vous en faites pas. C'est plutôt lui qui va se faire agresser. Je me fais chier à Valentine. Oh my. Hop là, pour le personnel. Ah, vous avez quelque chose sur les chaussures. Hop là. You, regardez, oui. Je sais faire ça avec ma bouche. Vous êtes prêts? Oui. Waouh. Ah, pas mal. Alors du coup, je vais vous relire le... Je vais vous relire la place, et puis après du coup, ça sera bon. Très bien. Du coup, je sors de l'écurie, je vois monsieur, du coup, je vais prendre son identité. C'est long, c'est long, il c'est long. Il s'est approché de moi et m'a plaqué au sol en me disant, si tu me donnes pas 20$, je te casse la gueule. J'ai donc donné 20$ et j'ai fui jusqu'à tomber sur le shérif James Davis. Exactement. Donc moi-même, qui a donc retrouvé monsieur nanana, c'est je vais bien. Prendre son identité. J'ai donc reconnu formellement la personne et j'ai décidé de porter plainte. Ouais, c'est bon ? C'est exactement bon tout ce que j'ai dit. T'agace qu'à toi, les shérifs. Merci. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, passez une très bonne journée. Et puis, eh ben, attendez, je vais vous donner les 20$. Je finis juste de... Merci beaucoup. Ah, quand même. Allez, Hugo, regarde, je sais aussi faire ça avec ma bouche. Tu es prêt ? Oui. Oui, j'ai 10$, oui. Hey, tu pourrais en faire un spectacle, hein ? Merci d'évacuer la ville, si vous n'avez rien. Je m'entraîne. Merci de ranger vos chevaux aux écuries. Je sais faire ça avec mon bouche, moi. Tu fais pas de bruit là. Oh my. Ouais, je me suis... il fait pas de bruit. Je me suis trompé de bouche. Ah d'accord. Non, non, vous avez pas. Ah, attendez, je vais vous donner 20$. Les 20$ en question. 2 point. C'est bon, vous avez reçu. Merci beaucoup monsieur pour les 20$. Il y a pas de souci. Eh ben monsieur les shérifs, ça c'est du travail. Merci. Well done. Vous êtes vraiment très formidable. Passez une très bonne soirée messieurs. Ça fait vraiment plaisir de se sentir en sécurité avec vous, messieurs les chefs. Exactement. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Bon, c'est pas que le devoir m'appelle, mais messieurs, j'ai d'autres chats à foutre. Merci, bon courage. Merci. Allez, merci. Good night, messieurs les shérifs. Hop là. Il est 30$ au lieu de 20. Oh le con, oh le con. Hey, ce braquage, on l'a fait 1-2. On partage. T'as raison. J'attends le partage en question, hein. 2 points ? Tiens, tu l'as bien mérité. Oh, thank you very much, monsieur. Allez, monsieur Pastel, à l'aventure. Attends, mais il est où, Baril ? Mais je crois que je l'ai vu partir vers le ranch, là-bas. Ben, attends, je vais demander. Sir, excuse me ? Ouais. Est-ce que vous auriez vu notre brother, Baril Bouchard ? Il porte une salopette bleue ? Il est... Ouais, je vois, mais il est parti après sa déposition. La dernière fois que je l'ai vu, il était vers la gare. Il est parti après la déposition. Ok, bon, bah, thank you, on va aller voir vers la gare. Merci, messieurs. Et juste une chose, quand vous êtes plaqué au sol, monsieur en bleu... Oui. Moi, parce que je l'ai vu de loin, là, plaqué au sol. Alors, j'étais pas sûr que ce soit lui, mais j'ai bien vu quelqu'un vous plaquer au sol. Il vous a l'air de repartir. Il n'avait pas un couteau ou un revolver dans les mains ? Ah, j'ai pas pu voir ça, je suis désolé, mais ça m'étonnerait pas. Ok, parce que... Coucou la gonzesse. Vraiment, j'ai pas vu. Ceci dit, je sais d'expérience que quelqu'un qui vous plaque au sol avec ses poings, uniquement ses poings, il ne peut pas vous relâcher. Vous allez lui remettre une droite, c'est instinctif. Ça, ça allait très vite et j'ai paniqué, vous savez. Oui, bah moi je pense qu'il y avait une arme. Mais bon, tant mieux pour lui. Ça s'est passé tellement vite, messieurs les shérifs, je vous avoue. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait eu un revolver. Bah, s'il n'avait pas de revolver, alors tu vois bien. Bonne journée, messieurs. Merci beaucoup, messieurs les shérifs. Merci beaucoup. Qui ça ? Là-bas.
On l'a échappé, Belle. Hey, encore 5 minutes et il prenait une peine de mort. Oh, je pourrais dire qu'il a violé mon femme. Hein. Oh, il est mort. Hey, il est mort. Oh, le Gus, il est mort. Quel dommage. Allez, hop. Bon, il est Beryl. 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 Et c'est... Oh, j'ai cru que c'était Beryl. Mais non. Beryl! Où est-ce qu'il est, brother? Excusez-moi, vous avez pas vu Beryl? Oh! Monsieur? Monsieur sur le canal... Monsieur, oui. Vous n'avez pas de cheval, vous savez? Bah, vous il est là! Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, bah, c'est cette personne-là, ce chapeau blanc. Eh, bah, te v'là! Vous savez comment je l'appelle, lui? Le juif. Eh oui. C'est pas un surnom, hein. C'est un juif. Mais parce que je suis juif. Ah. Mais oui. Et vous n'avez pas honte? Et vous savez ce qu'on a en point commun? Et pourquoi vous vous énervez, là? Comme si j'allais vous tirer, là. C'est quoi, ça, ce comportement? Écoutez. Ouais, à qui? On a toi, un là. Point commun. Pardon? C'est quoi? Avec le juif. C'est quoi? On n'aime pas trop les... Et les arabes, apparemment. Monsieur, non, mais non. Il a dit on n'aime pas trop le ragoût, mais ça va pas bien, monsieur les juifs. On avait une conversation tout à l'heure et c'était pas ça. Hein. Non, mais alors vous, mais c'est une catastrophe, allez. Hein. C'est de l'antisémitisme. Eh ben c'est vous, hein. C'est vous là, monsieur, c'est vous. Non, mais alors là. Alors là, c'est la meilleure. Antisémite. Il a tapé les juifs. Antisémite. Antisémite! Ah, c'est le juif! Hein, non, mais ça va pas, monsieur! Calmez-vous! Non, mais monsieur, vous. Alors, comme ça, vous allez dans la rue, vous attaquez un juif! Antisémite! Oh la vache! Non, mais vous êtes pas bien, hein! Et c'est vous, vous êtes pas bien! De quoi il parle? C'est quoi ça, les il s'est excusé, monsieur. Ah, bah quand même! Faites attention, parce que là, c'est le racisme, c'est harassment, hein! Ouais, non, mais attends, ça veut dire quoi, c'est vite, déjà. Non, mais c'est une catastrophe. Non, mais moi, je soutiens pas ça. Je soutiens pas ça. Oh là, qu'est-ce qui se passe, là? Le petit là va se faire foudroyer. Et qu'est-ce que vous regardez, messieurs, là? C'est quoi, ça? C'est de la boxe, monsieur. Ah, là, c'est pas de la boxe, c'est... C'est la bagarre. C'est un assassinat, là, messieurs, là. Non, c'est la bagarre. Il est déjà bien abîmé, non? Vous croyez pas? Mais, t'en veux une? Oh, pardon! Hey, oh, non, non, je suis sorry, monsieur! Ah, c'est tout... Oh c'est... Là, là, je me suis trompé des muscles, monsieur! Ah ouais, parce que ça va partir vite. Ah ouais, elle est partie vite, celle-ci, hein? Pas eu le temps de la voir. Tombé! Andrew, attends, bouge pas, Andrew, je te prends. Je me calme un peu. Ouais, mais j'arrive pas à me calmer, vous m'excitez, monsieur, là. Ah, c'est bon. Ah oui, oui. Trompage, là, putain. Allez, le poisson, le gros poisson. Il est parti, les antisémites? Ça fait 10 minutes que j'ai su... Non mais, Mike, bon, j'ai oublié, là, je sais pas ce qu'il raconte avec les antisémites, leur connerie... On s'excuse encore. Pas de soucis, pas de problème. C'est pas, bon. C'est grave, hein, quand même. C'est très grave, hein. Moi, j'aurais honte à votre place. Franchement, on vient de s'excuser, on l'a dédommagé, on peut mais pas non, mais arrête de faire la victime, depuis qu'on vous a laissé entrer aux États-Unis, il y a que des galères. Toi, t'as qu'à arrêter de frapper les gens aussi, connard. Mérité, mérité. Allez, messieurs les juifs, vous êtes sauvés. Eh oui, bah oui, ils m'ont sauvé avec 30 dollars. Hein. Eh, ferme-la un peu là. Tu viens ici, viens ici, monsieur. Viens ici. Oui. Ah, ça y est, je l'attends. Suis-moi, hein. Vous n'avez quand même pas racketté un juif, ce sera encore dans l'antisémitisme. Ah, ne t'inquiète pas. Monsieur, vous êtes au courant quand même que c'est grâce à mes frères que vous êtes sauvé, donc vous nous devez des intérêts, monsieur. Ah, ça marche comme ça? Vous êtes banquier maintenant? C'est moi qui pose les questions. M'obligez pas à la faire. À faire quoi, monsieur? La blague. La blague, hein? M'obligez pas à la faire. Non, 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 fais pas, je veux l'entendre. L'obligez pas. 15 dollars. On a un point commun, tous les deux. Oui. Non. Non, non, non. Beryl. Vous m'avez dit tout à l'heure, monsieur. De quelle origine, vous? Qui, moi? Ah non, lui. Oui, vous. Pas juif, vous pouvez partir ici, on fait des complots. Oui, vous êtes de quelle origine? Moi, j'habite à Rhodes. Ah bah vous pouvez rentrer dans Valentine. Eh bah bienvenue. Parfait. Merci. mais il est complètement raciste, c'est mon brother, là. Mais tu viens de l'apprendre. Première nouvelle. Allez, la news vient de tomber. Allez, hop.
Oh, ça pue ici, qu'est-ce que ça sent? Me dites pas que ça sent le juif, je le prendrai très mal. J'aurais honte à votre blague. Non, mais ça va pas de faire ces blagues là. Ça va pas. Mais c'est moi le juif. C'est con. Antisémite, juif, antisémite. Vraiment, monsieur, vous dépassez les bornes. Mort la queue. Bah, moi qui voulais vous filer 15$ d'intérêt, et bah, j'ai changé d'avis. Eh bah, c'est ça, et bah, on va aller voir le shérif. Allez hop. Bah, allons-y, ce serait l'antisémitisme. En plus, je vais dire. Dis-moi ça. Tu vas tout de suite me donner le genre R. Moi. C'est un racket. Mais c'est pas un racket, c'est les intérêts. Attendez, vous avez fait tomber mon chapeau juif. C'est le tien maintenant. Non, c'est lui qui donne tous mes pouvoirs. Donnez-le-moi. J'appelais ça le kippa. Eh non, ce n'est pas une. Le beau nom. Gros, un peu gros, point kippa. Bon. Monsieur, rendez-moi mon chapeau, monsieur. Foutez-moi une claque. Non. C'est le meilleur moyen. Ben, tant pis, vous n'aurez pas votre chapeau. Vous tenez une claque si vous avez des couilles, monsieur juif. Si vous me tapez pas, vous n'aurez pas le chapeau. Vous savez que je peux aller porter plainte, monsieur. Pour antisémitisme et vol de chapeau. Et je vais aller partir, là. Foutez-moi une claque. Non. Bon. Bon, Baril. Robert. Quoi. Allez, tiens. Et une autre. Encore une autre. Et une autre. Allez, mais plus fort. Allez. Et pourquoi, allez, tu veux, voilà. Pourquoi tu veux te faire taper? Mais je vois pas mon chapeau par terre, vous voulez. Ah. Le chapeau, il a disparu. Oh, et c'est un magicien, maintenant. Eh, bravo, messieurs les G-Word. Alors, hop, le chapeau sur la tête. C'est un bagarre. C'est bon, le chapeau il est là. Hop là, comme un sous-neuf. Et voilà, tour de magie juif. Bon bah il manque plus que les 15$ et on est tour de magie juif. Eh oui, tout à fait. 15$ du coup. Laissez-moi réfléchir, qu'est-ce que j'y gagne mon cher? 7,50 chacun. Bah on vous a protégé hein. Protégé? Ça c'est pour rigoler. Oh putain. Bah rigole, c'est bon. Petite blague. Attendez. Je me suis fait frapper. Et là, je vous dois 15$. Et en plus, attends, on vous a sauvé. Vous a sauvé. Et je suis plein de boue quand même. Eh, ils sont en train de transporter. Ils transportent un corps là. Hein. Là-bas. Ah. Mais c'est du. C'est du Russell. Très dur en affaire. Oh, j'aimerais bien piquer les chevaux hein. Ça m'emmerde, vous tripez un chiffre, monsieur. Monsieur, comment vous appelez? Parce que c'est chiant de vous Ephraim appeler. Bennett. Bon, Ephraim, je vous ai donné 6 viandes tout à l'heure. Non, vous je vous ai donné 6 viandes en non, échange d'un dollar. Non, c'est moi qui vous les ai donné 6 viandes. Monsieur, je n'ai plus de viande sur moi, je n'ai que du saucisson. Je vous ai donné 6 viandes. Bon, allez, votre sac, bon, allez. Vous allez avoir 6 viandes pour un dollar. Ephraim, je vous donne 2 ragouts, oui. Vous nous donnez le genre. 2 ragouts, 15$, mais dis donc, c'est cher payé cette histoire. Eh, c'est du bon ragout, hein. Il est caché, votre ragout, moi. Oui. Oui, vous savez ce que ça veut dire, cacher? C'est pas cher. Non. C'est non, bon marché. Cacher, qu'est-ce que c'est 15$ les deux ragouts. Eh ben, c'est... Ça, c'est sûr. Oh, oh monsieur le G-World, poussez-vous. Allez. Et il a pissé, hein. Allez. Oh, mon Dieu. Allez, monsieur, 15$ les deux ragouts. Ah ben, dis donc. Attendez, je me fais pisser dessus, je dois donner que 15$. Ah, tiens donc. Il a trouvé son chapeau. On s'est refait une richesse, le vieux schnock! Mais alors, on s'est racheté un chapeau! Alors, vous? Eh, vous savez combien je l'ai revendu, votre chapeau? 50$! Mais faites des affaires. Oh, monsieur! Oh, hey, monsieur le vieux schnock, ça vous dit un cheval pour 15$? J'ai pas Alzheimer, qu'est-ce que vous pensez là? Eh, c'est la première fois que je vous vois, monsieur le schnock, vous voulez les chevaux? Eh, le vieux! Hey! Oh, viens voir! Descendez voir mon frère, mon brother! Viens voir! Tiens! Oui! Comment ça, monsieur Pastel. Mais regardez, ça c'est le vieux. Pastel. Hey, c'est Pastel. Vous le vieux. Vole lui un truc, il l'oublie au bout de 15. Regarde, je viens de voler le cheval, il a déjà oublié. Monsieur, ça vous dit un cheval? Ne lui rappelez pas. Hey, le vieux. Hey. Quoi? Bon. Prends les chapeaux. Ouais, bon, mon cher, j'ai donné les 15$ à votre ami. Ah, oh, mais vous l'avez donné au pire, monsieur. Ah bah il a dit qu'il allait partager, vous savez. Oh, mais il ne partage jamais. Oh mon.
Ouais, monsieur Leschnock, monsieur Leschnock, vous avez tué mon brother Pastel. C'est eux là, c'est eux. Eh, va bien niquer ta race, toi. Pardon, qu'est-ce qui se passe là, là? Qu'est-ce que c'est que ces jeunes là? Mais parlez donc mieux, regardez, frère. Il est là. Mais y'a plus de respect, hein. Mais il est taré, lui. Monsieur... Ça va, Pastel? Monsieur le vieux, je vous vends ce petit cadasson 15 000 dollars. Il a dû répondre, hein. C'est vous qui l'avez appris de faire ça, là, monsieur Leschnock? Elle s'appelle Tequila. C'est ça. Je me sens pas bien. Attends, on va t'amener chez le docteur. Des chapeaux, on va te soigner. Oh, un cheval. Oh, monsieur Leschnock, ça vous dit un cheval? Redescends dans mon cheval tout de suite. Vous avez pris votre cheval? Mais monsieur, j'aimerais vendre. Je propose au Leschnock s'il veut le cheval pour 15 dollars. Et c'est. Pardon, excusez-moi. Oui? Et c'est celui-là qui vous a pris? Ça... Bon, alors là, c'est faux. Par contre, c'est mon cheval, messieurs. Mais... Tu me reconnais, hein? Mais oh, oui, tu attention, la charrette. Attention! Oh, oh, oh my! C'est votre collègue, ça va, madame? Madame, Matt, ça va? Oh non! Son cheval a un caractère. Hein. Ah bah, c'est ce que je vois. Excuse me, lady, pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé, je me balade et ce monsieur veut absolument mon cheval, tout ça parce qu'il est blanc. Du coup, je lui propose s'il veut l'acheter, mais. Bon. Le vieux, t'as une maladie, avoue-le. C'est quoi comme cheval? Toi. Ah, c'est un joli cheval blanc. T'as une grosse maladie qui te fait perdre la mémoire, dis-le. La race, ben je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai acheté, madame. Attendez, bougez pas. Ok. Je crois que c'est un Mustang. Vous le trouvez beau? Il est un peu sale, hein. Oui, attendez. Regarde, attendez. Est-ce que vous avez une brosse sur vous? Oui, j'ai la brosse, je crois. Allez-y, donnez-lui un petit coup de brosse, ça lui fera du bien. Mais c'est mon cheval, madame. Et oh, du calme. Du, vieux, là. Du calme. Allez, fuis, fuis. Ah, c'est un Kentucky, pardon, je me suis trompé. Attention. Oh là, il est excité, hein. Mais c'est à cause du vieux Schnock, regardez. Mais le vieux, tu pues, le vieux. Vous pouvez nettoyer le cheval quand vous êtes dessus, hein. Ah ouais? Oui, il suffit de sortir votre brosse et ça va aussi. Toi? Ok. Tu vas voir si je t'attrape. Mais regardez, même le vieux Schnock, il s'est dénudé, hein. Ma veste est sur le cheval, partez pas. C'est bon, je le brosse là, madame. Ah, mais le vieux, il sent. Mais le vieux, il sent. Il est très mignon. C'est un beau cheval, hein. Je l'ai appelé Kentucky. Mais ça fait tequila. C'est original, ça. Bon, rien de drôle, hein. Madame, vous pouvez... Non, mais c'est pas vrai. Là, j'en ai marre. Le vieux, il m'exaspère. Oh, c'est le harassment, hein. Bon, madame. Non, mais restez là tant que vous me rendez moi mon cheval. Mais vous me touchez les hanches, monsieur, ça me gêne sérieusement. Je peux vous aider, monsieur? Je suis le frère de... Et là, vous sentez autre chose ou pas? Oh, d'accord. Oh, monsieur, monsieur le vieux Schnock. Je comprends que vous me trouvez plus beau que lui. J'ai 75 ans, mais toujours vigoureux et comme on dit. Et retirez la sausage, please. Monsieur, ça me fait mal, j'ai l'impression de m'être assis sur la fourche. Maintenant. Monsieur le Schnock. Tu descends, mais tu me rends mon cheval. Que si tu me donnes... T'as combien de dollars sur toi, Leschnock? J'ai rien du tout, je t'ai dit, je sors de la forêt. C'est un cheval, bon, monsieur. Tu t'es pas lavé depuis... Ah, bah voilà, la dame te propose un cheval, monsieur Leschnock. Oh, j'ai 75 ans. Non, à vous. Ah, à moi, mais quel type de cheval? Ça dépend. Vous aimez quoi comme style de... Allez, la dame va vous vendre un cheval. Ah bah, très bien. Bah, attendez, madame, je vous suis avec le cheval et... On va à l'écurie, je vous montre. Ok, c'est parti, je vous suis, madame. L'odeur du vieux Schnock, là. Et toi, le vieux Schnock, arrête de suivre mon cheval. Hein. Oh là là, mais... te laisse pas faire. Bah, aidez-moi, c'est quelque chose, les vieux monsieur, là. Hein. Allez, hop. Il y a quelque chose avec cette dame, là. C'est quoi votre métier, madame? Si vendeuse à Blackwater.
Et qu'est-ce que vous vendez au juste? De tout un peu, sauf les armes. On peut pas vendre des armes vu qu'il y a l'armurerie. On touche pas à ça, hein. On peut vendre des arcs en revanche. Des arcs? Des arcs et des carquois, oui. Hmm. Ça coûte cher, ça? $45 les deux. Eh, hey, vous faites pas chier, les tarifs sont durs, hein, là. Oh bah, rassurez-vous, les natifs les vendent quasiment aussi cher. Hmm. J'aime pas les natifs. Après, ça dépend, il y en a, ils sont très gentils. C'est ça. Bah, vous m'aimez pas, alors je suis à moitié native et je suis prête à vous donner un cheval. Oh, j'adore les natifs. Qu'est-ce que je les aime? Toujours adorer les natifs. Hop là. Il paraît qu'il y en a des biens. Ok, milady. C'est quoi la prochaine étape? Alors, venez dehors, je vais vous montrer. Ok. Waouh! Il est beautiful, le cheval. Regardez, c'est pas le blanc, c'est... Ah, c'est le marron. Ok. C'est un Mustang. Bah, il est beau quand même, hein. Gentil, cheval. Montez-le si vous voulez essayer. Mais du coup, c'est pas mon cheval, c'est le vôtre. Pour l'instant, c'est encore le mien, oui. Et il faut faire quoi? Les papiers? Peut-être que je peux vous l'offrir. C'est possible, ça? Bien sûr. Que dois-je faire, madame? Je vous donnerai un petit service. Hein. Déjà, est-ce qu'il vous convient? Ah, il est magnifique. Après, magnifique, est le Mustang. Aussi. Après, j'ai encore... attendez. Donc, il y a le Mustang qui est là. Et attendez, okay. Hop. Oui, mais vous lui avez fait peur? Ah oh, mais... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il est parti où, le Mustang? Je fais valser les cœurs, hein. Mais pourquoi la femme s'est transformée en homme? Il me débecte! Ah! Oh, j'ai eu peur, lady. Et celui-ci? Oh, oh my! Écoutez, en votre honneur, je l'appellerai Blackwater. Ah, par contre, malheureusement, les noms, on peut pas les modifier. C'est une fois que c'est mis sur les papiers. C'est pas grave, ça restera Blackwater dans mon cœur. Gentil cheval. Et celui-ci, vous verrez qu'il a une bonne endurance. Et pareil, niveau vitesse, il est pas mal. Ok, c'est cheval de course. C'est pas le plus rapide de tous les chevaux de course, mais on peut dire ça, oui. C'est un Appaloosa. Oh my. En tout cas, il est magnifique, hein. Comment puis-je vous remercier, lady? Il n'y a pas de souci, tant que je peux aider. Ah, attendez, bougez pas, madame. Du coup, vous préférez celui-ci? Ah, carrément. Je m'en doutais. Alors. Allez, un petit peu d'argent, quand même. Excusez-moi, madame, mais j'ai chopé les chaudes pisses, là. Ça me fait tomber. Attendez deux petites secondes. Hey, c'est bon, je suis pas... Vous pouvez me donner votre pointure, s'il vous plaît? Le pointure du pied? Attendez. C'est 47, hein? Ah, ben allez-y! Allez-y, qu'est-ce que je vous ai fait? C'est le harassment? Cessez de me taper, madame. Non, c'était pas vous que je tape. Ah! Eh ben, touchez pas le cheval. Aïe! Et franchement, la plaisanterie a assez duré. Vous voyez pas la personne qui vous court dessus depuis tout à l'heure? Mais non, moi je vous vois me donner des baffes. Mais c'est pas sur vous que je tape. Regardez, c'est pas moi. Je veux bien vous voir, mais vous êtes un peu crazy, madame. Hein? Peut-être. Faites pas attention à Blackwater, hein, c'est un peu ça. Alors du coup, votre numéro de... Enfin, votre pointure, c'est 213. Ah, qui c'est qui vous frappe? Cette pointure-là. C'est qui, ce monsieur? Madame, ah, vous avez bu l'eau du bang, hein, je crois. Oh, le Mistral gagnant dans les oreilles, là. Oh purée, je suis la seule à le voir. Bon, bah, laisse tomber. Ah, c'est pas grave. Des hallucinations collectives. Alors, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche mon... Elle se met derrière moi, là. Donc c'est bien 213, hein. Faut pas que je me trompe. Oui, c'est bien ça.
maintenant allez dans votre écurie. Ok, j'y vais. Oui, et vous allez dans mes chevaux. Oh my. Eh, vous voyez... c'est mon vieil cheval, Boubou. Oh. C'est grâce à vous que je vais avoir un nouveau cheval, madame. Il est Mars, Boubou. Mais c'est pas un cheval, ça. Je vais chercher... Ouais, je vais chercher votre cheval. Boubou. Ok. Mes chevaux. Crépuscule. Allez, hop, Boubou. C'est ça. Canne une dernière fois. Mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Madame, je... Ah. Oui? Non, mais là, il y a un problème. Je suis complètement crazy. C'est quoi, ça? Je peux plus bouger, madame. Tout va bien? Je me sens mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à user mon jambe vers l'avant. Ah, attendez. Je vais tenter quelque chose. Oh là. Ah, le muscle veut pas marcher, madame, hein. Alors là, par contre, c'est compliqué. Oh, je crois que c'est bon. C'est bon, madame. J'ai retrouvé mes esprits. Alors. Écurie. Mes chevaux. Je sélectionne. Oui. C'est bon, j'ai les chevaux, madame. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à l'appeler. Vous allez voir la différence qu'il y a entre celui que vous aviez et celui que vous allez avoir maintenant. Ça, c'est de l'étalon, hein. Oh my! Madame, c'est vraiment le plus beau cadeau Bonjour. Qu'une femme m'ait jamais fait. Hein. Je vous remercie de tout mon Ça corps. Va, Yvon? Y a pas de souci. Que puis-je pour vous? Même pas un service, quelque chose? Non, du tout. Non, je fais ça pour, juste pour vous aider. Pas besoin de service ou quoi que ce soit. Y a pas de souci, monsieur. C'est de la charité. Bonne journée. Non, mais c'est juste pour faire plaisir. Eh bien, écoutez, madame, je suis touché. Je suis touché. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Pas de soucis. Je vous envoie un kiss. À très vite, j'espère. Bien sûr. Bah, n'hésitez pas à venir sur Black Water quand vous voulez. J'y repasserai dès que possible, madame. Vous pouvez compter sur moi. D'accord. À l'occasion, peut-être boire un verre. Si vous le souhaitez. Allez, hop. À plus. Au revoir. J'aime ça. J'ai pas mis... Oh my, crépuscule, je bande. Je l'ai fait tout tomber, hein. C'est quelque chose quand même, c'est le dating, hein. Oh my, crépuscule. Oh, excuse me, crépuscule, je suis désolé. Ah. Je pensais que c'était le port, hein. Je dis tous ensemble, hein. Viens, monte avec moi. Oh, mais t'es là, toi, monsieur Pastel. Bah oui. Mais je te voyais plus. J'ai vu l'accident, hein. Mais... C'est pas mal. Et tu sais quoi, là? Il y a une donzelle qui m'a fait lever le tipi, là. Oui. Elle m'a offert les chevals. J'ai bien vu que t'essayais de la baiser. Mais non, bah jamais. Mais elle m'a offert les chevals. Regarde les talons que je possède. Salut, Beryl. Salut. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs? Il faut qu'on se barre de cette ville, il y a bien trop de monde. Et tu veux aller où? À Saint-Denis. Allez, hop, direction Saint-Denis. Oh non. Pourquoi, ça te plaît pas, Beryl? Tu sais très bien ce qu'il y a dans cette ville que je déteste. C'est quoi, les Indiens? Les Américains? Les Juifs. Monsieur. Ah. Messieurs. J'ai dit le G-World, il est tout de suite dit oui, monsieur. C'est... Et ça va pas, là, Beryl? Monte. Tu veux monter sur mon cheval, Beryl? Hop là. Ah ben voilà. Tu as mis le pin sur ton map? Ah non, moi je vous suis. Bon bah Beryl, bon il est chiant là, il monte et il descend. Hop là, c'est pas moi qui conduis ici, Simone. Bon, bah, je dois mettre sur mon pin. Bon, bah, mets ton pin. Saint-Denis. Tu permets, je crois qu'il y a un cheval de meilleure qualité, là.
C'est vexant. Regarde mes grosses fesses posées là. Essaye de me rattraper. Hein, le pastel. Yeeha. À la gueule de ton cheval, tu mens. Regarde le canasson. Ah mais t'as les pastels. Pastel. Pastel avec les chevals mais de donzel. J'espère que le vieux il viendra à Saint-Denis. J'aurais pu tout lui piquer au vieux. Tellement débile. Petit coup d'eau. Ah. Le vieux il m'a volé mon lasso. C'est pas vrai. Tu t'es fait racketter par le old one? Oui. J'ai plus de lasso. Hey pastel, un peu plus vite, hein. On va en racheter un lasso. J'ai l'argent, hein. J'ai le genre R. Tu sais qu'on pourrait s'arrêter à un ranch, là. Je connais. Quelle direction? Ranch. Emerald Ranch. Vas-y, dirige-moi, mon frère. Brother. Continue sur cette route. Allez, continue hop. Sur le tracé. J'espère que c'est pas un Tracknors, hein. Non, c'est mes amis. T'es sûr de ça? Les draps pointus. Ah, les Indiens. Qu'est-ce qu'on les adore. Ah, ça... Il y en a des biens. Qu'est-ce qu'on les aime. Tu peux me rechanter, il y en a des biens. J'adore, hein. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Yeah. Hop, 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 ouais, il y en a oh vraiment là, des biens. Oh là, oh là, oh là. Il y en a vraiment des biens. Ils sont tous cool. Oh, le cheval. Aïe. C'est quoi ces histoires là? Monsieur, vous regardez, vous allez. Non, mais vous avez un mammouth. Vous êtes inconscient. Il a une corne, les chevals. Les mammouths. Eh, monsieur, là, j'ai mal, hein. Baril! Mon cheval! Aïe! Eh ben alors! Aïe! Eh ben alors! Aïe! Voilà, c'est là. Tu descends, Baril! Tu descends, Baril! Bon, j'ai compris. Bon, j'ai compris. C'est parti! Ça va pas marcher longtemps si je suis avec moi, hein? Emerald Ranch! Nous voilà! Il y a que des bouseux ici, hein? Des bouseux? C'est ça ton endroit là? Ça arrive! Et il est endurant, hein, sale bête! Eh ouais, c'est un bel étalon, hein? Oh, monsieur Pastel! Non mais... Pastel! Pastel Boy. Alors là, hey. Il a tout dit. Beryl oh. Butchers. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Bon, bah t'as cassé la barrière, ouais, bien joué. Complètement con. On peut faire de l'argent ici. Ah ouais, ça a l'air d'être le cas. Hein. Bon, dis donc. Oh, le froc. Oh, la vache, la dégaine. Oh, oh. Eh attention ben, à toi, Beryl. Hein. Beau fessier. Hop là. Gros cul! Bien foutu, voilà. Cowboy! C'est un compliment! Oh, pardon, je suis dégnolé! Ah, bah ouais, mais il a juste trouvé voilà, le boule qui chamboule! Il sait pas parler! Il sait pas parler! Je suis dégnolé, monsieur! Bah voilà, vas-y! Il sait pas parler! Essaye de parler! De quoi, moi? Il sait pas parler! Oh, le honte! Le honte! Si t'as deux vaches et je l'en tue deux, il t'en reste combien? De quoi? Si t'as deux vaches et que j'en tue deux, il t'en reste combien? Ben, il y en a plus. Mais espèce de débile! Hein? Mérité, mouchette! Mais t'en vas pas ou quoi? Oh, oui, c'est bon, hein. Tiens. Bah, va voir là-bas si j'y suis. Oh, bah, un bon, chapeau! Comment on élève ici, monsieur? Pas très bavard. Dis donc, t'as des problèmes de compréhension, mon pauvre. Bah non, je vous parle pas, vous dites méchant. Mais on te demande comment gagner le croût. Comment bon, on fait les gens Pastel, R. Fais-lui oh, ta spéciale. Hé, hey,
Le chauve. Allez. Non, mais lâchez-moi. Iha. Alors. Et il est tellement épais que t'as du mal à le sauter. Eh ben moi non plus. Ça va, je plaisante. Bon, arrêtez là, c'est bon, ça tue. Rigole. Rigole. Non, ça va, rigole, c'est de l'humour. Oh putain, c'est la gueule. Et c'est bon, et monsieur les chauves. Petite cagette. Oh, je me suis trompé de muscle, monsieur chauve. Arrêtez. C'est le harassment. Monsieur. Y a pas de cheval, hein. C'est notre nouveau ranch. Ouais, ouais, si tu veux. Hein. Monsieur chauve. Hey, laissez-moi tranquille, j'essaie de vous donne un dollar. Attendez, viens là, viens là, viens. Laissez-le tranquille, le petit gros. Allez, viens. Tu vas le dire à ta maman. Je vous ai donné un dollar. Ça va, Tayo. Direction Saint-Denis. Allez, hop. Il a le gun, il a le gun. Oh my. Et il avait le pistolet, hein. Il avait le pistolet. Il avait un pistolet, faites attention, hein. Léo. Non. Allez, vas-y, tire-le, pastel, tire-le. Allez, vite. Oh, il est tombé comme du n'importe quoi. Et... c'est normal que les chevaux courent avec rien dessus, là. Oh, là. Oh, pastel, tu vois le... Oh. Oui, je vois. Tu vois que ce que je vois, il n'y a pas... Il n'y a personne sur le cheval. Pas tout ce qu'il faut. Ah, bah, il est de retour. Eh, Beryl. Allez, Saint-Denis, c'est par ici. Ah. Ouf. Oh, le cheval que j'ai là. C'est something, hein. Attends, c'est pas vrai. Oh là là, que vous êtes lent. Que vous êtes lent. Le cheval est fatigué, hein. Eh, mais sautez sur le mien. Voilà. Ah, là, c'est fait. Allez, hop. Attends, il y a Beryl derrière. C'est pas vrai, mais il nous casse les couilles, ce motherfucker. Allez, viens là, Beryl. Non. Beryl. Beryl. Oh, c'est où Saint-Denis, là? Beryl, tu nous entends? Oui. Ah, m'a fait peur, hein. Allez, tout droit. Derrière vous. Il y a quoi derrière nous? Il est en plein délire. Hein. Allez, hop, on est plus loin. C'est juste à côté. À nous les putes. J'ai les consens à la base, mais bon, vu que t'insistes. Qu'est-ce qu'il y a? Je comptais pas aller à Saint-Denis que pour les putes. Hein. Et qu'est-ce qui te plaît d'autre? Tu veux voir tes cousins ou? Mes cousins! Oh. Cousins les bonobos! Ça me fait penser à Altair Gaming. Western, comme qu'est-ce nom. Qu'est-ce que c'est? Oui, ah, Altair Gaming! C'est très western, hein? J'ai été voir son spectacle à Saint-Denis. Il paraît qu'il est très raciste, hein? Ah, c'est quelque chose, hein? Mais bon, vu qu'on est en 1854, tout le monde adore! Oh, ça va! C'est le western! On a perdu Beryl. J'en peux plus, hein. Et si on pouvait monter à trois sur les chevaux, je l'accepterais bien, mais là... C'est sûr Beryl. Qu'il est en train de se baigner encore. Beryl. Beryl. Eh oh, Beryl. C'est lui, là. Beryl. Qu'est-ce que tu fais avec les chevaux? Ben alors, Beryl. Il veut plus nous parler. Tu fais la tête. Beryl? Ça va pas, Beryl? Il y a plus de bouffe. Il y a plus à manger.
Ah, bah attends, j'ai un ragoût si tu veux. Attends, c'est quoi ce magasin? Y'a personne, hein? Ça va rien vendre. Allez les chevals, courage! Bon, les chevals en question. 2 points. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu manges le ragoût? Je mange le ragoût. Pas sur mon reste, hein. Pêche. Ah, ça sert à rien. Je te laisse par terre. T'as pas de foin. Eh ben, et merci, là je vais me régaler. T'as pas de foin. Ah, c'est pour les chevals. Je crois que j'ai rien, hein. Ah, j'ai rien du tout, hein. Il va canner, les chevals. Les gars, regardez ce que j'ai fait avec ma bouche. Vous êtes prêts? C'est très western. C'est avant-gardiste. Je sais que Saint-Denis. Tu pourrais faire des spectacles. Oh, bah si tu le fais en spectacle, allons-y. On va pouvoir gagner des dollars. Je sais éviter le coup de feu, regardez. Attendez. Non, attendez. Oh! Hey, c'est bien fait là! On dirait un vrai Colt! Comment t'as fait ça là? Avec la bouche! Luke, derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde, hein! Et qu'est-ce qu'il veut là, Beryl? Oh! Oh! Sorry! Sorry, sorry, sir, sorry! C'est bon, vous inquiétez pas! Ça marche! Il est pas vraiment sorry! Tu nous fais des problèmes, hein? Je sais pas. C'est oula, je crois que j'ai énervé quelqu'un. Il s'est cassé la gueule derrière. J'ai tout vu. Ouh, ça c'est des cow-boys. Ils ont traité de débile. Non, je crois qu'ils ont pas dit ça. Tu veux chercher le noise, hein? Eh, je crois que c'est Saint-Denis, ça. Saint-Denis! Y'en a des biens. C'est Saint-Denis, ça? Bah c'est marqué, espèce de gros bêta. La gueule de Saint-Denis. La gueule en question. Eh ben nous y voilà. Et puis quoi encore? C'est beau, hein? Y'a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que c'est le monsieur tout nu? Je déteste. Bah alors? Eh ben alors on n'a pas de vêtements les messieurs tout nus? Ça c'est, j'appelle le shérif tout de suite. C'est dégueulasse, hein. C'est typiquement les habitants de Saint-Denis, ça, ils se croient tout permis. Vous croyez quoi? Qu'en venant aux États-Unis, vous pouvez vous saper n'importe comment. Laisse-le, Mario. On va encore avoir des problèmes, on vient d'arriver à Saint-Denis. T'as raison. Encore des connards de Vogue. Ah, c'est les woke, ça? C'est du wokisme. Ça dégage. Les woke. Retournez chez vous, les woke. Bien dit. Ça... Oups. Au salon, ouais, ils vendent des trucs à manger. Ça, c'est de la femme. Pastel. Ah, mais c'est crépuscule. Oui. Oh, mais... Bonne méthode pour draguer. Hey, vous avez vu, j'ai couru comme à rien du tout, hein. C'est grâce à Crépuscule. Et vous pouvez faire ça aussi avec. Et comment vous faites, madame? Faut que vous contrôliez votre cheval et que vous lui donniez de l'espace. Ah. Eh ben... Hop là! Oui, j'avais oublié de vous dire, il est comment dressé et comment? Il est ferré aussi. Là 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 là, j'entends rien de ce que vous dites. Le pari, ils sont pas désagréables avec la dame. Elle est gentille, la dame, j'ai m'a donné le droit les d'être chevaux. Eh oui. En tout cas, merci madame, hein, pour l'astuce. Par contre, attention à vous, mesdames, on a vu deux veaux qu'à poil. Oui, derrière, faites attention. Je sais pas ce qu'ils font les messieurs. On c'est des frotteurs. C'est vous qui pourrissent notre pays jusqu'à la ils boîte. Ils pourrissent à cause d'eux. Au théâtre, il n'y a plus que des gonzesses. Comment il s'appelle votre frère? Baril Butcher. Baril, alors attendez. Ah, tu vas avoir des problèmes avec la dame Baril, je te le dis. Non, elle veut juste mon identité pour me draguer. Pas sûr. Bah, venez avec moi. Pourquoi que moi?
Je te suis, regarde Beryl. Ouais. Si ça te rassure. Avec toi, Beryl. Les gars, j'ai un rancard. Je suis pas sûr que ce soit le rancard, hein. Les seules choses avec lesquelles il a baisé, c'est les chèvres, hein. Je suis curieux. Oh, et avec maman. Ah oui, j'ai oublié maman. Mais c'est comme chèvre. T'as d'autres imitations, Pasteur? Oui, en ce moment, j'essaye de faire le coup de poing dans la gueule. Vas-y. Ok. Attends, ça ressemble au pistolet. Pas ouf. Oh! Hey, t'as vraiment le talent, hein. Ça, c'est quelque chose, hein. Madame, vous allez faire quoi à mon brother Beryl? Il est venu pour le cheval, non? Oui, c'est ça. Oh, oh, elle va t'offrir les chevals, oh. Beryl. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Oh, ouais, papa, ben. Il est éclaté les oreilles. Ouais, il est très joyeux. Excusez-le, hein. Pas de soucis. Pastel, on t'a déjà offert un cheval, toi. Moi, j'avais... Garde-le. Il pose les mains sur les hanches. Pas de cheval, ouais. Pastel. Loser. Tu crois? Hein? Je rube my cock. Ah non. Attention, attention. Bah non. Pas devant les dames, hein. Oui. Encore moins derrière, hein, parce que là, si tu rubes le coq... My cock, je voulais parler de cette invention, là, la boisson, là. Ah, le coq. Ça, c'est dit coke, hein. Je suis accro à la cocaïne. Normal, il y en a dans la boisson. Bon, je vous le dis, elle nous dirige tout droit vers le Ku Klux Klan, on est mort dans deux. C'est ce qu'on va voir, hein. C'est bon, regarde, on n'est pas... On n'est pas ce que tu crois. Et si tu as dit, le Ku Klux Klan, t'as dit tout à l'heure, c'est le groupe de musique. Moi, je veux bien, si c'est la country. Le groupe antisémite. Alors là, non. Alors ça... En concert ce soir. Je sais pas où t'as lu ça, sûr, mais y a pas d'affiche, hein. Antisémite. Yeah. tu confonds avec la chanson que je t'ai chantée, antisocial. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le mot? Antisémite, c'est quand on est allergique au pollen. Ah, là y a erreur sur la personne. Je l'avais pas vu sous cet angle. Moi, je suis raciste. Yeah! Ça veut dire quoi? Que je suis sur un cheval. Ah! Ouais! On est tous racistes! Même les dames! Oh, bonjour. C'est moi ou il vous a même pas dit bonjour? Si, il nous a dit bonjour. Eh ben moi, je lui ai pas dit bonjour. Ils en ont rien à foutre! Elles en ont rien à branler. Oh, c'est très fort, hein. Hey, tu l'as bien mérité, ton cheval, Beryl. Hey, mais me barre par la route. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Essaye de barrer la route, les femmes. Hop, contrôle de shérif. C'est bien fait. On s'y croirait. Bon, où est la dame? Elle est dans le... Oula, et qu'on passe vite vers elle, hein, va avoir peur. Ah. Chacun son cheval, sauf Pastel. Je sais que vous êtes jaloux parce que j'ai un rancard, mais c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas un rancard, je voulais juste vous donner un cheval. Faites semblant. Faites comme si de rien n'était, madame. Ah, attendez. Elle est timide, c'est pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Non, comme vous, en plus. Hé, hey, t'as pas vu sous le chapeau, hein. Pardon. Ça, c'est mon cheval. Bonjour, monsieur. Je suis le hockey. Là, c'est un Mustang. Mustang. Pour faire passer le hockey, il faut avoir peur. Regarde. Ça marche pas. J'ai vraiment le hockey HRP, hein. Mais pas quoi, t'as pas ça, hein.
C'est horrible. Mais merci beaucoup. Essayez une tape dans le dos. Attendez, faut qu'on fasse l'échange. Allez-y, redescendez. Une tape dans le dos. C'est... Et il y a erreur sur la personne. Alors, c'est votre bonjour. Tout le monde. Votre pointure, ouais. C'est quoi? Non, c'est quoi votre numéro changer des chevaux, ils sont pas là pour acheter. Comment c'est bien 369, quelque chose comme ça. Non, non, pas votre carte d'identité, il me faut votre numéro. Alors là, c'est bon. C'est à côté de votre porte-monnaie. Ouf. Donc, Youg, ouais. Tu vas me donner par télégramme toutes les manières de prendre donner son numéro. Celui-là, ah, il suffit de regarder dans le coin en bas à droite de ton œil. 369 Yes. Ah, ça va, Pastel? Pas trop secoué? Super mal aux côtes. Hey, ça c'est cool. Allez dans votre écurie, monsieur. Ok. Ça va, pas trop décoiffé chez vous? Ref. Oui, par contre, mes chevaux ont du caractère. Hein, donc, ah, bah, je vois ça. Hein. Sacré coup de pied, hein. Oui. Surtout les Mustangs, ils sont encore plus caractériels. Il m'a tapé en plein sur la vessie. Du coup, c'est une vente de chevaux, c'est ça? Désolé. Oh, non. Non, pas... c'est... Je vais pas faire ça ici. S'il a tapé dessus. Bon, monsieur, madame. Bah, s'il a tapé dessus, hein. S'il a tapé dessus, malheureusement. Regardez, il est sur la route. Attendez, madame, parce que là, il a tapé dans la vessie, hein. Il a tapé dans la vessie. Non, et on peut pas de moi la faire un cheval. C'est lequel de cheval, Beryl? C'est le marron qui est sur la route. Oh. Là, on pisse pas ici. Eh. Super, merci beaucoup, madame. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour lui, madame. Je vais pouvoir être raciste avec ce cheval. Vous prenez bien soin d'eux, par contre. Hein. Je compte sur vous pour que vous preniez bien soin d'eux. Ah, mais bien sûr. Attendez, pour être sûr, vous avez de la nourriture? Ah. Ah, moi d'ailleurs j'ai plus de foin, madame. Alors attendez, est-ce que j'ai sur moi ou pas? Vous vendez de la petite nourriture, ma petite dame? Non, c'est que je leur ai donné des chevaux à moi dame. Et j'aimerais qu'ils aient quand même ce qu'il faut pour les nourrir. On dit pas parce... petite dame, on dit ma femme. Non, on dit madame. Madame. C'est pas ma femme. C'est pas ma femme, je connais pas, madame. Alors attendez. Je connais pas, madame, je connais pas ma femme, tu sais. Dépêchez-vous, on va louper le concert de antisémites. Oh. C'est pas ça. Pleasant blues. Mais c'est vraiment des fils de pute, hein. C'est pas ça le groupe, hein. Oh, excuse me, madame. Ça va, madame? Vous trouvez le foin? Bon, je prends ça comme un oui. Encore avant pour Hugh Junior Bouchards. Tu vas te faire bobo au cheval, hein. J'attends le foin. J'attends le foin. J'attends le foin. J'attends le foin. Sinon, le cheval va mourir. Tu sais comment j'ai appelé mon cheval? Non. C'est long à dire, hein. Ça va être long à l'appeler. Attends, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, cheval? Oui, c'est mon cheval. Mais c'est un nouveau cheval, ça? Yeah! Qu'est-ce que tu essaies de faire, la Beryl? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais putain de merde! Tu veux chercher quoi là? Il y a des chevaux! Tu tournes en rond là! Ah ben voilà! Super! Bon bah la femme a disparu. Oh, mais il est complètement hystérique! Oh mais ça, faut se calmer! Je crois que la dame a disparu, hein. Ça va, Beryl? Eh, hey, contrôle-le, le canasson, hein. Il va se ca... Ça va, Beryl? Il est en chaleur.
Allez, retour sur la route. Aïe! C'est pas ça que je voulais faire. Fais-moi descendre. Et c'est n'importe quoi là, hein. J'arrive même plus à le contrôler, le machin. Bon, déjà. Oh, j'ai perdu le muscle. J'ai perdu le muscle cheval. Ah si, c'est bon. Oula, il va... Oula. Bon, il est où le concert là? On va dans le centre-ville. Direction le centre-ville. Ça va, pasteur? Ça va. On va prendre des tours. Allez hop, direction le centre-ville. Milady? Eh ben ouais. Oui, dis-moi. Bah rien, je suis simplement super beau. Et un juste un beau gosse. Non, t'es bien, je vais pas. Il est maintenant. Vas-y, conduire. Oh, il s'est mis dans le pétrin. Ah, bah alors là, mais il est accroché là. Hein. C'est sûr que tu veux pas monter. Ah, bah voilà, c'est quand même mieux sur le dos des chevaux. Allez, allez ouais, hop. On est tous les deux racistes. Racistes. Heureusement qu'ils m'ont expliqué le mot raciste, parce que là, j'ai pas compris. Hein. Yeah, eh ben, allez hop. Ah, oh, mais non, mais c'est mon cheval. Yeah. Tu rends, hein. Bon, bah. Eh, hey, pastel. Ouais. J'ai... Raciste, et si tu vois une femme, tu lui dis, tu veux sentir mon calcif? Ça veut dire un... c'est un compliment. D'accord, dès que j'en croise une, j'essaie de la draguer. Hein, Hugh? Je vais le faire. Tout à l'heure, on a fait des méthodes de drague. Hey, Radass! Ça marche pas tous les coups. Oh, la ville! Oh, la ville qui pue! Oh là là! Oui. C'est bidon, hein, Saint-Denis? Attends. Hey! Ouais, y'a des gens, là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Moi, je suis un Américain de souche, pas comme vous. mais il est tout aussi américain, c'est Saint-Denis. Il t'a dit bonsoir. On va où, là? Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. Y'a pas le spectacle. Spectacle? Je veux voir où ils sont. Allez, viens, on va aller. Les arrêts de chemin de fer en plein milieu de la route, ils sont complètement cons à Saint-Denis. Spectacle, c'est pas là. Y'a pas des chevaux avec les roues, hein. Qu'est-ce que ça, là? J'ai vu un petit labour rentrer, là. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette merde, là? Ça réagit même pas! Suswam! Hé, hey, la blonde, tu veux sentir mon calcif? Super. C'est un homme. Tu t'es trompé. J'ai pas vu. Pour pas non, mais je veux dire, il nous donne nos parts et après ouais, il... Non, pas bavard, les salopes. Alors? Y'avait un intéressant. Ça te dirait de bouffer mon cigare? Y'avait un de bien intéressant. Qui veut bouffer mon cigare? Qui veut discuter ça. Il y en a un des deux qui veut voir le serpent à trois têtes. Tout le monde. Mais à un moment, ça va parler de quelque chose. Qui c'est qui veut le pistolet à moustache? Merde. Il y en a un qui veut le six-coups. Pastel. Il connaît le six-coups. Ouais. Je crois que. Vas-y, Fouline. Oh, le nabo! T'as pas d'emploi, Nico? Non, je cherche même pas travail. Été mais... T'as même pas été faire de l'or? Bah si, mais personne il en veut de mon or. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ils en veulent de ton or, Nico. Quoi? Excuse me sir, mais... Excuse me... Excuse me sir, mais... Regardez, le colt il est aussi gros que le nimbo là. Allez, c'est bon monsieur, on peut plaisanter non? On peut plaisanter non? Oh la vache, mais tu as deux pistolets les nimbo! On traite pas copains comme ça hein. C'est pas gentil hein. Mais je faisais une remarque. Ouais mais c'est pas une remarque gentille. Oh, excusez-moi, les nimbos.
Arrête, hey, moi, je te dis. Vous êtes pour une Blanche-Neige? Ça va, je plaisante. En plus, il continue. C'est quoi ça, Blanche-Neige? Et qu'est-ce qu'il fait, lui, avec la lumière, là? C'est son travail. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il a un cocktail enflammé. Mais voilà. T'as pété le boulon, là? Tu as mangé le McCormick dans le nez? On fait comment, les gars, là? Bon, hé, sérieusement, monsieur, vous pourriez quand même les éduquer, vos enfants, là, parce que... Oh. Il a dit quoi? Oh. Il a dit quoi? Aïe, oh, là. Aïe. Aïe. Le coup de schlass. Oh. Mais c'est pas vrai, là. Au secours, je m'en vais. Oh my. Partez, là. On donne pas des pistolets à des enfants, monsieur. On donne pas des pistolets aux enfants. Bien fait pour toi. Mais t'es avec eux maintenant, avec les nimbos. Ah, c'est bon, on s'en va. Oh la vache. Monsieur, aidez-nous. Monsieur, y'a les nimbos qui nous tirent des choses. Oh my. Mais c'est pas du tout sûr, Saint-Denis. Un couvert. Je m'en vais, hein. On va regarder la guerre quand même. Oh. Et rendez-vous au concert des antisémites, les nabos. Eh, je suis d'accord avec vous. Il est où le concert? Pourquoi vous faites la guerre? Eh, les mecs, cessez la guerre. Un peu d'amour dans le Far West. Et vous avez bien raison, ils nous ont agressés. Ouais, me semble que je vous ai déjà vu, vous. Monsieur, on s'est fait agresser par des nimbos. AW, alerte. Oh my. Je crois que tu t'es attiré des ennuis. Mais j'ai rien fait, moi. J'ai juste dit bonjour aux nimbos. Oh my. Je peux les appeler comme ça. Attends, mais c'est le salon, ça. Hein? Oh là. Quoi? J'ai un règlement de compte. Oh là, je vais m'en aller de là. Attends, j'y vais. Ah putain, on veut pas tourner les canassons. Ouais, venez, on va tous les frapper. Ouais, allez, on y va. Allez, on utilise les mêmes armes. On range tous nos armes. Et c'est quoi le plan, là? Vous allez battre qui, messieurs? Allez, on va tous les frapper. J'en suis. Venez. C'est les petits nimbos, là. Viens. Je vais me battre avec Michel. Rangez vos armes. Rangez tous vos armes. Comment on appelle le gang? Allez, con, revenez. Le gang, on va faire aller. Ça va péter, il y a les conséquences. Allez. Non, vous avez bien raison, les mecs. Au bout d'un moment, ils ont ce qu'ils méritent. On va leur péter la gueule. Les gars, quand je dis nain, vous dites beau. Nain. Beau. Nain. Beau. Nain. Beau. On va les niquer, les nains. Bon, ouais, allez, c'est parti. Allez. Il est où? À l'attaque. Alors, on la ramène moi là, le nimbo. C'est ça, Michel. Bavure. Allez, le nimbo. On tire pas, monsieur. Lâche ça. On sort pas les fusils, nous. Alors, le nimbo. Oh pardon. Erreur sur la personne. Les gars, regroupement, nimbo, on se barre. Faites pas les cons, putain. On s'en va. Vite. Quand je dis non, vous dites non, beau. Ouais, c'est bien. Eh hey, les gars, stop. On fait comme si de rien. Okay, on fait comme si de rien n'était. On siffle. Dansez. Allez, hop. Et que la fête commence. J'aimerais bien un whisky, monsieur. Quelle fête! Hey, dans ce bar, on est tous anti-chémis. Je vais prendre l'encaissement, monsieur. Alors. Excuse me, sir. Donnez l'encaissement, hein, monsieur. Je vais prendre le paiement pour le whisky. Combien, monsieur, le whisky? Allez, 4 $. Moi, j'adore tout le monde, et même les nains, je leur fais rien. Attendez, monsieur. Pastel. Ouais. Regarde, je t'avais dit qu'il y en avait des biens. Un poil sur sa table. Hop là. Non, là, des biens. Eh bien, il y en a des biens finalement. Hop là.
Il y en a des biens. Alors vous allez pouvoir récupérer votre whisky en pensant très fort à Alt. Voilà. Allez hop, j'ai pensé fort, hein. Et puis voilà, vous savez quoi faire ensuite. Allez hop, merci beaucoup, l'avez. Monsieur le barman. Pas de soucis. Eh, dites-moi là, mon gang, eh, ça vous dit qu'on fasse un petit spectacle? Spectacle de quoi? Quel genre de spectacle? Les shows, le monsieur. Vous connaissez le one man show? Attendez, non, attendez. C'est chaque... Attendez. Je peux dire quelque chose juste avant? Qu'est-ce qu'il y a, Beryl? Qu'est-ce qu'il y a, Beryl? Il y a un abo. Qui s'est introduit dans notre... Oh ouais. Alerte, ah, qu'est-ce que c'est que ça assez, alerte, Nimbo. Regardez ce qu'on a trouvé dans le fond du bar. Attache-le, okay, y'a le Nimbo. Tu t'étais bien caché, toi. Que... Qu'est-ce... Quoi? Il y a Nimbo, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est un Nimbo. C'est un Nimbo. Mais non, il est là depuis tout à l'heure. Je suis pas nain. Oh, ah, sorry. Bordel, un gosse. Ah, c'est bon, c'est l'enfant du barman, eh. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Le barman. Les lasso et les armes se rangent, monsieur. Ah, ils font chier. Allez hop, dans les poches. Dans les poches. C'est possible d'échanger de musique là, c'est vraiment à chier. Merci. La bagarre! Où ça? Ils sont bons, la bagarre, anglais, la bagarre! Ils vont se battre! Bagarre! Mettez-vous! Qui c'est qui va se bagarrer? Il y a bagarre! Eh, bagarre contre qui? Le petit gros, le petit gros, c'est pas? Il y a bagarre, venez dans la cour! À l'arrière là? Dans la boutique? Bah, contre toi, je crois! Ah, venez à gauche, là, monsieur! Qui se bat contre qui là? C'est le nabo qui va se battre contre qui? Contre qui vous voulez? Ricky! Sans torche! Dès que la cloche elle sonne, on sort le fusil. C'est qui contre qui là? Cartouche de 12. Ah, le mec en bleu contre le petit gros. Quoi? Moi? Ouais, vous là, vous m'avez mis à coup de l'assaut là. Allez, pastel. Allez, pastel. Je suis gros, j'ai dit. Allez, pète-lui la gueule. Allez, pastel. Si je vous ai offensé. Tu peux le faire, pastel. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Bon, d'accord. C'était pas dur, hein. À l'amiable. Allez hop! Ça commence là! La droite, la gauche, la droite! Oh là! Le lasso là! Oh là! Oh, le lasso, c'est triché! C'est triché! Il triche, il triche! Ah là, je triche! Ah là là! C'est vraiment n'importe quoi! Je vais lâcher, je vous promets, si je le lâcherai, je compte jusqu'à 10 et je le lâche! Très bien, allez-y! Y'a pas de chaise, monsieur! Bon, y'a pas vraiment de règles, mais bon! Fais-le à la régulière! Je compte encore jusqu'à 10 et pas de maintenant! Ils sont bien là! Il y a une bonne odeur dans la jeunesse. Mais c'est pas pour toi le combat, hein, Beryl. Ah, c'est pour le remettre les idées en place. Eh, hey, t'as bien fait. Eh, bonsoir. Le Nimbo. Vous pouvez m'appeler que... Patate. Vous êtes sûr qu'on y va? Vas-y, là. Il mesure 1m20. Le Nimbo. Oh là. Je suis désolé, monsieur. Et il sait se battre, hein. Allez, vas-y, éclate-le. Je suis désolé, Nimbo. Il a 12 ans. Allez, la boule. Oh la vache, pastel, mais réveille-toi. Un billet sur le Nimbo. Oh là là, mon livre, attention. Eh ben, c'est pas, vous allez pas lire devant le combat quand même. Oh my, oh, ça doit faire mal. On m'a toujours dit de pas taper les enfants, mais il y a des exceptions. Ta bite, pastel. C'est je m'occupe de toi après, Beryl. C'est pas un enfant, il a 12 ans. Allez, pastel, allez. Allez. Oh, ah putain, il fait allez, mal. Défonce-le. Je vais aller prendre une chambre d'hôtel, là. Je vous protège. Tiens, dégage. Hey, oh. Oh là, vous faites... Oh là, mais y a... attendez, y'a quelqu'un, là. Y'a quelqu'un, là. Incroyable. Attention, Michel. Oh, hey, du calme, le Nimbo. Respect, pastel. Oh my! Touche pas à lui! C'est moi qu'il faut taper! On commence à s'emmerder, hein, va falloir le tuer, le nain! Bon, c'est quand que tu cannes le nain là? Non, y'a pas de. Ah. Comme des hommes! Voilà! Bravo! Bravo! Et toi aussi, oh là. Michel, on tape pas Michel. On tape pas Michel! Non, mais c'est bon, Michel! Eh, mais lâche pastel! Michel, on a dit, hein! Ah là, eh! Oh.
T'es habillé bizarrement, Michel, hein? L'adrénaline, j'y peux rien, moi. Oui, bon, et tu te fous à poil, Michel. Et c'est bon, là. Non, mais moi, je veux pas me battre. Deuxième. Non, mais non. Mais non. Trop tard, trop tard. Mais comment ça, trop tard? Mais je veux pas me taper, Michel. Hop là, Michel. Aïe. Mais dis dans la gueule, Michel. Ah, il va faire dodo là. Allez, Michel. Alors Michel, on s'est pas c'est acheté pas ses fringues, espèce de bouffon. T'as une femme enceinte, c'est ça? Ah, elle est enceinte. Michel est une femme. Hein, ah, oh my, Michel, pardon. Je retire Michel. Si, si, un certificat qui le prouve. Hein. Ah ouais. Ah, sorry Michel. Sorry Michel. Ah si, si, si. Ah mais c'était pas la dame qui traînait à Valentine là, qui était enceinte. Moi j'ai eu le problème. C'est ça, Rachel. Ah ouais, ouais, c'est bon, je me souviens. On va se battre avec Pat. Je prends le nimbo, hein. Et moi aussi, je veux me battre, là. Ce soir, vous allez au concert du fameux groupe bien, de musique bien, ou pas? Parce qu'il y a trop de monde. C'est où? C'est à Saint-Denis, juste à côté. Bah, on est à Saint-Denis. À 22h30. À 22h30. C'est intéressant, ça. C'est passé, là, c'est un peu passé. Il est quelle heure? C'est demain. Il est 3h. Ah, c'est demain. Ah oui. Eh, t'es intéressant, toi. Gabriel. Eh, Baril, qu'est-ce que je fais du nimbo, là? C'est vrai. Mais tu le vois, lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des étirements, là, dans le rue? Oh. Réponds. Ah, ça va pas la tête. Aussi, hein. Oh. Non, mais... Mais... Attends. Là, il y a... nimbo. Nimbo, ça va? Qu'est-ce qui se passe, là? Il est possédé par un autre là, le nimbo là. Enfin, non, KO, mais oui, bien sûr. C'est comme s'il était mort. Ah, mentalement, il doit être mort, oui, effectivement. Si vous voulez réclamer votre prix. Il y a un problème avec le nimbo là. Il y a le nimbo qui. Il a pas de par-dessus bord. Ah, bah voilà. Il va se réveiller de l'autre côté. Gabriel. Voilà le nimbo. Tu t'en occupes du nimbo. Ah, pardon. Ce nimbo, il a un prénom. Appelez-le par son prénom, s'il vous c'est plaît. C'est quoi son prénom, nimbo? On sait pas, mais c'est son prénom. Il a un prénom. Oh. Ouais, mais il a encore glissé, chef. Ah non, Gabriel, non, il est violent. Ça va être compte. Ah, c'est vrai qu'on comprend pas. Bon, où est-ce que je peux le laisser en paix, là? William. C'est notre ami. Ouais, je vous le laisse où? Tu désirais quelque chose, peut-être? Ça va être sur le côté, là. Tu vas le brûler, le nimbo, je commence à en avoir marre, là. Voilà. Allez, hop. Y'en a marre. Hey, c'est bon, pas la peine de s'énerver, messieurs, là. J'ai pas fait exprès. Ouais, hey, c'est ça. Le papel sprint. Je vais aussi te battre. Allez, les gars, on y retourne. On va le mettre dans l'eau. Non, mais par contre. Non, mais Youg. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. C'est Arthur Morgan. Oh, c'est le vrai. C'est le célèbre Arthur Morgan. C'est vous, la légende. Qu'est-ce que tu fous là, Arthur? Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Qu'est-ce que tu branles ici? Vas-y, parle! T'as rien à dire? Putain, c'est la nouvelle invention, les poupées! Attendez, si ça vous dérange pas, je peux me mettre à côté de vous 2 secondes, Arthur Morgan! C'est les poupées de cire! Mais oui, c'est les nouvelles poupées de cire! Ah, tu fais bien, profite de cet instant! Ah, merci! Arthur! Elles sont liées quand même! Des bruits bizarres, les donc, hein! Il est où, mon cheval? Ah! À bientôt! Bon, monsieur, vous voulez une boisson, du coup? Vous me la mettez de côté, j'irai la chercher tout à l'heure, merci beaucoup monsieur le barman. D'accord, pas de soucis. Il marche plus le cheval? Il marche plus? Il marche plus le cheval? Ah, ça me fait comme tout à l'heure, sa mère la pute. T'as pas de limite, Gabriel. Du cheval! C'est vrai, et moi tu m'auras défendu pareil ou pas? Le cheval! Il est con! C'est de l'autre côté, les chevals! Eh oh! Bon. Tant pis. Bien sûr, vous avez des petits problèmes avec votre cheval? Mais impossible de remonter dessus, c'est comme si je n'existais plus pour lui. Ah, oui, bah c'est problématique en effet. C'est quelque chose qui arrive, hein? Ouais, sûrement, oui. Vous allez vous reposer un petit coup, peut-être. Ça aidera peut-être. Et il y a des chambres, là, on peut prendre la nuit? Bien accompagné, si vous voyez ce que je veux dire.
Eh ben écoutez, bien accompagné, oui, évidemment, mais des chambres, non, on n'en a pas. Mais vous pouvez demander à Michel, là-bas, la femme au manteau blanc, et elle vous fera tout saouler, hein, même vos désirs les plus fous. Hein. Comment dire que Michel ne m'attire pas trop physiquement, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous le manteau qui va me faire mal. Hein. Ah. Il n'y a pas autre chose que Michel? Non, pas vraiment. Bon, ben, je vais prendre ce... Ce qu'il y a dans le stock, hein? Michel? Michel? Oui. Michel? Mais il a grandi! Oh, y a rien. C'est vrai que tu as des services là, personnels? Tout à fait, oui. Et c'est combien, Michel? C'est 15 dollars. Mais il se barre avec un dollar. Oh, bah, ça va là, hé! Hey. Hé, hey, lâchez ça, vous allez vous faire mal à vos amis. Avec 5 dollars! 5 dollars. 5, ah non, 5 c'est pas assez. Même un chatouillis. C'est monsieur, c'est la plus belle femme de l'Ouest. Hein. Excusez-moi, là je la regarde, j'ai des doutes. Hein. Ah non, mais je vous assure. Elle ressemble plus à mon cheval. Hein. Donc, bon. Ah bah oui, non, c'est, moi c'est 15 dollars de la minute. La minute? Oui, la minute. Oui. Mais attends, mais là, avec la gueule, on peut pas me faire un solde là, genre moins 15% parce que là... Mais non. Non, non, monsieur, je vous assure que là, par contre, c'est une vraie expérience. Hein. Michel, j'ai essayé, c'est approuvé, hein, je peux vous l'assurer. Vous pouvez me payer pour moi, là, le service ou pas parce que... Qu'est-ce qu'il fait, Limbo? Je peux savoir ce que vous faites, monsieur. Pas de l'animation. Et oui, Michel. Ils ont des armes en face. Hein. Michel, s'il te plaît. Mais c'est quoi, ça, là? C'est rien, vous inquiétez pas, monsieur. C'est monsieur qui jetait des molotov là, il y a deux secondes. Vous faites quoi là, monsieur? N'importe quoi là. Ah, mais qui me crie dans les esgourdes là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va pas là? Lâche ça! Oh, mais t'es sérieux toi ou quoi? Bah attends, t'as la bouteille dans la main! La prochaine fois, tu la prends dans la gueule. On t'entend pas quand tu parles. Mais non, mais regardez, monsieur, il a le cocktail molotov dans la main! C'est celle à ne pas l'entendre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est la deuxième fois que je te donne l'avertissement. La troisième fois, je te jure, on J'ai beau regarder devant moi, là, mais je vois rien. Ah ouais? Qui me parle? Je vois pas, là. Hmm? On se recule un peu, nous, peut-être. Hein. Juste baisser la tête. Ah, il est là, c'est tiens. C'est un nom qui te parle, tio. Tu sais qui je suis? C'est des béquilles ou des pistolets que tu as, là, le nimbo? Oh my, oh my, oh my. C'est bon. Non, tu vas arrêter maintenant. J'ai compris, monsieur le nimbo. J'ai compris. C'est clair? Vous voulez voir le patron? Est-ce que c'est clair maintenant? Non, c'est Hugh Junior Butcher, c'est pas clair. Tu comprends quand quelqu'un te braque là ou tu comprends pas? Mais j'ai peur là, ça se voit non que j'ai peur. C'est bon. Arrête. C'est bon, j'ai compris, baisse le pistolet. Je vais t'expliquer un truc. Déjà toi, tu sais la frontière de l'Ouest. Oui. Tu l'oublies. Comment ça je l'oublie? Je te vois, je te jure, je te vois dans l'Ouest, je vais te faire du mal. Comment ça du mal? Oui, mais tu sais, tous les jours tu vas chercher de l'or. Non. Ça c'est fini. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais je vais pas chercher de l'or, il y a erreur sur la personne là, monsieur les nimbos, hein. Oh, oh pardon. Je te jure, tu redis nimbo une dernière fois, je te jure, je te la mets. Ça va? Nimbo. Oh my. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai trigger le nimbo. Oh. Mais c'est moi qui ai fait tout ce bordel dans le Far West là. Je me cache. Oh my. Et c'est pas ce qu'on m'avait dit de Saint-Denis là, hein? Et ça pétarde là? Je me casse de là, hein? Et j'espère que Barry l'est... Oh my, un autre nimbo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont... Mais nimbo! Aïe! Arrêtez! Attends, mais c'est autorisé ça? Au secours! Ah, si, tout est fermé, mais...
Oh my. Aïe, j'ai la balle dans le dos là. M'a fait mal cette connasse. Comment je vais faire là? Je vais devoir partir là parce que. C'est n'importe quoi le ville là. Je sais pas quoi faire, je suis pétrifié là. Je vais pas partir à droite parce que là sinon je suis mort. Je peux pas retourner, je sais pas quoi faire. Je vais partir. Hein. Allez. Je veux retrouver mes amis. Où est-ce qu'ils sont, Barry, le pastel? C'est pas vrai que je les ai perdus de vue. Oh, si je retombe sur le Nimbo. Ouh. Excuse me, sir. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Excuse me. Ah oui, ben c'est moi là qui a mené l'attaque. Ouais, mais bon. Dites-moi, est-ce que vous auriez vu mes brothers là? Je les trouve plus. Monsieur avec les chemises bleues. Franchement, nous on a commencé à prendre des balles, on est parti. Hein. Ah, mais moi aussi, hein, je suis parti là parce que. Ça s'est un peu éparpillé partout. Ouais, partez okay. Vite, hein, ils vont vous chercher à mon avis. Ouais, ben j'appelle les chevals et je suis en route. Hein. Où est-ce qu'ils sont mes amis là? Beryl! Pastel! Monsieur le pastel! Beryl! Où est-ce qu'ils sont là? Pourquoi pas? Je vais essayer de trouver quelqu'un, mais il faut que je sois quand même loin de Nimbo, hein. Ah, monsieur, en plus, vraiment. J'ai pas mes armes d'équipées sur moi. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mes amis là, parce que je suis en déche. Hein. Ouais, mais non, mais attendez, des gens s'est pris des balles à cause de vous là, alors qu'on a rien à mais voir. Mais c'est pas à cause de moi, c'est lui qui a trigger. J'ai cherché la merde avec eux. Mais j'ai pas cherché la merde, et c'est lui qui avait le molotov dans la main, et c'est et dangereux. Vous avez arrêté de l'appeler Nimbo, vous continuez. Bah ouais. Ça, c'est vrai, c'était un sacré Nimbo. Hein. Ah bah merci, merci. Ouais, mais bon, il vous menace d'une arme, arrêtez de l'appeler comme ça, la logique quoi. Vous voyez là, à gauche, pour moi c'est la même, c'est le Nimbo. Allez, on y va en trace. C'est ça, trace. Ah. Oh putain, où est-ce qu'ils sont? Beryl! Bon, ça c'est le clochard, j'y vais pas. Je vais mettre fin à mes jours hein, si ça continue. Qu'est-ce que je suis moi sans mes frères? J'ai vraiment trop peur de retourner dans le centre-ville. Hein. Ah, si je tombe sur le Nimbo, je vais en faire vraiment. Je vais pas faire un pli. Hein. Je vais quand même pas envoyer un télégramme. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Je viens de recevoir un télégramme. Est-ce que la personne qui m'a envoyé le télégramme peut me dire où ils sont exactement? Pas vous, le chat, hein? Mais quelqu'un d'autre, de haut placé. Je peux tout recevoir, moi, de toute façon. Oula, c'est encore en train de fuir ici. Oh. Oh. Je vais pas les trouver.
Où est-ce que j'étais tout à l'heure? Où est-ce qu'il est, le Bars? Le pire, c'est que je me rappelle même plus où je me suis battu. Bon, je vais essayer de retourner dans le centre-ville. Il faudrait que je change d'identité. Ah! Ah! Oh, j'ai une idée! Magasin de vêtements! Oh my! Ici. Oh, j'ai une idée. Je vais changer de physique, là. Personne ne pourra me reconnaître. 9 dollars. Allez. Aïe. Mais c'est où, là? Mais c'est quoi, la boutique, là? Eh oh! Ah. Perfect. Ouh! Alors, hop. Il faut que j'échange le couleur. Hein. Je vais me mettre tout nu. Ouais, ça marche pas. Je suis tout sale. Je suis tout nu! Hein? Attends, je vais aller voir là. Ici peut-être? Drip de fou et je veux bien. Je veux pas jeter! Oh, mais ça va prendre trop de temps. Ok. Je fais un truc. Et j'ai pas assez de sous, là. Hop. Torse. Gilet. Pas de gilet. Chemise. Oh, j'ai peur que ça marche pas. Le manteau, là. Ah, ça suffira, ça. J'ai passé! Oh, 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 Dieu merci. Oh, thank God. Mon Dieu. Il faut se barrer d'ici, hein. Faut partir. Youg, okay. Tu sais pas la nouvelle? Quoi? On a tué le vieux. Vous l'avez retrouvé, les schnocks? On l'a vu sans compte à cet enculé de vieux. Il est où, les schnocks? Bah, il est mort. Et vous l'avez mis où? Vraiment une sale coupe, hein, Youg. On l'a mis au ciel, si tu vois ce que je veux dire. Et vous allez pas croire ce qui m'est arrivé, hein. Quoi? Je me suis embrouillé avec les nimbos en pleine rue, ils ont tiré sur tout le monde. L'attentat! C'était horrible. Mais j'étais vraiment avec toi, t'es con, quoi. Ah bon? Mais je te voyais pas, le pastel, qu'est-ce que tu racontes? Mais il est complètement con, celui-là. Hé, hey, retire. Oh, c'est bon, hein. Hop. Aïe. Ah, ça y est. Ça y est, il compte... Oh, il compte plus que moi dans la famille, c'est ça? Ah bah non. Ah bah non, en fait non, tiens. Ah, allez, on part d'ici, là. C'est trop dangereux, hein. C'est bien ça, Denis. Bah, vous allez voir, allons dans le centre-ville, vous allez comprendre, hein. Ah, mais attends, t'es en train de me parler d'une autre fois, parce que tu sais que tu t'es déjà fait agresser par des nains tout à l'heure, j'étais là. Ah oui, mais là, t'étais pas là, hein. Le monsieur, il avait le molotov dans la main, je l'ai poussé, il a tiré sur absolument tout le monde dans la rue. Oh, il a tué des gens? Mais il a failli, hein. J'ai créé la zizanie. Bon, hey, toi, t'arrêtes. Vous savez, oui, si on peut prendre des bateaux... Il est où, mon cheval, là? Ah! C'est sûr et certain qu'on peut prendre des bateaux. Où ça, t'as vu les bateaux? Je sais plus, mais tu sais que j'ai une fois, je m'en souviens, j'ai vu quelqu'un qui avait un bateau. Alors, attends. Ils étaient plusieurs sur le bateau. C'était un genre de canot de kayak. Le bateau. Mais où est-ce qu'il est, là, Vaudeville? Oh! Oh, le théâtre! Et ça glisse, hein? Oh my! Waouh! Oh! Mais on pourrait faire le spectacle ici! On pourrait faire un super spectacle!
Oh. Baril, je te vois plus, hein. Baril, tu as disparu. Bonsoir. Baril, on t'entend, mais on te voit plus, hein. Bonsoir tout le monde. Baril. Il continue, hein. Je suis pédophile. Baril. Baril, mais ça sert à rien de le dire ici, c'est nous, on te connaît. Ah, mais c'est moi, Baril, attends. Figurez-vous que moi, j'ai pas la rideau. Il veut donner la rideau, en fait. Attends, j'essaye de te débloquer. Ah, c'est bon, Baril, c'est bon. Comment on lève le rideau? C'est bon, il est sorti, monsieur le pastel. Ah bon, parce que moi, le rideau, il est fermé, hein. Mais il est derrière toi, espèce de con. Derrière. Hop là, le tour de magie. Hey, Baril, comment tu fais ça, là? Ici, la voix. Hugh, tu vas embrasser Richard Pastel. Je dois. Pourquoi pour le. $500. Oh, mais j'ai le. Je le fais. Tiens, le smack. Oh. C'est bon, monsieur Levoix. Je suis homosexuel. Oh, Levoix? Je suis dans toi, c'est moi, Levoix. Ah, bah, tu t'es téléporté. On aurait pu faire un vrai spectacle ici. Bah oui. Bah, attends, vous voulez pas qu'on aille chercher les viewers, là? Qui étaient dans les saloons? C'est quoi ça, les viewers? Mais les viewers, c'est les gens qui vont regarder le spectacle. Hop. Aïe! Mais ça va pas, hein? Arrêtez de vous battre, bordel de merde! Oh, ça sert à rien de rajouter! Je vais écrire mon texte! Tu veux qu'on aille chercher les gens pendant que tu écris le spectacle? Ouais! Allez, hop! Allez, viens, okay. Pastel! Allez, on va chercher des gens! Alors là, il y a vraiment moyen que ce soit Masterclass Jacob! Jacob, comme on dit dans cette bonne vieille ville de Saint-Denis. C'est le principal! Hello, hey. Sir! Est-ce que ça vous dit de voir un spectacle unique au monde? Unique, bonjour. Dites-vous. Oui, exactly, sir. L'entrée est gratuite. Pourquoi pas? Ça vous dit? Je vous conseille d'attendre. Bah, si vous voulez, monsieur, mais ce qu'on vous demande, c'est surtout de profiter, hein. Rendez-vous à l'intérieur du théâtre, ça va bientôt commencer. D'ici 10 minutes, monsieur. Ah, ça marche. Bonne fin de journée à vous, monsieur. Ok, bonne journée. Merci. Monsieur, si le spectacle vous intéresse, dans 10 minutes, ça commence, hein, juste à côté. Là, je reste dehors, je vais rentrer, pas de soucis. Ok, à tout à l'heure. Excuse me, sir. Je suis maître de théâtre, là, juste sur le gauche, et j'ai un spectacle, là, qui va se lancer dans 10 minutes, est-ce que ça vous dit? C'est gratuit. C'est gratuit, monsieur. Alors, la seule et bonne condition, que si on vient, vous nous dites où que c'est qu'on achète une monture. Ah ben avec plaisir, monsieur, je le sais en plus. À la fin du spectacle, on vous fait ça. Ok, pas de soucis. Rendez-vous dans 7-8 minutes devant le théâtre, ok? Vous pouvez faire la queue derrière les messieurs, hein? D'accord, ça marche, merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça, c'est la surprise, ça se passe dans le théâtre. Et il faut que je... Oh my! Are you alright, cowboys? Désolé, j'ai pas le temps, hein. Monsieur le clochard? Vous m'entendez, monsieur? Bon, je lui fais peur. Il n'y a plus personne dans ce ville-là. Je suis où, là? Il y a quelqu'un? Free spectacle! Free show! Oh, excuse me, sir. Excuse me. Excusez-moi, monsieur le vieux. Non, pas vous, lâchez-moi. Oh, c'est mon patron. Ah, c'est les vieux Schnock. Ouh, mais il était pas si mort que ça, en fait, les Schnock. Ah, je l'ai traumatisé, hein. En même temps, je comprends, j'ai été vraiment mauvais avec lui, hein. J'ai joué avec ses couilles. Ah, il y a someone, là. Je vais le faire en cheval, ce sera plus rapide. Ah, canasson. Ah, sir, monsieur. Oui. Il y a un spectacle qui va commencer dans 7 minutes au théâtre. Ça vous dit c'est gratuit? L'entrée est free. Pourquoi pas? Allez, je vous donnerai vous tout à l'heure. Il y a la queue. Vous pouvez attendre là-bas, monsieur. On se retrouve dans 5-10 minutes, maximum. D'accord, merci. À tout de suite. Ok. Ah, désolé, je cours dans la ville, mais... Oh my, 2 clients. Excuse me, sir. Messieurs. Oh, et c'est ça. Motherfuckers of Saint-Denis.
Si je retombe sur le nimbo, je sais pas ce que je vais faire, hein. Nobody here, nobody here. Oh, hello, sir. Monsieur? Sir, je vous entends respirer, hein. Oh my, des clients. Excusez-moi, messieurs. Ce soir, ça a fait fureur. Le nimbo, le nimbo, le nimbo. Excuse me, sir. Messieurs. Messieurs, vous trois. Vous m'entendez, messieurs? Finch. Sir. Yo, Finch. Je crois qu'il est bourré. Ils m'entendent pas, ces motherfuckers. Finch. Oh non, une tempête en approche. Messieurs, vous m'entendez? Messieurs. Doucement, doucement, oui, quoi. Il y a un spectacle gratuit dans 5 minutes là au théâtre. Vous voulez aller le voir? C'est free, hein, totalement free. No need to pay. C'est quoi comme spectacle? Justement, c'est la surprise. Même moi, je connais pas le programme. Bah, hein. Pas. Oui, oui. On va y aller. Bah, c'est, dans bien, cinq... on va aller voir. C'est dans 5 minutes, hein, messieurs. Ouais. Ok, parfait, 5 minutes. C'est free, hein. Merci, oui. Ouais, je pense qu'il se fout de mon gueule, hein. Dès que j'ai un peu décuvé, c'est sûr. Oh my. Loulou. Je me barre de là. Je vais voir où on est, Pastel, là, parce que... Ouh. Heureusement, ils m'ont pas reconnu, hein, parce que là... Il est où, le théâtre? Ah, il est là. Il a intérêt à créer quelque chose de fou, hein. Oh, excuse me, sir, sir. Ouais, ouais, ouais. Excuse me, j'organise un spectacle là avec un tout nouveau showman là qui commence dans 2 minutes. C'est totalement free si vous voulez les mecs. Ah ouais. C'est quoi là? C'est au théâtre. Un spectacle là. Oh, ça doit être fun, hein. Je sais pas ce que c'est au programme. Moi j'ai rien vérifié du tout. Bah... Je fais confiance à l'artiste. Tu tombes bien toi. Au théâtre. Okay. Ouais, c'est tout de suite, messieurs. On vous attend. Hein. Dépêchez-vous, ça va bientôt commencer. La salle est bientôt pleine. Allez hop. J'ai peur de ce que ça va être le spectacle, hein. Youg. Oui. Surtout fais gaffe dans le théâtre, il y a les backrooms. Comment ça? Ouais bah... Tu veux vraiment savoir? Oui. Bon bah viens voir. Monsieur, on vous dit bientôt quand vous pouvez rentrer, hein. Ah bah nous on attend, hein. On attend que ça. Attends, il faut que je trouve. Viens par là. Ouais, ok. Vas-y, fonce dans cette porte là-bas, tu verras, c'est Narnia. Oh my! Qu'est-ce que je viens de vivre? Jamais j'ai vu quelque chose comme ça dans mon vie. Ouh! J'ai cru jamais en sortir de cette histoire-là. Mais c'est pas le bon théâtre en plus. D'accord. Messieurs, vous venez pour le spectacle, hein? Ça va commencer. Non, monsieur, je suis en train de travailler. Ah, excuse me, hein, c'est bon. Monsieur? Ah, c'est le cas. Sorry. Ah, vous venez pour le spectacle, messieurs. Pas. Le spectacle va commencer, rentrez. Allez, venez, vous pouvez vous installer, messieurs. Voilà. J'espère que le spectacle va être bon. Nous, hein. Vous pouvez prendre les meilleures places, hein, monsieur. Merci, Igor, c'est close. Pastel, je fais rentrer les gens, hein, je reviens. Ok, messieurs, dames, vous pouvez rentrer, hein. Oh, le flop du spectacle. Free spectators. Monsieur, un spectacle gratuit va commencer, monsieur. Pas de soucis, c'est par où l'entrée? Ce que je cherche depuis tout à l'heure. Monsieur, venez, je vous montre. Vous aurez les meilleures places. Juste ici, là, monsieur. Vous rentrez. Bah. Hop. Et dans le couloir, vous allez voir, vous commencez à gauche et ensuite à droite, là. Regardez. Pas de soucis. Juste là. Oups, juste ici, sorry. Vous pouvez vous installer, hein. D'accord.
Il y a personne, c'est tout. Ah, Barry, il va pas être content. C'est une dame qui était enceinte. Vous la connaissez pas. Ah oh, bon. Putain. Bah, il faut que, faut que je la retrouve alors. Bon bah malheureusement ce sera tout hein. Bon eh bien, bienvenue à toutes et à tous messieurs dames. Hein. Bienvenue au spectacle. Je vous invite à prendre les places que vous désirez ce soir. Bah attendez, je vais faire la présentation en bonne et due forme. Hein. Juste viens ici Pastel. Yeah. Il est prêt, Barryl? Disons que je l'entends répéter son spectacle depuis tout à l'heure, donc à un moment donné, il va être prêt. Ok, bon. Normalement, d'ici... Hey, toi, Gringo. Oui? Viens voir. Viens voir. Et tu parles tout seul, là. Tu es dans un théâtre, monsieur. Hein? Viens voir, toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui est caché derrière la porte, là? Ben, il y a personne derrière la porte. C'est. Ah oh, pas encore. Help me! Help me! Ah! 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 Oh my! Oh my! Ouf! Deux fois la suite! Plus jamais je passe les portes, hein? C'est out of question. Ouf! Notre comédien. J'ai fait un voyage incroyable. C'est blindé, c'est plein à craquer. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir. Hein. Ouais. C'est compliqué de s'asseoir. Ah bah restez debout. C'est compliqué. Tant mieux, restez debout, c'est pas grave. Comique. C'est bon, tu es prêt, Beryl? Bah ouais. Allez, mesdames et messieurs, from Valentine, je vous présente... Beryl Butchers! Applaudissez! Ouais! Ouais, ouais sacré Beryl! Bah ouais, bonjour! Avance-toi un peu, Beryl, parce qu'on te voit pas. On te voit pas, Beryl, hein? Bah ouais! Oh, oui. Beryl! Quoi? Bah ouais! Je sais pas. Comment ça va, la salle? Vous êtes. Oh, c'est bondé! La salle est bondée! Bon, bah moi, je m'appelle Beryl Butchers! Et je vais te dire la vérité. J'ai pas écrit de texte. Par contre, il y a une bombe artisanale dans la salle. Oh non. Pile ou face. Oh non. Si je tombe sur face, je fais exploser la salle. Barry, fais le vrai spectacle. Hop. C'est quoi de ce gros porc? Pile. Descends là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais c'était pas pour... C'est moi le porc. Le porc, il a du répondant. Oh, le monsieur, il a le pistolet, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que aujourd'hui on n'est plus en sécurité dans ce pays. Quand on voit les inégalités, on est d'accord. C'est vrai ça, c'est vrai. Putain, ils nous volent le travail. Votez le gros. Ils nous volent nos emplois. Ouais. Ouais. On va les brûler. Mais calme-moi. C'est pas de l'humour ça. Tu m'avais dit que c'était le spectacle humoristique, Barry. On va créer une bande. J'ai des draps blancs derrière moi. Allez, c'est parti. Ouais. Bon ben voilà. Ouais bah c'était décevant. Hein. C'était vraiment de nul. Hein. C'était gratuit. Hein. Bah oui. Ah, hein. C'est vrai. Eh, peut-être que la prochaine fois ce sera payant et ce sera bien mieux, monsieur. Il est payé 2 dollars pour avoir une belle prestation. Salopette! Salopette, viens me voir par ici! Salopette! Toi, le petit gros! Ah, c'est bon, on a compris la blague, hein. Allez hop! Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est le vieux! Eh, papy! Papy, laisse tranquille, Beryl! Je vais t'apprendre! Non, c'est hors de question, le vieux! Eh, le vieux, obligé de prendre la petite grosse! Le petit gros! Le vieux là, viens! Je t'apprends, le petit gros! Ça suffit, le vieux là! Aïe! Arrêtez-vous! Oh, c'est quoi? Le vieux! Aidez-moi! Le petit gros! Please! Heureusement que c'était gratuit! J'ai pas de couteau, mon bon vieux Hugues! Le petit gros là! Mais porte-moi sur le dos! Non. Aïe! Ça c'est pour mon cheval! Aïe. Et ça c'est pour ma femme que t'as baisé!
et ma mère, on part d'ailleurs. C'est le mauvais là. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Mauvais, t'as, t'as des bottes un peu cuites toi, oh libère-toi. Je me libère. Libère-toi pas. Allez. Oh mon ami, tu te libères, tu regardes. Eh, ça se bagarre, ça se bagarre. Vas-y Will, lâchez vos paris. Allez le vieux. Ouais. Oh non! Toi, je te connais, toi. Comment ça, je te connais? T'as les bottes brûlées, non, là-bas? Pourquoi brûler? Il m'a agressé des bottes brûlées, mon pote. Mais pourquoi tu me attaches, toi? T'es une passoire, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'étais où tout à l'heure? T'étais pas vers un saloon, ça te parle pas? Mais j'organise le spectacle, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ah, tu fais... Non, non, par contre, tu fais quoi, là, en fait? Ah, oh, je m'échappe. Adieu! Ah, 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 oh, oh, putain. Les chevals, c'est trop génial. Oh, my, oh, my. Arrête-toi. Fuck. Fuck. Fuck you. Policeman. Je suis mort. Je suis complètement fatigué là. Je vois le vieux qui est attaché. Ouh. Ah, c'est là que je veux rester. Par terre. Je veux plus jamais me relever. Ah, peut-être si quand même. Oh. Hop là. Ah. Ouh, je me cache. Oh my. C'est mon brother Beryl qu'ils ont pris là dans le theater. Alors, on se cache? Ah, excuse me, sir. Désolé pour le spectacle, hein. Ça a tourné au vinaigre, hein, mais je suis désolé, hein. Je vous conseille de fuir la ville, là, parce que ces mecs-là, ils ont l'air d'être un peu... Ils sont costauds, ils sont tenaces. Ouais, ouais, c'est que surtout, ils ont l'air d'être nombreux. Ils sont tenaces, comme vous dites, là. Bon, bah, écoutez, je vais aller jeter juste le coup d'œil, hein, et on va partir, hein. Ah! Ah, vous êtes là! Allez, faut partir, hein! Allez, on meurt! Allez, monsieur le pastel! Monsieur le pastel! Venez, mettez le brother sur mon cheval! Allez, on part fast, hein! Allez, c'est parti! Iha! Ah, mais vous l'avez envoyé au bourbier. Mais elle va les sauver. Va les sauver. Oh my, les policiers. Oh. Et il me les ramène là. Vite, 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 vite. Ah. Oh non, non, non. Barrez-vous! Barrez-vous! Oh non! À l'aide! À l'aide! To the right! To the right! To the left! Ouh! Vite, 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 il continue, il court, hein, il court! Allez, cheval! Allez, cheval! Vite! Vite, il y a quelqu'un derrière! Va dans le champ! To the right! Trop tard, on l'a dépassé, il est con! Eh, mais j'entends rien, moi! C'est bon. Ouh. Ouh. Je crois qu'on les a semés, hein. Eh ben. Oh. Oh ben.
Je suis fatigué tout autant que toi, si tu vois ce que je veux dire, Pastel. J'ai pas con. Hey ah. Moi, t'es libre. Ça va, Baril? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais y a le vieux qui m'a attrapé et ils m'ont accusé. Je le sais, hein, mais tu sais qu'il était énervé, le vieux, hein. Si je le retrouve... Aïe mince, mais c'est pas à moi, hein. Si je le retrouve, attention. Tiens, attends, comme promis, je te donne le cachet du spectacle, même si c'était meeting raciste. Oh, bah j'y arrive pas, tant pis. C'est pas grave. Ah, mais je t'ai dit que je peux pas. Oh la vache, et quel coup de pied. Arrêtez les gars, c'est pas la solution. Encore. T'en veux encore? Ouais, c'est bon là. Ouh. Allez, go go go. Ouh. Oh, je suis fatigué. Oh. Oh, oh my. Est-ce que quelqu'un peut me pisser dessus là? J'ai froid. Moi aussi. Et je donnerai 0€ à la cagnotte de Valentine. Oh, j'ai compris le message. J'ai compris aussi. 0. Pour 1$, je mets les chaussures. 2$, je mets les chaussures. 1$, je mets mon chapeau. Oh, ça j'aime bien. Pour 5000$, je vis un voyage de rêve. Au Mexico. Pour 100$, je dépense 50 000€ avec ma société à Saint-Denis. Pour moi. Pour 100 000$, aïe, j'offre de ma propre poche 2$. C'est super généreux ça, monsieur le pastel. C'est comme ça, le cœur sur la main. Allez, 400 000€, je joue Mario Kart. Ben alors, oh, Mario, c'est pas très western, Mario Kart, hein. Le jeu de tarot, le jeu de tarot. Ah, ok, les cartes de Mario. Ok, j'ai compris. Ah, parce que moi, j'ai pas compris, là, le 2, là, t'as dit le railroad, j'ai pas compris. Ah. Oh, faites comme si de rien n'était, hein. Enfoiré, va, bah, enfoiré. C'est pas comme ça qu'on fait comme ça. On va se faire remarquer, hein. Ouais. Les gars, j'arrive pas à me relever. Ouais, bah, reste où tu es, hein. Oh. Bon, et c'est bon, là. Il t'a rien fait, le monsieur Pastel. Oh, voilà. Ah, il va se relever. Ah, bah, ça vous donne des envies, hein. C'est parce que vous vous tapez dans le ventre. Ah, bah, arrêtez. Monsieur, hop, monsieur, monsieur Pastel, vous savez pas comment vous relever, c'est ça? Non. Eh ben, vous appuyez sur le même muscle et vous refaites le même muscle. Hein. Et hop là. Bon ben, eh ben voilà. Tire slash ragdoll. Écoute. Ah, il se cache même plus, hein. Ah, il est con, c'est Beryl. Ah, y en a pas deux des comme toi, Beryl, hein. Toujours le mot pour rire. Allez hop. Je vous avoue que... J'ai le voix qui fatigue, hein. Il paraît exprès d'un médicament à base de plantes pour la voix. Bon. J'ai mal aux gorges. Et si on faisait un campement ici? Allez hop, j'installe. Ok. Ah. Juste un campement sur ta sale gueule. Comment ça juste... Oh, je peux... Attendez, les gars, venez. Je ouais. vais me laver. Venez dans l'eau. Ça m'intéresse pas, moi. Frotte-moi le dos. C'est sur ces l'eau pour se laver, ça. Eh, ça va marcher, je te l'ai dit, hein. Alors... Tiens, attends, on va te laver un peu, là. Hop, là. Oh oh. Je suis morse. Ah, j'ai eu peur, hein. Comment ça, je suis pas dans l'eau? Du sang. Allez. Tiens, l'enfoiré de vieux, il m'a vraiment pris mon lasso. Je me débarbouille. Ah, ah bon? Et voilà, je frotte le dos. Un peu de merds. Bah non. Oh. Ah.
Ça va, Hugh? Je me sens mal. Tu sais combien j'ai donné à la cagnotte de Valentine, Pastel? Non. 1 euro. C'est un bon début, hein? C'est comme ça que commencent les grandes sommes. Je suis généreux. Bon, je vais rester là pour ce soir. Je suis bien là-dedans. Ah bon? Bye. Ah. Bon. Ça fait du bien. Baril, hein? Oui. Tu sais combien j'ai mis de bombes dans l'événement de Saint-Denis? Non. 7. Ça fait un peu. Ça fait un peu beaucoup, hein? Pile ou face, je fais un attentat dans 5 secondes. Face. Y'a rien à faire sauter ici, hein, Beryl? Bon, messieurs, moi je me. Je vais me mettre dans l'eau, là. Allez hop, le cul dans l'eau. Ah! C'est dégueu, moi je m'assois. Eh, ça fait du bien par où ça passe, hein? Oh, putain, ah! La salope! Ah! 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 Ça fait du bien par où ça passe! J'ai le bide qui me tord là! Allez, mais lâche-toi, Beryl! Au milieu de la rue, y a pas de chiottes! Pastel, tu sais pas faire le prout? Si! Dans tes imitations! Regarde celui-là! Oh, ça fait les bulles! Ça fait les fort. Bubbles! Et c'est parti pour le show! Et c'est parti pour le show! Non, mais t'es vraiment en position levrette, espèce d'enculé de Yougle! Ça me fait du bien, hein! Je peux même plus me relever! C'est définitivement mort pour ce soir. Je peux même plus me relever. Allez, je repasse sur le Telegram. Discord. Il passe sur l'axe Y. Enfin. On est pas c'est bien, bon, là. C'est bon. Ah bah voilà. Ouh, quand même. J'ai une question. Est-ce qu'on peut aller à Guarma? C'est quoi Guarma? C'est quoi? C'est l'autre île du jeu. De la vie. De la vie. Et... J'avais pas compris les jeux. Il y a pas de blackjack là. Et c'est parti pour le show. Attends, je regarde sur le map. Je sais pas ce qu'on est pensé. C'est C'est pas ça là? Non, on peut ouais. Pas. On peut je crois pas. Je crois que c'est pas possible. Par contre, on peut aller à la prison qui est là-bas. De quelle prison tu parles? Regarde. Regarde Saint-Denis à droite. Il y a des icônes. Oui. Des icônes de la mode. Bateaux. On n'a pas de bateau. Ah. Mais t'es sûr qu'il y a des bateaux, là? Ouais, à 100%. Il y a un gros port. Hein? Et c'est moi. Tiens, roule-toi dans la boue, le porciné. Allô, c'est qui lui là-bas là? Et je vais le tabasser là avant de partir. Non. Alors on fait non. Ça en famille. Paril. En famille. Monsieur, j'ai quelque chose à vous proposer. Bah alors tu chasses. Alors on est tout seul? Ça chasse. Ça chasse, monsieur. Il est pas. Il est pas très parlant, hein. Oh, un chapeau! Qu'est-ce que vous faites? Il est solide, hein. Ça... C'est comme un pylône, hein, ça bougera pas. Ah, à la maison. Allez donc, hop! Ah, mais c'est. Mais c'est là-dessus que tu rebais le coq. Hey! C'est pas toi de taper merde! Hey, mais je suis énervé là. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Arrête! Oh, recule-toi! Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes où, hein? Dis donc!
Allez hop, quoi de mieux pour finir cette soirée? Allez, on va pisser. Voilà. Allez, on pisse dessus. Allez, entre brothers. Allez hop. Et que tu nous reviennes pas de sitôt, hein, le bestiole. Voilà. Allez. Ça valait le coup de modéliser les couilles des chevaux. Allez. Attention à ne pas croiser les jets, hein. Voilà. Eh ben... Essaye de l'attraper au lasso, là. Ah. Bon, ben voilà. Allez, hop. Eh, hey, pas pendant que je pisse, merde. Moi, ça n'arrête plus, hein. Sauvez-moi de là, là. Merci, hein, parce que... Attrape-le au lasso, attrape le truc au lasso. Ça marche? Bon, là. Ouais, tu bon, t'es trompé bon. De voilà, bête! Allez hop! Enfoiré. Attends, regarde! Oh! Tu l'as chopé! Allez, vas-y, 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 vas-y! Attends, regarde! Ça bouge pas, hein! Coup droit! Coup gauche! Coup droit! Coup gauche! Réessaye, pastel! Ouais, ça veut rien bouger. Allez. Du tout, hein! As-tu avancé, sa bête? Oh, silver punching ball. Attention, Beryl. Oh, elle s'est glissée. Bah, elle glisse. T'es résistant, sale bête. T'es un enfoiré. Et attention. Alors toi. Il avance. Oh. Hey. Wow. C'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi depuis tout à l'heure. Tu pourras pas me toucher. Wow. Essaye! Essaye! Hop là! Bon bah Beryl, hein. Mais tu l'as bien emmerdé, hein. J'ai fait ce qu'il fallait. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Allez! J'embarque dans un criminel. Attention. Donne une tape sur le cul au cheval. Poussez-vous. Mais je suis pas un putain de criminel. Oh putain. Bah, tu l'as mérité, hein. Tu l'as mérité, ouais. Bien dit. Attendez, monsieur, là, bougez pas. Moi. Bougez pas, monsieur. Vous allez, êtes bien crotteux, hein. Ah, il m'a dégueulassé. C'est ce qui arrive de la ville, you. Me jetez pas dans l'eau, il va me... Vous allez me noyer. Mais non, on va pas vous noyer. Bougez pas. Viens là, les chevals. Vous êtes malade. Oh, quel emmerdeur, putain. Ça aussi, c'est mérité, je pense. Et c'est mon allez, frère. Allez, laissez-moi. Bouge pas, monsieur. Ça va aller. Ouais, il est vraiment con. pardon, pastel. Wow, la patate, c'était pas... Allez, bon voyage, monsieur. À bientôt. Allez, je m'assois, moi. Ouh. Aïe. Oh non. Ça n'a plus aucun sens. Il va me tuer, tu vas me tuer. Mais tu vas me tuer. Je suis Morse. T'as mis le frangin dans un sale état. Oh. Complètement. Complètement orange. Oh non. Ah bah là c'est... Oh là. Mais j'ai rien fait moi.
Il est temps de partir pour ma part. Allez, je me sous moi tranquillou et j'y vais. Allez hop, bonne nuit à tous. Ah, c'est lui là. Ah ouais, c'est toi qui mets sur des chevaux, il te s'envoie là. Viens là, attends. Je suis mort, monsieur, laissez-moi. J'ai rien fait, moi. Le laissez tranquille. Laissez-moi. Je vais disparaître, je vous le dis, d'ici 2 secondes, tout au plus. D'ici 2 secondes. Adios, bambinos. Alt F4, comme ils disent dans le western. Hop là.